Salut tout le monde, bonsoir à vous, bienvenue à vous comme d'habitude, ici c'est Cal et je vous avoue, aujourd'hui je suis trop content. Comme vous pouvez le voir normalement, je suis sur StreamYard cette fois-ci parce que j'ai un problème d'overlay avec euh, ben mon OBS. Je vais d'abord écouter le son et reviens vers vous. C'est parfait. Nickel. Alors aujourd'hui, les amis, hein, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de First Soldier et un peu d'actualité euh, sur euh, Square Enix. Mais aujourd'hui, j'ai un invité de qualité. Vous l'avez kiffé à l'époque sur le live de Kingdom Hearts et c'est tout à fait normal. C'est mon homologue sur KH, tout simplement. Et je vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements dans le chat. On ramène Chronos tout de suite. Euh, salut Chronos! Salut. Comment vas-tu dis-moi Bien et toi Ça va super, super. Ah, Est-ce qu'on peut la refaire parce qu'ils n'ont pas assez applaudi, je trouve. Hein. <laughs> Ils n'ont pas assez applaudi. C'est pas très chaud dans le, sur le, le, sur le chat, je trouve. Ouais, hein <laughs> <Voilà. rire> Dites-moi les gens, le comment vous allez bah, ça va et toi en tout cas Moi, ça va, tranquille, franchement, là, je suis en congé Jusque vendredi prochain. Hein. on va bien. <laughs> oh, bien sûr, on va, on va quand même vous saluer, les gars. Hein. Salut Sora. Kuroganes. <laughs> Qui est là, magnifique. Bouchra, euh, Geek44, merci d'être là. Salut Didan, toujours, euh, euh, toujours là quand il faut. On va attendre un petit peu. De, 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 normalement, les gens vont un peu se ramener comme d'habitude. En tout cas, Arcaïm aussi. Ça fait plaisir, Arcaïm. Ça fait plaisir. Hein. Ces derniers temps, tu pas trop dispo. Mais là, tu es bien. C'est bien, tu es là. Et salut à toi, Stan. En tout cas, mille merci à vous euh, d'être présent euh, pour ce live. Hein, et je suis très, très content, euh, Chronos, que tu aies accepté l'invitation euh, pour ce live. Ça et, plaisir. Voilà. Et comme j'avais dit euh, avec Sefrius et d'autres, j'aimerais de plus en plus euh, faire des lives comme ça avec toi. Bien sûr, on fera des lives KH, ça c'est obligatoire. <laughs> mais déjà, First Soldier, jeu mobile, il y a mmh. des choses à dire. Et. Toi, tu es un spécialiste pour ça et c'est pour ça que je suis hyper content de t'avoir avec moi. Oh, oh, arrête de faire <laughs> le mode. Hein, tu peux un petit peu, tu peux te vanter un petit peu. Ça fait... De temps en temps, ça flatte ah, les ça J'ai un, un petit bac plus 10 euh, ah, euh, voilà. en Tant <laughs> qu'il est petit, ça leader. va. <rire> <rire> bac plus 10 heures, mais c'est tout. <laughs> ah, bah, c'est déjà ça de gagner. Salut Snake, salut Max, un grand merci à vous d'être là. Bah, si vous, comme je dis, pour ceux qui, sont, qui viennent d'arriver... Ce n'est pas ma configuration d'habitude. On est sur StreamYard. Ça veut dire tout ce qui est euh, euh, les followers et tout. Ça ne va pas être la même chose, les gars. D'accord Salut, Sourine. Merci à toi pour ta première fois sur euh, bah, la chaîne Twitch. Ça fait très, très, très plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est le début du week-end. Demain, bah, c'est le réveillon. J'espère que toutes et tous, vous allez passer bah, une bonne fête euh, du Nouvel An. Tu as prévu quelque chose, toi, Chronos Ouf, ouais. ouais ah, bah <laughs> oui. ben, tant mieux alors. Ah, ça... J'ai l'habitude des petits comités, mais là, ça... Ça va être euh... big. Ouais. Ah, bah ben, tant mieux, ça fait plaisir, tant que tu es bien entouré. Oui, oui, euh... Island. oui, tout à fait, Arkham, tout à fait. Ici, si on rigole pas. Quand j'invite, moi, c'est de la qualité. Euh, N'oublie jamais ça. <laughs> moi, je suis pas un floueur. Alors, euh, la dernière fois qu'on s'était vu, ben c'était il y a quand même plus d'un an. Un grand merci à toi, Snake, pour ton prêt. Merci à toi. Mille, mille merci à toi. Malheureusement, il n'y a pas les animations. Je ne suis pas sur euh, o, OBS, malheureusement. <laughs> la dernière fois qu'on s'était vu, ben c'était pour le, le live Kingdom Hearts avec Sefrius et ton collègue de KH Island. Et ça s'était très, très bien passé. Hein. J'avais adoré. Il y avait de la passion quand vous parlez de KH. Et ça, ça m'a fait. Plaisir de ouf. Alors, il n'y a pas eu de nouveau chaîne de mot qualité. Qu c'est un moi que tu dis ça. C'est cat <laughs> catastrophique. Franchement, Ils ont tout. Ils ont tout pour tout cartonner, mais ils arrivent quand même à foirer. Hein. Ah oui, je ne mâche pas mes mots. Hein. Ah ouais, moi, j'ai plus de pitié maintenant. Franchement, moi, ce qu'Arenic, maintenant, j'ai plus de pitié. On va me dire, ouais, c'est mon pas, Je m'en bats les steaks s'ils ne ont... veulent plus me donner les jeux, je, je les achèterai moi-même. Je les ai toujours achetés. C'est moi, moi j'en peux plus. Ils font des belles choses, hein. ils font des belles choses, mais là, j'en peux plus. Je jure, j'en peux plus. Je précise les gens, ça va être un peu le bureau des pleurs et des plaintes. Ah ouais, ouais, pas de pitié. Vous me pitié connaissez pitié les gars. Dire, allez, allez, y c'est <laughs> <C> maintenant. <laughs> lâchez toute la négativité que vous avez envers Square Enix avant les fêtes de nos... ouais, Alors, Voilà, euh, fêtes de fin d'année Voilà, lâchez tout pour 2022, pour partir du bon pied. pour 2022. <laughs> Pour demain, quoi, <laughs> trop fort. on veut les termes <laughs> doucement. et doucement, on voit que tu es chaud, <laughs> clairement. Ouais, ma euh, snake. On a l'habitude avec euh, Square Enix, mais bon, des fois on a des petites pépites et ça fait plaisir. On l'a déjà fait tout à l'heure sur le live de ses Ouais, mais c'est un spécialiste. Hein. <laughs> lui, lui, bah, je pense que vous, il s'en fout <laughs> trop fort. Alors, euh, chrono, je veux d'abord poser une question est-ce que tu as joué toi à faire soldier euh, ouais, une, une dizaine d'heures à ses débuts j'ai essayé d'y retourner pour me dire euh, allez je vais quand même voir ce qu'ils ont fait avant la fermeture mm -hmm. parce que oui pour celles et ceux qui ne sont pas au courant c'était en octobre de cette année ouais. euh, ils ont annoncé la fin du service du jeu c'est à dire que le jeu les serveurs vont être clôturés euh, je crois que c'est le 11 janvier si ouais, je sais que c'était début janvier. Début bon, en janvier. tout cas, c'est en janvier. Le mois prochain, euh, d'ici deux semaines ou plus tard, à euh, plus FF7 euh, First Solder. Et donc, du coup, je suis allé voir et j'étais déjà salé avec ce jeu, mais là, je le suis encore plus. Salut, <laughs> DBS mais... Parce que déjà, il y avait un point positif. C'est peut-être même l'un seul des seuls que je pouvais trouver avec ce jeu, c'est que le jeu était traduit en français. Oui, ça c'est bien ça. Pour avoir des jeux mobiles traduits en français de la part de Square Enix, il euh, faut y aller. Euh, voilà, il faut, faut, faut prier. Parce que là, je vous le dis d'avance, Ever euh, Crisis, Missing Link, euh, je pense que vous pouvez vous brosser un hein, pour une traduction. Oh. Je pense que c'est mort. Quoi. Même pour Ever ah, non, Ever Crisis, rêvez pas. Hein. Est déjà, la bêta, elle va être en japonais en de FF7 où ils ont balancé Rebirth, euh, Ever Crisis. Euh, Ever Crisis, euh, à la fin, ils mettent, euh, ils mettent pendant une fraction de seconde euh, seulement en japonais et en anglais. Et anglais. Alors, la, la majorité des gens ont interprété ça en disant Ouais, mais il parle de la bêta. Je fais Non, 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 non les non, gens, le parlent ne jeu, ouais, jeu complet. C'est un jeu complet. Ils doit préciser si c'était la bêta. Là, ils l'ont glissé discretos. C'est qui le savent que ça va faire aller quoi. C'est un truc de fou, je te le jure, je te le jure que c'est un truc de dingue. Tant, quoi, malheureusement, comme je l'ai dit, normalement tout le monde le sait. Moi en Belgique, euh, j'y ai pas accès vu que c'est un gacha. Nous, c'est ici, c'est interdit. Et des fois, je me dis, c'est pas plus mal que ça. C'est ça, tu es préservé, tu restes. Pur. Voilà, je peux rester pur. <laughs> Trop bon. Sinon, le Deep grand euh, n'en aura pas après toi. <rire> voilà. <rire> Tant Sinon, dis-moi. Euh, toi, tu as joué, même si c'est une dizaine d'heures, 10 heures, c'est quand même euh, un certain temps de jeu. Tu peux, ouais. te tu peux donner ton avis. Techniquement, pour toi, First Soldier, qu'est-ce que ça donne En vrai, euh, ça pourrait être un bon jeu mm -hmm. si, ben en fait, Square Enix avait mis son savoir-faire dans ce jeu, en fait. Euh, je, je le, on le présente rapidement, le jeu pour faire Ouais, vas-y, vas-y. Vas vas ne le vas connaissent pas du tout Vas-y. sait ton jamais s'il <laughs> y en a deux trois qui sortent d'une grotte et qui savent pas qu'il y a eu un FF7 The First Soldier. Salut. Euh, alors, FF7 The First Soldier de, de base. Square Enix a voulu se lancer dans deux jeux mobiles FF7. Mmh. Ever Crisis qui va bientôt sortir et The First Soldier, euh, sachant que c'est directement les PDG de, de Square Enix qui ont dit on, on fait ça, on fait deux jeux, dont un qui sera un jeu battle royale. Parce que les copains d'à côté de Epic, ils ont sorti euh, Fortnite, <laughs> ils disent, ils brassent des, des millions euh, avec ça. Ça marche, il faut qu'on fasse pareil. Parce que sur un ex, quand ils ont un bon filon, ils, et, ils, ils vont dedans. Vont. En fait, <laughs> et, ils rentrent dedans. Et justement, ben, euh, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'était Kitazé qui est allé voir un, un pour lui dire, ben, tu as le choix. Battle Royale ou Ever Crisis Et Nono a dit... Allez, balance les deux, s'il te plaît. Parce que... <laughs> non, non, il, a... il était chaud, non, non. Ah, là, là, il, a... il avait fait... J'ai un peu... Bon, il n'a pas dit ça, quoi. Oh, mais moi, je, je l'interprète comme ça, en mode, j'ai peur de ce que vous allez faire avec ça, donc euh, laissez-moi au moins limiter les pots cassés, quoi. Ah ouais, quand même. Hein. Et donc, du coup, bah, c'est là qu'on a eu euh, The First Soldier, qui, est donc, vous l'avez compris, un Battle, Royal, Battle Royale. Euh... Euh... Très pompé de, de Fortnite. C'est le même principe. Si. On est dans bien un hélico. On, on, on fait tous une chute libre sur un terrain géant où on se marave tous la gueule pour, pour finir top 1. Alors, perso, je ne suis pas client de ce genre de jeu, mais bon, en fait. je comprends qu'il y en a qui peuvent aimer. Si vous aimez la compétition, c'est. C'est un genre de jeu ouais, que, que vous pouvez apprécier. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce jeu pue l'opportunisme. Ah, on, on est d'accord là-dessus. Il, il ne respire aucune passion. Je, alors, je ne sais pas si ceux qui l'ont essayé ont le même ressenti que moi, mais on sent que les développeurs eux-mêmes n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Putain, j'ai même pas. C'est normalement même si un jeu on sent, euh, respire l'opportunisme. Si les développeurs ont aimé ce qu'ils ont fait, ça se voit un minimum. Sauf que là, c'est un, un, un skin de Fortnite, mais en moins bien. Oh putain. Enfin, c'est un Fortnite avec un skin de FF, en moins bien, en moins poussé. Euh, et Alors, le truc bien, c'est qu'ils ont, par exemple, ils ont été assez intelligents. Ils ont mis un support manette. Ah, ça veut dire un... que tu pouvais oui. jouer avec la manette. Ouais. bon, le, ouais. le support était claqué au sol, le euh, <laughs> support manette au début. Là, j'ai vu qu'ils ont un peu amélioré ça, et maintenant, ils ont mis les boutons de la manette PlayStation, par exemple. Moi, je joue avec une manette PlayStation. La manette PlayStation, on voit les boutons de la manette euh, en jeu, et ça, c'est bien. Sauf ah, que okay. c'est un peu trop tard, là. Le, là, ouais, est le jeu, il, est... <laughs> le, le jeu il, va, il va fermer, quoi. Mais voilà. Alors, sachez que il y a, il me semble... Parce que j'ai dormi entre-temps. Euh, <laughs> parce que là, actuellement, on ne peut plus faire de micro-paiement. Ouais, ouais, voilà. Vu qu'ils ont annoncé la fin du service, ils font comme Kina Martin on Cross. À l'annonce de la fin, ils arrêtent les micro-paiements parce que bon, Scoranix aime bien se faire beaucoup d'argent, mais ils ont quand même un minimum de dignité à ne pas... Ça, ça m'a étonné par contre. Ça, ça m'a ah, étonné quand j'ai appris qu'ils allaient enlever les micro-paiements. J'ai dit, ah oh. Une once d'humanité, ce Enix C'est bien. Alors, ça. Je pense, je pense honnêtement que si ça c'est plus parce qu'il doit y avoir des lois au Japon ou aux États-Unis. Ah, okay. et... <laughs> je me disais Je, je pense qu'il bon. sait pas s'il doit y avoir des lois parce que euh, voilà, c'est un peu dur à croire venant d'eux quoi. C'est un truc de ouf, je te jure, c'est un truc de ouf. Et c'est un jeu du coup à reprendre. Il me semble pas qu'il y avait du, du gacha. C'était vraiment euh, ach, euh, full achat de skins. De, ouais, je crois que c'est ce on avait confirmé qui, en ça. en soi, n'aidait pas à gagner le jeu. C'est vraiment comme, un, comme un Fortnite, du peu que j'en ai vu. C'est vraiment, vous ne serez pas meilleur avec des skins. Euh, là, par exemple, il bon, n'y a plus de... Comment ça s'appelle Il n'y a plus moyen de, de payer quoi que ce soit dans le jeu avec la vraie monnaie. Mais par exemple, là, si je vais dans le shop, on peut, pour ceux qui ont gardé de, de la thune avant l'annonce de la fin du jeu... Euh, les gens peuvent s'acheter des costumes de, de Sephiros pour hommes et femmes. Euh, Sephiros euh, tenue normale, Sephiros mmh. tenue torse poil, par exemple. Comme ça, et on peut, peut avoir ça. une tenue de alors, tenue de Chaos de non pas Stranger of Paradise. <laughs> je parle de euh, d'Argent Sibirus, de la transformation de Vincent. On peut mmh. avoir le costume de Weiss et un costume de Vincent Cadage et euh, L... de Loz. Ah. Ouais, ouais, les trois connards de Voilà, On Wendor. peut avoir ouais. leur costume à eux en ce moment. Ils avaient une période même où ils ont mis des, des skins euh, des personnages de FF7. Ah ouais, en 3D. Ouais. En SD, en Super SD. Mais voilà, c'est pas ça qui vous fera mieux jouer. Euh, c'est bah, bah, côté, le, pour... tant que c'est des costumes, à la limite, moi, ça, ça, ça me dérange pas. Moi, quand et... j'ai appris que que je mets game pass par contre ils ont mis un game pass non non pardon pardon pas un game pass un battle pass pardon je vais y arriver comme le dit enfin comme ça le comme le dit je vais essayer de bien prononcer ton pseudo dit gidan ils font comme chocobo gp comme le défend et pas regretter du tout euh, Babylon's Fall, ils mettent, <laughs> du... ils mettent des battle pass de partout. Ah, ben, si au moins c'était des battle, à la limite des battle pass de qualité, je t'aurais dit oui. Je peux à la limite comprendre, mais quand c'est que du skin, de... je ne ben, encore, pas... encore que ce soit là, par exemple, pour un jeu mobile free to play, le battle pass, je veux dire, à la rigueur, ok. C'est pas. C'est un moyen, on va dire, d'essayer de, se... de rentrer Faire dans leur Mmh. Sachant qu'en plus il y a pas de gacha de ce que j'ai vu, donc en vrai et même même s'il y avait du gacha c'est pas ça qui ferait mieux jouer donc en soi ça passe. Moi ce qui me dérange par contre euh, mais on en reparlera plus tard euh, mmh. c'est quand ils mettent des, des Battle Pass sur des jeux qu'on paye déjà à l'entrée euh, 60, 70, 80 euros quoi. Ça ça c'est clair ça on est d'accord là-dessus on est euh... d'accord là-dessus. Là mais voilà après le jeu euh, bon il y a comme aspect Final Fantasy. Vous pouvez avoir des jobs. En euh, job, euh, attendez deux secondes, je. Attonez, attonez. De quoi? Attonez, attonez. En euh, job, ouais, on... Là, actuellement, on me propose. Euh, parce que c'est en anglais, du coup, on me propose ouais. guerrier. Il y avait ninja, ninja, euh, moine, voleur, chevalier dragon, machiniste. Ah ouais, quand même, hein. il y avait quand même des petites classes quand même. Hein. Ça, je ne sais plus comment ça se traduit en français avec les cartes. Ah ouais. Genre, cette euh... zère euh, ouais, ouais, je vois celle qu'elle Ah, je vois celle qu'elle Dans le Mais chat, voilà. mettez plus un hein, à ceux qui ont joué à. à faire soldier. Je, 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 je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux. Et en fait, le. Bon, après, je, je décris vite fait le. Ouais, le ton œil, ouais, ouais, bien sûr. Euh, voilà, vous, vous allez être lâché. Alors, je ne sais plus combien on est de joueurs au total, je pense une centaine. Euh, on est lâché sur une grande map, ça peut être dans Midgar, ça peut être dans le Cognon en, en dehors de Midgar, ou même dans différents quartiers comme euh, le, secteur, euh, le secteur 5, je crois. Mmh. C'est dans le secteur 5 qu'il y a le truc de Don Corneo euh, ouais c'est c'est dans le secteur 5 c'est ça ouais. mais voilà on va avoir différents secteurs on... après bah, c'est le but c'est qu'il n'en reste euh, il n en reste qu'un comme dans euh, comment il s'appelle comme dans Fortnite on va avoir une espèce de zone qui va se rétrécir au fur et à mesure pour pousser les, les joueurs bah, à se rencontrer mm -hmm. bah oui c'est vraiment ça pareil on va on va rencontrer d... par contre des mobs en plus des joueurs à taper pour justement gagner de l'expérience et de l'argent qu'on va pouvoir aller dans des distributeurs pour upgrader nos armes, acheter des potions enfin voilà et parfois même on peut même rencontrer des gros, on peut même rencontrer des boss en fait, en plus des joueurs par exemple tu vas rencontrer le gardien scorpion du début d'FF7 comme quoi il y avait du potentiel quoi et c'est là que j'ai envie de dire euh, Salut, euh, moi, j'ai envie de dire en fait pourquoi ils se sont contentés de faire comme les autres du Battle Royale. C'est ça qui me dérange là. Alors, je, ça, vous, ça se vaut pour uh, The First Soldier, <laughs> mais aussi pour plein d'autres jeux Square Enix. Euh, j'ai en, envie de dire. Euh, alors, oh, non, je vais me poser une question. Qu'est-ce que vous attendez de Square Enix Genre, Square Enix veut faire un Battle Royale. Mmh. C'est acté, ça va se faire. Qu'est-ce que vous attendez de Square Enix dans ce genre de cas Qu'ils fassent un mauvais copier-coller en moins bien, une contrefaçon mais en gros Ou est-ce que vous voulez qu'ils ajoutent en plus de ça leur savoir-faire Mais bien Final sûr. c'est quoi C'est un univers, c'est des personnages c'est une aventure, c'est une évolution de personnages qu'on découvre au début de l'histoire et qu'on va voir évoluer jusqu'à la fin. C'était pas compliqué de faire un mode campagne où on va avoir deux trois mauvaises scènes avec même juste des dialogues à la, ouais, voilà, par exemple du scénar juste une mauvaise boîte de dialogue avec juste une image d'un personnage sans forcément faire des animations il y avait tellement à raconter euh, parce que là l'histoire se passe alors on nous dit 30 ans avant FF7 ouais. mais en réalité c'est plus euh, c'est plus c'est plus 12 ans je crois parce que 12 ans, en, euh, 12 ans parce qu'FF7 ça commence en 2007 et euh, l'histoire de... Enfin, la supposée histoire de The First Soldier commence en 89. Donc... Euh, ah, ouais, ouais, non. Euh... non, ouais, c'est ça. Euh, parce que le pire, le pire, quand on a vu la... Salut, Silar. Euh, salut à tous ceux qui sont arrivés, parce que salut, moi, je suis, fond, là, je suis à fond concentré sur Chronos euh, <laughs> qui, qui dit. Moi, ce qui m'a... Quand j'ai fait le trailer, quand on a vu le trailer, je me rappelle la première fois, moi, j'ai pété un câble. Moi, j'ai pété un câble dans le sens où... Euh, ils Nous ont montré projet, euh, projet secret. On voit le père projet de Zéro. Rufus. Ouais, on voit le père de Rufus quand il est jeune. On s'est dit, mais c'est beau, First Soldier, on a tous plané. On s'est dit, le premier bah, c'est Sephiroth. On a tous pété un câble. Moi, j'ai dit, ils l'ont mis dans le mille. Ils vont se faire leur battle royale. Ils vont se faire du fric. Mais en plus, ils vont rajouter le savoir-faire de Square Enix et ils ont Final Fantasy VII, une histoire, mais ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent, parce que c'est une période qu'on ne connaît pas. Ça. Ils ont tout foiré. Bah, les gens, c'est simple. Euh, moi, je peux vous proposer, si vous voulez, un résumé complet de l'histoire de The First Soldier, un résumé Alors, de 2 minutes 56. Vous tapez sur euh, YouTube, vous tapez euh, Final Fantasy VII euh, The First Soldier Opening. Et vous avez réellement, <laughs> sans blaguer, vous avez toute l'histoire du jeu. L'histoire du jeu se résume en, en 2 minutes 56, parce que c'est toute l'histoire qu'il y a. Mais, mais franchement, moi, au début, je, je me suis dit, allez, tu, tu vas créer un, un, un soldat. T'allais créer mmh. ben, le Force Soldier, ton soldat. tu ouais, okay. T'allais rencontrer Sephiroth. Euh, T'allais faire des missions pour Ojo. Mais putain, le potentiel Non, oh, mais avais toute une histoire. Ben, toi, et bon, au final, c'est ce qu'ils vont faire dans ever <laughs> où, où ils vont finalement raconter ce, cette histoire-là. Il y avait... En fait, pourquoi le but c'est de créer les, les premiers soldats Pourquoi euh, ne pas créer justement une histoire avec deux trois personnages, euh, des frères d'armes en gros qui vont évoluer ensemble, qui vont se soutenir en plus c'est ce genre de choses que la Shinra euh, peut très bien se servir pour sa propagande pour vous dire euh, enrôlez en, en, enrôlez-vous chez nous, chez nous on, on est bien, on est gentil, on s'entraide, on se soutient il y avait tellement de choses à faire à faire vraiment une évolution de, de, de trois personnages mais voilà c'est ça euh, genre euh, voilà c'est euh, euh, la journée battle royale et le soir on se retrouve petite scène pour voir nos personnages qui décompressent un moment de pause de répit entre euh, dans les batailles royales. il n'y avait pas besoin de faire une histoire super compliquée de ouf avec oui, bien euh, sûr. des météores qui tombent sur la gueule oui. de tout le monde, de, de faire des, des explosions de partout. juste une histoire de quotidien de, de, de miliciens de la Shinra qui essaye d'entrer dans le soldat. rien que ça en vrai, je mais pense cas, que ça pourrait déjà apporter un, un peu d'air un plus, un plus, un peu déjà rien que... à, à la mythologie FF7. Ça, ça été... rien qu'à l'époque sur PS2, avec Dirge Cerberus, mm. il y avait un multijoueur. Tu étais un des soldats du Deep Ground. Tu rencontrais Argento, tu rencontrais tous les soldats. Mais c'était excellentissime. Mm. Ils avaient tout pour faire une, une bonne histoire. Hein. On ne te demande pas de nous faire un FFC. Comme tu as dit, des petites scènes. Il ambitieux pour faire Mais une oui, bonne bien histoire. Sûr. Bien sûr. En plus, tu nous, tu nous tisses trois personnages. On a tous pétacle. Ouais, c'est le, le père de Cloud. Ça aurait très bien pu être le père de Cloud. On, tout le, on aurait tous plongé comme ça. On aurait tous plongé. On oh, te demande des bêtes petites scènes. Ok, tu fais ton battle royal. Déjà, fais-le bien, s'il te plaît. En plus, que c'est la période de l'enfance de Séphiros, quoi. Il y avait moyen de faire un truc avec lui, quoi. Mais vous vous rendez compte, les gens, s'il vous plaît toi, tu es en train de jouer avec ton personnage, tu le, tu le développes, euh, tu rencontres, comme il l'a dit, euh, Chronos, avec ses petits, le, le petit trio, là. Tu rentres avec ce trio, d'accord ?« Eh ouais, vous avez entendu, il euh, y a un type qui s'appelle Sephiroth, il, il, est, il est rentré dans le soldat et tout le bazar. » Et de temps en temps, tu le rencontres comme ça. Ouais, hein, parce que c'est Sephiroth, c'est Angel, c'est Genesis. Ils, ils étaient vivants, vu que ça c'est 12 mais, ans. Mais, mais tu vois, mais putain de la merde, le potentiel On a tous dit « Putain, on va voir Genesis, on, on va voir Angel, oh, enfin, ils vont les développer. » Rien du tout. Rien non, du tout. 18 ans, C'est 18 ans, pas 12 avant… Euh... 18 En 18 ans. Euh, en... Sephiroth, je sais plus quel... Il a quel âge déjà, c'est Sephiroth, environ Firos, euh... Je ne sais même pas. Oui, es... que je suis tenté de dire la trentaine, mais... Je crois qu'il qu a la clair, trentaine, il a normalement. An, mais... Il a la trentaine, normalement. Euh... Ouais, Parce que, bon, après, peut-être pas Sephiroth, mais Angie il avait clairement l'âge pour... Euh... Mais te plaît, quel... mais quel gâchis de ouf c'est voilà, en fait, pas compliqué de mettre un, un, un petit mode campagne en plus de... de, euh, bah de, de parce que après oh, le jeu, en fait, ses principaux modes, c'est match classé et match libre. Un petit mode campagne avec deux trois scènes. Parce qu'en vrai, vous enlevez le côté battle royale dans, dans le gameplay où on est dans, dans une grande zone. Moi, en fait, je me, je me plaisais plus à aller taper, à tirer sur les mobs et affronter un robot scorpion qu'on va croiser à un moment donné, euh, je me plaisais plus à faire ça. Que ouais, parce que tu euh, découvres l'univers d'FF7, tu vois. Tu découvres l'univers d'FF7 des années, des années avant. Mais ils avaient tout pour réussir. Mais maintenant le problème, ils disent qu'ils vont mettre tout ça dans Ever Mais ça veut dire qu'on aura un jeu avec ça. Comment ils vont mettre ça en place, l'histoire de Sephiroth dans Ever Moi, c'est ça que maintenant je me pose la question. Ah, J'ai compris que c'était deux choses séparées. Quand euh, ce sera deux histoires différentes, il me semble. Ok putain mais quel gâchis mais voilà après euh, c'est ça qui est marrant c'est que euh, ça ce que je dis le, sur le fait qu'ils auraient dû faire une histoire beaucoup m'ont rétorqué en me disant ouais mais non de toute façon il euh, euh, y a jamais de scénario dans les battle royale." je fais mais justement c'est là où tu aurais pu gars, cartonner dit, est ce que vous attendez de Square Enix -ce que vous mais c'est ça de des histoires c'est la même putain. chose que les autres en moins bien et donc du coup pourquoi aller chez eux et pourquoi ne pas ajouter leur savoir-faire et c'est ça qu'ils savent faire en général Square Enix et réclamer la même chose que les autres, mais en moins bien, je vois pas l'intérêt en fait. C'est tout pourri, c'est clairement euh, tout pourri. Hein. Attends, on va quand même prendre quelques messages. Alors, pour Chronos, ben... tu as eu le certificat du soldat il y a quelques semaines dans le jeu. Je sais pas ce que, de quoi il parle. Euh, alors, je... Moi, j'ai joué 10 heures à la sortie <laughs> du jeu, j'ai arrêté, et là, j'ai relancé une partie, mais j'ai même pas joué, juste, je suis juste au menu, et oui, j'ai un certificat qui me dit soldat de troisième classe, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait, donc... Euh... Et ça a répondu à ta guy 44, à... si tu y joues toujours, ça répond aussi à ta question, on va quand même voir. Après, les gens, sachez que le jeu, vous pouvez encore y jouer, c'est juste que vous ne pourrez plus euh, faire de micro-paiement, mais vous, pouvez... vous avez jusqu'au 11 janvier, si je ne dis pas de bêtises, pour y ouais, jouer. Ouais, c'est 11 janvier pour, euh, pour y jouer. Alors, Iosos, alors, je pense que Sephiroth Jeune, c'est juste un skin, le jeu a l'air d'être un gacha, on voit des équipes avec Zach et Iris... Le... Ah non, non, la différence si je jeunes, ça, ça a été confirmé. que c'est ce confirmé. De... Hein. Et ça, ça, le jeune Sephiroth. Ouais. Ça, c'est dans Ever Crisis, tu vas voir l'histoire de Sephiroth. Mais là, les amis, ils ont intérêt, mais à tout défoncer. Parce que je peux excuser le foirage de First Soldier. Je vais même leur dire, Cher, ça vous apprendra. Ouais, on, a tous mais bien, je... on a tous pensé un peu comme ça. Voilà. Chers. Mais j'espère que. Vu qu'ils ont repoussé Evercrisis Evercrisis va être repoussé d'office. Ça veut dire qu'ils vont rajouter des trucs. En fait, tout ce qui n'a pas été mis dans First Soldier, <laughs> ils vont le mettre dans Evercrisis Mais c'est quand même un truc de dingue, quoi, putain. T'as as un jeu mobile, ok Les Japs les jap, ils kiffent les jeux mobiles. On est d'accord là-dessus. Tu prends le risque de faire ton Battle Royale, ok Pourquoi pas Tu prends l'univers Final Fantasy VII. Tu sais que tu vas ramener du monde et tu pars en couille et tu mets pas d'histoire. C'est ça. Après, j'avais vu ça sur le chat quelqu'un le mentionnait que. Oh oui, et je suis d'accord. En vrai, ils ont fait un Battle Royale. Personne ne l'a demandé. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Personne bah ne bah en ouais. Encore aujourd'hui, quoi. Clairement. C'est. Tu vas voir. C'est tu... pour ça que ça pue l'opportunisme en fait. Bien, sûr. Ça se Bien en... Sûr. Et ben, Tu verras. Tu verras. Ever Crisis, il va beaucoup beaucoup mieux marcher. Ouais, et... Mais il sera pas en français. Ah, ça, clairement. Ça, ça, je suis prêt à parier un pécule là-dessus qu'il ne sera pas en français. Hein. Salut, Ginch. Le truc, c'est quoi, à la limite, que ce soit en anglais Ça me va. On va dire que c'est pas du Kingdom Hearts. Tu vois oui, pour le scénario, c'est vrai que c'est une histoire que l'on connaît déjà. En voilà. contre, ça fait chier pour Before Crisis et pour les histoires originales. Quoi. Ça... Moi, d'un côté, je m'en bats les steaks parce que je connais les histoires par cœur. Tu vois, mmh. euh, Before Christmas. Ah, ouais, voilà. Ça, à la limite, moi, je me débrouille bien en anglais. Je peux pour ça, je peux prendre du temps à aller chercher. Tout ça. Mais par exemple, Kingdom Hearts, c'est trop compliqué. Ah, je précise, les gens, c'est pas confirmé, mais. Juste pour vous dire, en Square Enix les gens en français, euh... ils avaient sorti FF Record Keeper il y a très longtemps. Très longtemps, ouais. était en français. Ils ont abandonné la traduction française un an avant qu'ils arrêtent le jeu. Putain. Donc déjà, euh, ils ont euh, ils, parce que Ubisoft peut arrêter des traductions en cours. C'est pas bah parce vous avez une traduction française au début que ça va persister. Là, ah, par bon, exemple, clairement. pour, pour The, First Sword, The First Soldier, la traduction était avant, a, tra... a été abandonnée. Ah ouais, mais ça, ils n'hésitent pas avec ça. Ils n'hésitent pas. Vous ça. avez Brave qui est un peu leur gros jeu le plus rentable, qui lui il est toujours en français. Il y a Bref, Exus War of the Vision qui est toujours ouais. en français. Et après, vous prenez Final Fantasy Dissidia, Opera Omnia. Lui, il en anglais tout court. Hein. Qui, en vrai, est peut-être l'un des meilleurs jeux de Square Enix. Il n'est pas en français. Vous prenez Nier Réincarnation. Nier. Enfin en je... 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 La licence de Nier, je pense qu'on peut dire qu'elle est dans le top 5 aujourd'hui des licences les plus rentables de Square Enix. Ils ne l'ont pas traduit. Putain. Alors que c'est un truc très important pour le lore de, de la de, série, de, de, hein. ouais, c'est ça, clairement. Kotaro, quoi. C'est une réincarnation, c'est voilà, on peut se brosser. Euh... Alors, lui il compte pas parce qu'il était même pas sorti euh, hors du Japon et il y avait même pas encore les, les... tout l'aspect gacha, mais il y avait un jeu à mobile FF7 aussi. Euh... J'ai ah ouais le tutbike, ouais Il ouais. avait été traduit aussi, mais mm -hmm. je ne sais même pas s'il si avait été traduit en anglais. Euh, il y avait quoi d'autre comme... Alors après, il y a plein de jeux aussi de Square, Enix, de Square Enix qui ne sortent pas du Japon. Pas du tout du Japon tout court. Ouais. Bah, par exemple, il y a un jeu euh, qui s'appelait euh, Gate of Nightmare. C'était un partenariat entre Square Enix et le mangaka euh, Hiromashima qui ah, on le connait par pas un fait Fairy Tail Rave et actuellement ouais. Eden Zero. Zero et en vrai le jeu était pas dégueu du tout jeux... bah, après il est resté qu'au Japon et là ils ont fermé c'est aussi... aussi un jeu comme Ever Crisis où ils ont arrêté le, le service quoi, en ligne le jeu il, il a vécu à... de fou même pas, quoi, même. Même pas un... à peine un an à peine un là. an qu'ils ont déjà arrêté et là, euh, le dernier gros jeu de Square Enix qui n'est pas sorti du Japon et le jeu, par contre, il est vraiment de bonne qualité, c'est Full Metal Alchemist. J'ai entendu parler de ça, j'ai entendu parler de ça. Ah, c'est qu'au Japon, que... ça Ouais, bah parce que euh, pour ceux qui ne savent pas, Square Enix, de base, au Japon, ils ont aussi une branche euh, édition de manga. Et ouais. pour ceux qui ne savaient pas, Full Metal Alchemist, il euh, euh, y a Black Butler. Pour mm -hmm. ceux qui connaissent, il y a Pandora Heart. Tout ça, c'est des mangas édités par Square par Enix. S'ils Enix. Enix... sont là, c'est grâce à Square Enix. Et Square Enix, il... vu qu'ils ont les droits des mangas, ils ont aussi le droit des jeux. Et ils ont fait un manga pour les 25 ans, je crois, de Full Metal Alchemist. Oui, Et le jeu, en vrai, il le sortirait sur console, sur Switch, dans l'état. Sans le côté, ga... Sans le côté euh, gacha. Ça... En fait ça passerait crème en fait le ce serait un excellent jeu. Putain, mais je veux dire même First Soldier tu l'aurais mis sur Switch. Mais mmh. même... mmh. tu le laisses en... tu le laisses en mais tu le laisses en sur Switch bordel de dieu, il se serait vendu mais de dingue. Tu fais tu peux même le vendre. Je te le jure que je l'aurais acheté pour la collection. Pour la collection, je l'aurais acheté. C'est du FF7, tu vois. Mais c'est c'est mmh. Mais maintenant, moi, j'ai peur avec ce First Soldier, maintenant. Je, je te pose une question à uh, chat aussi. Hein. Est-ce que tu crois que ça va, ça va avoir des graves répercussions, le fait que uh, First Soldier est foiré à ce point ah ben, S'ils l'ont repoussé, euh, s'ils ont repoussé déjà la bêta ouverte, pour, enfin, pardon, la bêta fermée, fermé. clairement à cause de ça, parce que Square Enix, ils enchaînent actuellement les, ouais, les, les ça, échecs. Sont... Euh, comme l'avait dit, euh, j'en ai discuté euh, tout à l'heure sur, sur Twitter avec Pompino de de Final c'est comme il disait, Square Enix, en fait, il joue au loto. Et... Ouais, il faut au pif. <laughs> il, il enchaîne les ratés en, en espérant un jour tomber sur le bon numéro. Quoi. Putain, c'est un truc de fou. Salut Baron, merci à toi pour ta première fois d'être là. Merci à toi. Mais c'est comme, comme le, le, le... Mais oui, pour moi, ça va, avoir, ça va avoir des répercussions parce que déjà, pour... c'est ce qui fait que pour moi, on n'aura on aura, on aura très probablement pas de traduction pour y voir Crisis. Ça, j'en suis sûr et certain. Moi, je suis fait. On n'aura pas de. Ils, va... Ils vont pas prendre le risque de gaspiller et... plus de fric. Euh... Et le pire, et, et le pire, c'est que ça... Si le jeu euh, subit un échec, ça sera en partie à cause de ça, qu'il n'y ait pas de traduction. Parce que, en vrai, The First Soldier, c'est un jeu qui a forcément à diviser. Forcément, c'est pas le genre de jeu que l'on voulait. Sauf Bien leur crise Crisis. Tout le monde le veut. En fait, à la base, c'est presque. Evar Crisis, sans compter l'aspect mobile, euh, gacha, free-to-play, tout ça, Evar Crisis, le concept de, remas... de faire. Il, il a frisé, on va attendre un petit peu. Un... Ah Comme ils disent, c'est la phrase qu'il y a au début des bandes annonces, un, un autre genre de remake. C'est ce que, limite, beaucoup réclamé En fait, ben oui, beaucoup ils disaient, bah, en fait, on, nous, on veut le FF7, le même, mais en plus beau. C'est-à-dire qu'on garde les mêmes plans, les mêmes menus, euh, les ah, mêmes exactement. Maps, mais juste en les refait en plus beau. Et, et, et le pire, c'est que c'est beau. Beaucoup, je connais des gens qui sont réfractaires au jeu mobile. Quand ils ont vu ça, ils ont dit bah, je vais craquer. Et, et vous allez voir que, du coup, le jeu, ils vont sûrement sortir en France, mais pas en français. Enfin, en Europe, mais pas en français, pas en allemand, pas en espagnol. Et à tous les coups, on... bah, le jeu va se vautrer parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi, par exemple, qui sont des quiches en anglais qui vont même pas y toucher, qui vont se dire euh, « Ça fait chier !» Et le jeu bah, va, va se vautrer et ce qu'on tout ce qu'ils vont se dire, c'est « Ah, bah, c'est juste que ça n'a pas intéressé les gens. » Mais ils sont fous, quoi Ils savent que c'est FF7 Mais c'est... Non, mais c'est pas possible moi ils peuvent pas se dire que les gens ne vont pas s'intéresser à FF7 ils, ils voient l'intérêt que la saga Final Fantasy oui, mais VII. en fait le, le, le problème c'est que il faut vraiment se mettre en tête que Square Enix on a les studios de développement les, les créatifs et on a la partie euh, la, la, la partie supérieure la, tout ce qui est et hiérarchique le PDG de Square Enix qui eux, en fait, ils n'en ont rien à foutre des sûr. jeux. Ils en ont, ils, en ont, ils en ont rien. Ils en ont rien à... Eux, ce qu'ils veulent, c'est ramasser de la thune. Peu, peu importe que ce soit bien 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 gagné, mal gagné, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire de la poignant. thune. Et Merci, Chronos. Et voilà. Je me sens compris. Ça <laughs> fait deux ans que je vous le dis. Square Enix, c'est une société qui est là pour se faire du pognon. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. c'est ouais. euh, Peu importe qu'on aime bien les créatifs de Square Enix comme Nomura, comme. Euh... Je suis désolé, je connais que son pseudo, Yoshipe. Uh, Yoshipe, <laughs> uh, Yoshida. Yoshida. Yoshida, qui est fait Affaire uh, 14 et qui est. Producteur, enfin pas un réalisateur de FF16, mm -hmm. euh, on a beau les aimer et à tort ou à raison, mais le truc c'est que ces gens-là, c'est pas eux qui décident. C est c est pas eux qui dé Merci! C'est pas, pas, pas Merci. eux qui définissent un budget de jeu. Alors, ils vont peut-être proposer des jeux, ils vont dire on a besoin de temps, mais c'est pas eux qui vont dire oui, ça se fait, oui, ça se fait pas. Ah voilà, parce que, que j'aime bien donc, dans la communauté, on va, par on va parler de Nomura. En fait, Nomura, il décide de tout. <laughs> c'est ça que j'aime bien avec la communauté. Tout, c'est de sa faute. Ah, mais c'est hein, tous les problèmes dans le monde, c'est sa faute. Que... <laughs> Je me sens compris. <laughs> bon, arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Nomura, ouais, ouais. il a des patrons comme tout le monde et il, il oh, s'exécute. Oh, Nomura, il, a, il peut avoir ses torts, mais il faut se dire quand même que là, en gros, c'est un bon bouc émissaire quand même, parce que voilà. c'est le seul nom que les gens connaissent. connaissent. Et oh, les voilà. gens tapent pour lui tape dessus alors que parfois c'est même pas lui genre là vous voyez FF7 euh, Rebirth il n'est plus co-réalisateur du jeu voilà là c'est qui euh, producteur exécutif ouais. ou un truc du genre mais et les gens vont, vous allez voir Rebirth euh, <laughs> comment ils vont faire pour taper sur Nomura vu qu'il est officiellement plus sur le jeu mais les gens vont juste, ils vont trouver, trouver, ils, vont lui. trouver ils vont trouver les gens vont continuer à taper sur lui parce qu'ils savent même pas que Nomura n'est plus sur le jeu <laughs> J'ai beau le répéter, hein j'ai beau le répéter, hein Rien et, du et, et, et même le plus drôle, c'est quand on voit les interviews de, de FF7 Remake. Quand les gens, enfin, quand en fait, quand on va avoir, euh, je, je crois que c'était Kitase ou l'autre coproducteur qui disait ah, ouais, en fait, cette idée elle vient de moi. Je... Et là, les gens se, se disent, mais ah bon, c'est pas, nono, je... ah, non, 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 pas nono, nono. Si on voit les interviews, on, limite, et on, on voit le, le débit, rester fidèle au jeu. Oh, putain, ça fait plaisir de se sentir compris les gars enfin merci merci voilà c est... C est mais voilà il faut, faut, faut se dire que par exemple là c'est Nomura qui est réalisateur de The First Soldier et Ever Crisis c'est pas lui qui a dit que ces jeux vont exister c'est Kitase voilà. qui a dit ouais. en lui disant bon, ben, on, on, pour lui dire bon ça va se faire tu veux lequel des deux voilà oh c'est <laughs> simplement c'est quand, quand même ce déni. Et, et, et là, là, ce que je dis, ça a vraiment été partagé. Hein. Ben oui, ben juste, oui, je pense que. Renaud, j'ai lu tout ça. J'ai fait des vidéos où c'était des lectures. C'était des lectures. <laughs> J'avais le bouquin, le guide. Il est là en français. Regardez. Non, non, tu racontes n'importe quoi. Tu es en train d'inventer en lisant. Il dit Ok, j'ai que ça à foutre. J'ai que ça à foutre. <laughs> Mais voilà, les gens, ils ne veulent pas, ils veulent pas, quoi bah Tu leur donnes la vérité comme ça. Pff, non, c'est pas possible. Nomura, tout ça, c'est à cause de Nomura. Il y en a, il est venu, il y en a plusieurs. Tout ça, c'est à cause de Nomura. Si Final Fantasy Dream, ça a foiré. Quoi oh, il n'a pas il a foiré. Fait... <laughs> il n'a pas foiré du tout. <laughs> mais pour eux, il a foiré. Tu vois mais arrêtez, s'il vous plaît, putain. Mais, mais voilà, quoi. Mais c'est vraiment dommage pour First Soldier parce qu'il a l'étiquette FF7, quoi. Il a l'étiquette FF7. Bon, mais maintenant, ce jeu existe. Il faut faire avec. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il, il est là, quoi. Et bien, il y en a, je sais que moi, parmi la communauté, il y en a, ils se sont amusés. Ils me l'ont dit clairement. Moi, je m'amuse moi, je bien sur euh, truc, sur First Soldier. Il n'y a pas d'histoire. Mais moi, je kiffe les Battle Royale. Tant mieux. Mais il ne faut pas nier les défauts. Il ne faut pas nier ça. que Square Enix, ils ont foiré. Et ça, c'est dommage. Salut, mort. Et ça aurait pu tellement être bien. Tu fais alors ton attends, Battle Royale. Je, je vais juste répondre en commentaire à Bouchra qui dit Une des seules erreurs de Nomura, c'est par rapport à FF15 d'avoir passé son projet de rêve à Tabata, qui a jeté plusieurs de ses idées à la poubelle. Mais je, je vous Bushra, le dis Bouchra, c'est. il s'est fait éjecter. <laughs> c'est lui qui s'est fait jeter. Fait On lui a pas laissé le choix. Voilà, c'est ça. lui-même que. Euh, que Le fait d'être parti du projet, ce n'était pas de son ressort. Voilà. Et il y a les boules par rapport à ça. Hein, ouais, mais tu le sens dans KH, hein, putain. Ouais. Tu le sens qu'il veut remettre un peu. Il veut remettre un peu de son euh, versus 13. De toute façon, Bouchera, comme j'ai dit, je suis en train de refaire euh, les vidéos en bien travaillé euh, de Final Fantasy versus 13 à Final Fantasy 15. Vous allez tout comprendre. Nous s'est fait éjecter. Ce n'est truc... pas lui le... qui a décidé de partir. Le truc, c'est que Tabata... Euh... C'est pas un créatif Tabata. C'est pas un créatif. On a filé des. Si, parce que Tabata il a bossé sur Crisis Core. Ouais, ouais. Il a bossé sur euh, FF Type 0. Type 0. Sur Kina Codid, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais nos morales étaient derrière aussi. <laughs> on, on a tendance à l'oublier, mais c'est nos morales qui chapeautaient les trucs. Alors voilà. c'est le créatif et Tabata c'était l'exécutif. Voilà ça ça, ça. Parce que là on que a, un on a filé un exécutif, le, la partie créative. Et le mec, c'est pas, c'est pas son domaine. Et ça se, ça, ça, ça se voit qu'il n'avait son... pas de vision, qu'il n'avait pas de vision monde. créative. Enfin, il avait, il avait, une vision, mais c'était, ça n'avait aucun sens. Mais, tu, moi, mais, mais tout parce tu que sais, comment tu veux que Final Fantasy XV ne sorte pas chaotique C'est normal, c'est normal. Ah, on ouais. vire le mec qui a pensé le jeu, qui a rêvé le jeu, et du jour au lendemain, on te dit allez ciao c'est Tabata qui va s'occuper de ça et Tabata, mmh. tu me fais une autre histoire, tu gardes les mêmes persos, tu me fais toute une autre histoire euh, tu es un peu... il vous plaît. Surtout, y, a, y a un truc qu'il faut quand même prendre conscience parce qu'on euh, je, je vois souvent des gens dire oh, « Mais c'est le qui a mal géré son projet. » Mais je vous dis, les gens, FF13, le premier, FF13 au cours, le développement était tout autant chaotique que Versus 13 à la différence que quand il a fallu donner la priorité pour la conception du moteur, ah. C'est simple, si c'était Versus 13 qui avait eu la priorité, voilà. là, actuellement, FF15, ce serait anciennement FF13. Ce voilà. serait exactement pareil. Tout Et j'avoue que j'aimerais vivre dans cette timeline où ce serait arrivé. Mais c'est clair qu'ils vont donner euh, Mais... le, le numéroté ils ont donné tous les moyens à FF13 parce que c'est le numéroté. Est-ce ouais, qu'il est qu avait la priorité Et du. Voilà, voilà, l'option numérotée quoi c'est et après ff14 premier du nom v1 qui a eu un échec et j'étais sur tout le jeu abst... hein. versus 13 d'avoir d'avoir son truc et au final ben bah, on lui a dit non ff14 d'abord et oh. en vrai j'ai les boules par rapport à ça je déteste ff14 pour ça mais en vrai je reconnais que c'était peut-être la meilleure décision de Square bon. Enix ff14 c'est l'un des piliers qui permet encore à Square Enix de pas s'effondrer ce il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les les deux branches les plus rentables de Square Enix, c'est en premier les jeux écoutez mobiles. Écoutez bien, écoutez bien, comme ça vous allez arrêter de m'insulter. À toi, La propos. branche la plus rentable de Square Enix. Il... 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 Si vous me croyez pas, vous allez voir les rapports ouais, financiers, ouais. Les... les rapports fiscaux de Square Enix. Euh... On les trouve facilement sur Internet. Uh -huh. Vous regardez les rapports fiscaux. Ils ont même des graphiques. Pas besoin de parler japonais. Vous voyez juste au, gra... au... au graphique. C'est les jeux mobiles les plus rentables. Alors, quand ils disent jeu la branche des jeux mobiles, ils comprennent aussi les jeux navigateurs navigateur web. web. Ouais. C'est comme les jeux mobiles, mais sur un navigateur web, il n'y a qu'au Japon que ça se passe. Ça, c'est la branche la plus rentable. Ensuite, il y a la branche des MMO. Voilà. Alors, MMORPG, genre bah, FF14, Dragon Quest 10. FF11, il est, est encore là, hein. faut pas oublier. Hein. Et ensuite, il y a les jeux consoles. Et les jeux consoles, le problème, c'est qu'un jeu console, ça coûte de l'argent à produire. Et après, il faut le rentabiliser. Après, il faut le rentabiliser. Alors, un jeu mobile, ça coûte que d'elle à faire. C'est investissement quasiment zéro. Voilà. On est d'accord. Avec euh, bah, forcément, un jeu console, les gens vont le payer euh, vont, vont le payer combien 50, 70, 80 euros. Et en théorie, à moins qu'il y ait un euh, il des... Ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent Alors, plus dessus. Un jeu mobile, en théorie. Ça peut se chiffrer à 30 euros. Quoi. Voilà, merci. Voilà. Je vous l'avais dit ou pas Je vous l'avais dit. Voilà. Je vais me faire, je vais me faire juger, mais Kinamarski, je parle bien de qui et pas le jeu mobile. Ouais, euh, le le, le navigateur web, là, le, le premier. Le jeu de navigateur web qui est là qu au joué, était là qu'au Japon. Kinamarski, j'ai joué. Il est sorti en 2013 et c'est conclu en. 1er sept, septembre 2016, il y a eu trois ans, je vous le dis honnêtement, le jeu, j'ai facilement claqué 1000 euros. Voilà. Ah, je, 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 voilà. je suis un pigeon donc quand il s'agit de Kinamars, je suis un voilà. pigeon On t'excuse, Chronos, tu, tu le donnes tellement de passion. C'était un vrai Kinamars. Voilà. Il n'y avait tu pas vois. ce système de quête par quête, il y avait toujours de l'exploration, le choix des mondes, les boutiques. Il y avait quand même un vrai aspect jeu derrière. Voilà, tu vois. Alors que et après il y a eu bah, une on-cross, enfin unchained qui était renommé ensuite ouais. une cross euh, voilà j'ai claqué aussi de la tune bon, pas autant mais j'ai claqué pas mal de thunes et... mais je veux dire quand tu claquais cette tune tu te sens ouais. t'étais content toi pour euh, je veux dire tu te sentais pas roulé est-ce que tu te sentais roulé euh... ou étais content d'investir bah forcément vu que c'est toujours du jeu de hasard quand tu veux mm -hmm. la dernière carte ou la dernière médaille si tu l'as pas et que as... ça ah, faut la rage Alors, ah, dites-vous que sur mobile, et alors, sur, enfin, sur le navigateur web, il n'y avait pas de garantie d'avoir la carte que l'on voulait. Euh, on, pouvait, on pouvait lâcher 1, 2, 3, 10, 20, mille euros. Euh, vous n'avez pas la garantie d'avoir la carte que vous voulez. Alors que sur, et sur mobile, c'était pareil au début. Mm -hmm. Sauf que, bah, vu que là, il y a eu l'ouverture à l'Occident, où là, bah, les gens se laissent un peu moins faire qu'au Japon. Au Japon, ils ne contestent pas ça en général. Mais en Occident, bah, les gens se sont, sont dit, vous vous foutez de ma gueule. quoi. Alors, euh, vous avez vu au début même, euh, je sors euh, le cas de Genshin Impact, où on vous montrait, il y a des youtubeurs qui ont lâché 5 000 euros, 10 000 euros pour avoir le personnage qu'ils voulaient, ils ne l'ont pas eu. Et c'est pour ça qu'en tout cas, Enix, ils se sont dit, bah, on va mettre des garanties. C'est-à-dire au bout de tant oh. de tirages, bah, vous avez... on, on vous la donne, votre médaille que vous voulez, on vous, vous allez la donne <laughs> Vous avez, vous, êtes, euh, vous avez été un bon con. Euh, <laughs> <compteur, rire> <pardon. rire> J'aime on... bien, Merci Kifren, un grand merci à toi. On, on, on va vous la donner. Bon, par contre, euh, le... dites-vous que quand la médaille du moment dans Kinamar Sony Cross. Euh, elle était forte seulement deux semaines après il y avait <laughs> des nouvelles <laughs> ben, c'est Et... ça qui fait vivre le gacha aussi, tu es obligé de mettre des plus puissants de changer, de faire une rotation c'est tout à fait normal sinon euh, c tu ça. payes pas après tu vois mais, après, tu vois... Ça. mais en fait deux semaines c'est trop court en fait mmh, genre, ouais, ouais ouais je, je comprends mais, mais, mais dis-toi que sur PC quand même ils étaient gentils parce que euh, nos cartes qu'on avait, déjà on pouvait les upgrader, euh, ce qui fait qu'elles pouvaient rester fortes encore, même à la fin du jeu. Okay. Mais en fait, les cartes qu'on avait, euh, en fait, elles avaient un bonus de x2, x3, x4 pendant un mois, un mois et demi. Eh, Donc, euh, okay. cest dire que ce que tu gardes, ce que tu avais, ça restait fort encore très longtemps. Ah, ok, ouais, ouais. Sauf que c'est au mobile, et ça c'était fini. Ça c'est. Oh putain. Mais tu vois, maintenant, quand tu expliques comme ça, je comprends que le business mobile chez Square Enix, ah, mais il cartonne, mais c'est normal. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est cette année, mais je rappelle, je crois que c'était en 2019-2020, quand j'avais vu les chiffres du jeu vidéo, des, des rapports mondiaux, qui disaient que le jeu mobile, c'était 60% de chiffre d'affaires. 60%. 68... Oh, non, non. 60%. Oh là là. C'est 60% de chiffre d'affaires dans le monde. Alors, je ne serais même pas étonné que ça ait augmenté, quoi. Et... Et... Et dans ces 60%, alors j'ai dormi entre temps, c'était il y a quelques <laughs> années, que <laughs> les pourcentages exacts, mais je crois que dans ces 60%, ils disaient que so... dans ces 60%, il y avait au moins 70%, c'était l'Asie. Ah voilà, comme quoi, tu vois, ils n'ont pas besoin de nous, tu vois, quasi. Non, mais je, je le dis, euh, l'Europe pourrait être rasée de la carte. Et ça ne changerait strictement rien. Quoi. Pour nous, voilà. en fait, on est. Euh, c est, c est... Voilà. Nous, nous, on des est petits pourboires. Des on petits pourboires. On dire les, pour pour les de moi. <laughs> Merci. Parce qu'on m'insulte quand je dis ça, on m'insulte. Voilà. On, on, on est les miettes. Hein. Voilà. C'est pour ça que parfois, ils ne traduisent même pas des jeux euh, mobiles. Parce qu'ils disent ça sert à quoi On gagnera ouais. tout autant si on ne le sortait <laughs> pas chez nous. Et en plus, les trades français, ça coûte cher, non il faut faut payer quelqu'un euh, qui fasse toutes les mises à jour des trads si depuis l'anglais euh, ça va en vrai ils en peuvent gruger et faire euh, ils peuvent gruger et ne pas payer ça très très cher hein, ça coûte en vrai euh, si on cherche bien un traducteur euh, anglais français ça coûte ça coûte ça coûte, ça coûte pas pas, il, pas trop cher il y a, il y a tellement d'offres et peu de demandes pour la traduction euh, que ça, ça coûte pas cher en général. Après, si on paye un vrai traducteur, traducteur professionnel et qui a de l'expérience, là ça peut coûter cher. Mais... Par contre, ces traducteurs japonais-français, là, par contre, il va falloir raquer. Ouais, ouais, C'est ça que je te dis, et parce le... que je sais qu'en passant par l'anglais, il y a du japonais au français, là, ça raque. Euh, et dites-vous que pour FF7 Remake, ça a été traduit, il me semble bien, depuis le japonais. Depuis le japonais, Alors, je moment, les FF sont traduits Depuis, depuis l'anglais. Ouais. En tout cas, une bonne partie. Euh, mais FF7 Remake a été traduit depuis le japonais. Et je vous rassure, Square Enix, ils ont, ont raqué pour ça. Hein. c'est pas le jeu facile. Ils ben ont au, mis moi, hein. au moins, avec Remake, ils se sont refait leur pognon. Moi, je suis rassuré là-dedans. Remake, ça a marché. Ça veut dire qu'on on aura les deux autres épisodes. Bon, il faut, il faut ouais. qu'ils finissent. Il faut qu'ils finissent. Et sachez un truc, là ce que je vous dis, ça vaut autant pour les jeux mobiles que pour les jeux consoles. Si Square Enix le pouvait, s'ils si n'avaient pas peur d'un retour de bâton, ils arrêteraient de faire des et traductions euh, françaises. En... Ils et, 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 et feraient que des jeux full anglais et japonais. Même marrant. pour les jeux consoles. Je sais pas si la plupart d'entre vous sont assez âgés et ont connu cette époque, ou la plupart des jeux qui sortaient sur PlayStation 1, même avant, sur anglais, Super, Nintendo, Super Nintendo, c'est anglais. Hein les Final Fantasy n'ont commencé à être traduits okay. qu'à partir de FF7 et même encore après ça on a eu des jeux euh, qui n'ont pas été traduits en français, vous prenez par exemple Dissidia du sur PSP le bien jeu, sorti en franglais c'est à dire qu'en gros il n'y avait que les, les scènes hein. il, y a, il y avait très... que les scènes il me semble qui étaient traduites, traduites en, en français. français et les menus était en anglais tout était en tout anglais, était en anglais. et Square Enix s'ils pouvait, il ferait des économies il ne les traduire même plus les jeux S'ils si le font, c'est qu'ils savent que, qu en fait, tout pour les jeux console, qu'ils ont encore un intérêt à le faire. Parce que de c'est de des façon... jeux qui ont coûté beaucoup d'argent. Euh, ils, ils veulent pas. Ils, ils vont gratter le plus possible. possible Force là qui arrive, vous, vous inquiétez pas, qu'ils vont gratter hein, le plus possible. Hein. C'est pour ça qu'ils vous font un doublage français. Putain, c'est un truc de ouf. Kinomart, par exemple, on va en parler. Oh, 3, putain, le, qui' 3, le oh, fait qu'ils arrêtent ouais. de faire des, des doublages français. C'est parce qu'ils savent que Kinomars, il y a une énorme communauté. Et que contrairement au Final Fantasy, il y a un fil rouge entre tous les jeux qui mars tous, ils sont importants. Ils, ils savent... On, on, nous, en fait, on a la clarté du scénario. Et c'est pour ah, ça qu'on sont obligés d'y jouer, même s'il n'y a pas de Il il n'y a pas la vf malheureusement. Et ils nous ont rééduqués euh, depuis euh, 2011... Deux, ben depuis 2012-2013 avec les, euh, les remasters de, de, les compilations qu'ils ont sorti juste en anglais sous-titré français. Il ah, n'y a, ouais, a, a même pas le fond. Toute la fanbase et une nouvelle génération de, de joueurs. Le L2, quoi Le L2 Ils ont la trappe Bref. Ouais, Heureusement ils ont il y a tout le monde avec des remasters et vous allez voir, ils, ils seraient capables de faire pareil. Hein. Putain de merde, quoi. OK, tu vois, moi, à la limite, à la limite. Euh, bon, pour moi, aucun épisode est un spin-off dans Kingdom Hearts. Bird by Sleep, euh, Rico Dead, OK, ce pas des consoles, euh, je veux dire, salon ce n'est pas des gros épisodes. Mais putain, Kingdom Hearts 3, quoi. Kingdom Hearts 3, Syphaline, VF, tous les autres, j'accepte. Burby Sleep, ça ne m'a pas dérangé. C'était stylé. Euh, technologiquement, c'était magnifique. Mmh. J'ai vu qu'il n'y avait pas de... Bon, à l'époque, moi, je l'avais sur PSP. Elle était pucée. J'ai mis la, la VO. C'était magnifique. Mmh. J'ai mis la VO, c'était sous-titré. Je euh, l'avais pris directement en japonais. Bah, c'était <laughs> mon premier <laughs> jeu import euh, Japon, euh, PSP. Euh... Quel jeu Quel jeu, putain. <laughs> j'ai acheté la PSP et la première chose que j'ai fait, c'est un... acheter euh, en import FF euh, Crisis Core. Ouais, c'est ça, quoi. Et à la limite, les... sur les jeux portables, sur les, les consoles portables, je me dis, c'est pas grave, on va avoir Kingdom Hearts 3, il sera en France. Putain. Quelle, quelle, quelle version anglaise de merde et le pire c'est qu'on n'a même pas eu la VO on n'a même pas eu la... si au moins on a eu la VO je me suis senti moins roulé on n'a même pas eu la VO Il enfin, la... faut attendre la version PC ouais. maintenant pour avoir la, la, la VO. VO de Core avec la VO de Zack oh, qui non. doit être classé. qui euh... doit être <laughs> qui, qui doit être classée euh, je sais plus comment on dit euh... Putain de merde, merde j'ai plus j'ai plus les termes euh... Enfin, euh, la, la voix de Zach elle est monument japonais quoi, c'est ah, plus ce que je disais euh, il y a quelques jours. C'est un truc de ouf, la voix de ah, Zach. Voilà, la, la, voix de Zach elle doit être, la voix japonaise doit être classée patrimoine euh, <laughs> Patrimoine japonais, quoi. <laughs> Comme le de qu'on n'a <laughs> pas eu d'ailleurs. Putain, j'ai re... lancé euh, réunion tout à l'heure, j'ai mis en anglais. Oh merde comment Ah oui, en, en plus, plus ils, ils ont refait le doublage. Ils ont refait le doublage, comment c'est pourri Comment c'est pourri ah ben, j'ai vu le cri de Cloud dans bande-annonce en anglais. Alors c'est simple. Dans euh, quand, Zach, euh, quand Cloud crie pour Zach en japonais, bah, on sent, on sent on les sent qui, qu qui, qui... <laughs> on sent toute la détresse du personnage. En anglais sur PSP, en fait on, sent, on, on sentait qu'il avait perdu son poisson rouge. <laughs> c'est le cri qu'on pleure, mais pas trop quand même parce pas que pas trop on, quand même c est, c est un poisson rouge quoi. <laughs> c'est honteux, c'est honteux, la honteux. version anglaise. Ah, c'est même pas un poisson rouge là qui C'est <laughs> honteux, franchement, c'est honteux, c'est un truc de ouf. C'est toujours en anglais, jouer JRPG anglais, mais c'est atroce, hein, là Je peux plus jouer en anglais. Je peux plus, je peux plus. Au moins, je suis rassuré, FF16, la VF, elle est, elle est top. Bon. Elle est top. Je vais la faire oh, en je français je vais le faire en français euh, sur stream, encore on va streamer, mais à côté, je vais me la faire en jap, obligé. Mais même, j'ai l'impression que euh, l'anglais, a l'air d'être pas mal non plus. Hein enfin, oh, j'ai toujours du mal avec les, les doublages anglais en général. Si ce n'est pas, si si pas un doublage original, tu ne sens pas l'émotion. Enfin, moi, je, je, je ressens vraiment l'émotion. Euh... Et de toute façon, quand, quand Square Enix, ils font des doublages français, c'est quasi toujours de qualité. Ils mettent le pognon. Je suis désolé, moi, FFC Dreaming, en français, moi, j'ai pris une claque. Hein. Euh, moi, Quand Sefiro s'y parlait, euh, ici, à la maison, tout le monde devait se taire. Hein. Tout le monde devait... C'était trop classe. C'était trop classe. Exagéré. Et après, quand tu vois à la fin, Zach, et il a la voix du doubleur euh, qui fait Sam Winchester de Supernatural, j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. J'ai dit, oui, voilà, là, on est d'accord. Mais là, anglais, moi, je peux pas. Les versions anglaises, je peux pas. Ah, en plus, ben euh, c'est là, aussi que tu sens qu'ils ont, lou qu ont, loupé quelque chose en ne faisant pas de version française, enfin, de doublage français de Crisis Chris Discore et Union. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, ben, toi, c'est, c'est ce que je disais, c'est en fait, Crisis Discore, ils savaient qu'ils allaient le vendre. Ben, voilà, ben, bien sûr, et en plus, ils se vendent super bien, et tant mieux, ça me rassure. Ah ouais, Bruno. Pas, pas comme Bruno. F7 où ils voulaient gratter le plus possible parce que c'était le gros jeu. Et en plus, ils sont obligés de. Un... C est... C est... Le remake, c'est un truc qu'ils font en trois jeux. Et ils savent qu'ils vont perdre des joueurs à chaque jeu qui va en qu sortir. Que du coup, ils sont obligés de voir gros dès le début pour, pour gratter le plus possible. Mais ils s'en ils ils sont, ils sont foutent. Oui, bah oui, est... est... Moi, je suis déjà content que le remaster, il est hyper quali. Pour moi, c'est un remaster de qualité de ouf. J'ai eu la version Jap, je suis content. J'ai eu la version Jap. Bon, Yona, comme euh, je viens de lire, je t'ai pas raté, Yona. Je t'ai vu, Yuna. je t'ai vu. Hein. Arrêtez de bouger, les gars. Je t'ai vu, Yuna. Putain, moi, je déteste les versions Jap. <laughs> c'est bien parce que c'est toi, ma chérie. Je vais je, je je faire comme si tu n'avais rien dit. Mais c'est bien parce que c'est toi. <laughs> Mais voilà. Maintenant, euh, le truc, c'est quoi C'est que on va revenir vite fait, on va clôturer avec. Euh, First Soldier, moi j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de, de saboter ce jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ben, comme tu dis, que les équipes elles aimaient pas ce qu'elles faisaient. Voilà, c'est clairement ben, ça. C'est Mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Mais comme tu as dit, hein, ceux d'au-dessus ils veulent le pognon. Ils s'en foutent. Euh... Ah, on va Exactement. faire du FF7. Ça va, ça va, ça va payer. Mais tu, Mais tu sais ce qui m'écœure le plus dans cette histoire, c'est que. Toi, il y a beaucoup de gens et je comprends l'argument qui, qui vont dire bah, si ça ne vous plaît pas, vous achetez pas. Et là, ils arrêteront. Non, mais non. peut-être que ça marcherait avec d'autres compagnies, mais pas avec Square Enix. Avec Square Enix. Parce avec que Square le problème, c'est que euh, en faisant ça, en fait, on, ceux qu'on va punir, si on n'achète pas les jeux, ce n'est pas Square Enix, ce sont les développeurs. C'est les développeurs. C'est oh tous là. les créatifs. Parce Merci. que. Parce que c'est eux qui s'investissent, pas en argent, mais on va dire en temps, qui, en temps et en création. Enfin, c'est des gens qui vont s'investir corps et âme dans leur jeu. C'est eux qui vont avoir des périodes de crush pour terminer leur jeu. C'est eux qui vont vraiment le plus ça. souffrir. C est, c est, et et c'est eux qui, parfois, peut-être, peuvent se faire éjecter d'un projet. Euh, et quand le jeu est terminé, qu'on leur dise... Bon, ben, vous êtes viré, hein, on n'a pas d'autre jeux pour vous. Hein, c'est qui vont peut-être devoir quitter Scoranix, euh, rejoindre d'autres studios, ça. former des studios chiant, indépendants. Ça. Et il y en a beaucoup d'anciens de Scoranix qui, ont... qui ont dû partir et faire des, des studios indépendants. Euh... Et le problème, c'est que les. Je veux dire, le PDG de Score Enix, et on va dire, et le PDG, les actionnaires et tous ceux qui sont, je ne connais pas toute la chaîne euh, mmh. hiérarchique de, de Score Enix, mais tous ceux qui sont en haut qui décident, eux, vous n'achetez pas leur problème. jeu, eux, tout ce qu'ils vont se dire, ah ben, bah, c'est l'équipe de, dévo... ce sont les développeurs qui ont fait de la merde, qui n'ont pas assez bien bossé, ou alors, et ou c'est les joueurs qui n'ont pas accroché à l'idée, mais jamais ils remettront en question le je format et euh, ouais. ni le format, ni le modèle économique, jamais, ils remettront ça en question. Là, l'échec de The First Solder, ils vont pas se dire, on a déconné, on n'aurait pas dû faire un Battle Royale, les ils joueurs n'aiment pas. Ils, ils vont se foutre. dire, ouais, mais chez, chez Epic, euh, Fortnite, ça marche, ils ça brassent marche. Des, des millions. Et ils vont se dire, du coup... Si eux, ça marche, pourquoi ça ne marcherait ça marche pas, chez pas chez nous ouais, voilà, tout ça Ils fonctionnent moi, ils se... comme ça. C'est pas des tête, créatifs hein. qui, qui décident de tout ça. C'est des gens qui voient juste des chiffres, qui ah ouais, n'ont pas la logique de. C'est pas leur public. C'est pas des gens qui fonctionnent comme ça. C'est des gens qui vont, qui vont faire des plans. Euh, ouais, des plans euh, financiers, des plans, business, euh, des plans business, qui vont faire des business plans pour se dire. Alors, euh, parce que je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont déjà cherché, par exemple, à créer une auto entreprise. Quand on va vous, quand vous dites je veux créer une auto-entreprise pour faire, bah, par exemple moi, anecdote perso, j'ai voulu faire prof de dessin, euh, illustrateur euh, en auto-entreprise. La première chose qu'on m'a demandé, c'est est-ce que vous avez fait un business plan Il n'y a vas, pas voilà. de, ouais, mais il faut que je le fasse dans tous les cas, sinon je ne bosse pas. Ou de, de dire, euh, non, si on nous dit, il faut que je calcule, il faut que je fasse l'étude de la concurrence, voir la, la concurrence, comment ça marche, comment je peux faire mieux qu'eux. Mmh. C'est pas des études pour dire je, je vais faire les choses bien. C'est je... comment les autres. Un maximum de, rem... de... c'est que des chiffres et voilà. ces gens là ce, ce sont des ce sont les salariés qui ne voient que des chiffres et qui ne voient pas l'âme qui a derrière euh, les jeux. Voilà. Tout simplement. Moi, a... que leur jeu soit bien ou pas, ils s'en foutent Tout ce qui veut c'est que ça se vende. Moi, ça voilà, on peut moi on peut reparler tout simplement. Bah, Final Fantasy VIII remaster, c'est quoi cette blague? Pourtant, je me rappelle, j'avais fait une vidéo coup de gueule de ouf. Je me rappelle à l'époque, j'étais énervé, mais de dingue. Et à la fin de la vidéo, je disais Mais le problème, c'est que moi, je suis baisé. Je suis fan de Final Fantasy VIII. Si j'achète pas le jeu, ils vont se dire Ah, le jeu, il n'a pas plu. Ça a pas marché. On va plus le faire. Après, cette fuite, c'est qu'ils sont pas emmerdés parce qu'ils ont perdu les données du jeu. Voilà. Vois, Alors, j'ai l'impression que c'est une excuse un peu facile à force. Bien ça, sûr, mais... parce que quand tu vois les modders s'il te plaît, ce qu'ils ont fait, les modes voilà. et ils ont en fait jeu. Remaster, c'est un mode de leur propre jeu. Le bah seul ouais, truc qui voilà. me dérange, en fait, moi, avec autant fait FFut Remaster, j'étais content. Moi, ce qui me dérange, par contre, c'est le... le. Le jeu est toujours en 4.3 et pas en 16-9e. Ça, ça... <laughs> les bandes noires euh, sur les côtés, euh, ça... ça me saoule. Le premier jour, j'ai acheté le jeu, je me rappelle, je l'ai acheté sur Steam parce que je sais qu'elle a avoir des modeurs. Je te le jure Chronos. Le lendemain matin, il y a un gars il a été sur les forums. Voilà, j'ai réglé le problème du 4 tiers. J'avais le jeu en grand écran. Putain. Mais c'est mais comment tu peux excuser Quand tu sais, quand tu sais en plus que le Triple Triade dans le remaster, les cartes, elles ont été refaites, tu vois. Mmh. Le dos, ils ont piqué les dessins d'un fanart mais tu sais que ça, le, le, le pire, c'est que c'est même pas forcément à chaque fois la faute des développeurs. Ah ouais, je sais ben parce, bien que bien le, parce que c'est encore toujours une histoire de on leur donne un budget et, les, et un et ils délai. a ont, ça, ont... Le Voilà. Et les mecs, ils font seulement avec ce qu'ils ont. Ouais, c'est un autre cas euh, à la fois trop connu et pas assez connu euh, pour moi, c'est le cas de, de, des Pokémon. Les Pokémon, en réalité, les développeurs, ils n'ont qu'un an pour faire un jeu à chaque voilà, fois. Voilà, et puis il ne faut pas s'étonner que c'est pour En, lui, après, en hein. un an, euh, on leur demande toujours, les joueurs leur en demandent toujours, toujours plus. Ils veulent un open world, ils veulent aussi des graphismes style PS4, PS5. Mais les développeurs, ils n'ont qu'un an. Alors que pour faire un jeu AAA, aujourd'hui, il faut au minimum 4 <laughs> ans. Même ça. plus 5-6 ans. Plus, quoi. plus, plus même. Plus. Et on leur demande un jeu tous les ans. Et le truc, c'est que les développeurs, bah, ça marche tout. Pareil pour Square Enix, hein, les développeurs, bah, ils font avec ce qu'ils ont. Et ouais, c'est pas de miracle. Si on, si on leur dit, tu as un an pour faire ça, ils, ils, feront, ils feront des sacrifices ailleurs. Quoi. Ah ouais, ça. Et le problème, tu vois, chaque fois dans les vidéos, quand je parle de ça, je dis bien, les développeurs, ils n'ont pas le choix. Hum? Après, faut pas t'étonner. Que le jeu est mal sorti parce que tu as les gens qui te disent Ouais, mais comment ça se fait que des modeurs derrière ils oui, parce peuvent que faire les mieux Gratuitement, ils ont le temps. Quoi. Voilà, et les modeurs ils ont le jeu de base, ils ont déjà le jeu sorti et après ils peuvent travailler dessus. Mais le problème, si les développeurs, moi j'en suis sûr que les développeurs, tu l'aurais pour FF8 Remaster, tu leur aurais laissé quelques mois de plus, les décors ils auraient été tout refaits, tu n'aurais pas de 4 mmh. tiers, mais voilà quand tu sais que tu as un. Et en plus, mmh. ce qui est bien, c'est quand FF8 Remaster. Il a été dit qu'il allait sortir. Il est sorti quasi pas longtemps après. Et la hype, elle était là. Les gens, ils étaient motivés. Et voilà, ah, il faut vite sortir les oui. jeux. Les gens, oh, ils, vont, oui. bah, ils vont donner 20 euros. Ils vont donner 20 C'est un développement qui a dû durer à peine 2-3 mois. Oui, voilà. C est, c est Et il devait être une toute petite équipe bien réduite. Et peut-être qu'il y en a un qui a posé l'idée sur la table de, de faire du 16-9e. Alors, on lui a dit non, il n'y a pas le temps. Non, c'est ça. Le temps. Et... Malheureusement, c'est ça c'est ça qui nous coûte, c'est qu'on on aurait beau ne pas acheter ces jeux pour dire on n'est pas d'accord. Mais si on n'achète pas, on, on va punir, on va, on, on va, punir ceux qui ne sont pas responsables. Voilà, malheureusement, malheureusement. Ceux qui décident de tout ça, eux, ils auront leur fric dans tous les cas. Et s'ils gagnent moins d'argent, ils, ils fermeront des studios, ils fermeront des projets, peut-être qui auraient pu être gé... des projets voilà, de mal... génial. Malheureusement. Dans le chat, dites-moi dans le chat si vous avez encore des questions euh, sur. Euh, First sur le dur, comme ça on va passer à autre chose. Et ça, clairement, Chronos, j'ai envie d'avoir ton avis. Euh, les collecteurs, s'il te plaît. Je veux Ouf. ton avis là-dessus. Si vous avez encore euh, des questions, n'hésitez pas. Sinon, on passe au, au suivant parce qu'il y a encore des choses à dire. Surtout me sur les collecteurs. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier, je te le jure. Hein, franchement. Non, c'est bon. <laughs> les gens, ils veulent passer à autre chose. Les gens, ils veulent voir m'énerver. Ils veulent que je m'énerve. S'il te plaît, Chronos me Dis pas que tu as commandé le collector de ff 16. Ah, mais <laughs> je... Je, jamais pris... je je réfléchissais pour, pour dire est-ce que j'ai vraiment jamais, mais oui, je n'ai jamais pris de gros collector de Square Enix. Puis Au j'ai aucun pris... collecteur de Square Enix, j'en ai aucun, j'en ai aucun. Si, si, pardon, si, pardon, le... j'ai pris un gros collector une fois, le je... pourra faire 13.2. Oh c'est le c'est le truc là c'est la big box c'était le grand boîtier oh mais, mais ça, le va, grand, ça va ça pas, pas l'édition deluxe vraiment ouais ouais, ouais le, mais ça va celui-là encore ça va ouais mais, mais il était à une centaine d'euros mais... je crois ah, c'était ouais. un, c'était euh, une ère oskaranique c'était un peu un peu, euh, un peu honnête un peu responsable sur ses prix quoi par exemple maintenant s'il vous plaît les gens... après je mais ne crache pas j'ai toujours pris que des des, des éditions de deluxe de luxe moi aussi voilà moi il faut... Jamais le... jamais Jamais j'ai pris euh, leur, leur collecteur à hein, plus de 100 balles. Quoi, ouais. Moi, j'ai un petit coup de gueule sur ça hein, Parce que j'étais dans le tram, j'écoutais un de live lives et tu as mal parlé des Steelbook. Et, et je l'ai très mal pris. Parce que moi, je suis un putain de fan. C'est comme comment tu m'as fait rire qui, qui, qui aime les Steelbook hein. Je te le jure, j'ai fait espèce d'enfoiré. Ah, moi, je suis un putain de fan. Moi, j'aime bien les Steelbook. Comme tu as dit, je vois pas l'intérêt de mettre des steelbooks là, Moi, c'est ça. Après, on peut aimer les steelbooks, mais faut ouais. reconnaître qu'en fait, que les steelbooks… Ils ne servent à rien. On est d'accord là-dessus. Ah, ah, ouais. voilà. Et c'est surtout, moi, j'aime bien que quand dans une bibliothèque… Ouais, c'est soit... Derrière moi, par exemple, que toutes les choses sont cohérentes entre elles. J'en ai rien à foutre. Par exemple, là, quand il y a un manga où que je vois que le logo euh, de, de l'éditeur est plus haut que l'autre, ça, ça casse pas. tout. Le pire, c'est pour les One Piece. Ah ouais. Quand, vous voyez, quand, quand tu vois des vagues sur l'alignement, moi ça me fait chier. J'aime bien quand c'est correct, quand c'est Par exemple, euh, ben ça c'est un manga de, Je crois que c'est un manga de Square Enix. Les... Enfin, c'est eux qui ont fait Pandora Earth. La même auteur, elle a sorti un manga qui s'appelle euh, euh, Les Mémoires de Vanitas. Ouais, je... je connais. Et Mémoires de Vanitas, j'ai acheté le... To... Enfin, Toutes tous les couvertures sont blanches. Et en fait, j'ai fait la connerie d'acheter le, le tome 5 en collector où on fait la couverture, elle est noire. Et en fait, ça t'a cassé, ça, ça casse tout en fait. Dans... Donc, du coup, ben, je suis allé racheter une deuxième fois le tome 5 en normal. Ça va, je suis rassuré. Voilà, je, je, suis rassuré. Je, je suis chiant parce que moi j'aime bien une bibliothèque qui est à peu près propre. Yeah, ouais. Et ouais, quand je vois que... les steelbooks qu'il n'y a aucune cohérence entre deux steelbooks en général, <laughs> parfois les, les... rien que la police d'écriture va pas être la même. Ah, ouais. euh, ouais, problème, au, au, sur des steelbooks seulement de Score NX. Parfois, <laughs> euh, parfois à l'arrière, il y a le nom, parfois, il n'y a pas y a le a nom. du <laughs> Genre le steelbook de Smash Bros. Qu'est-ce qu qu'il est pourri, bordel Il n'y a rien au dos. Est... Non, il est nul. Il est... Non, mais il y a des steel... moi, moi, je ne vais pas te mentir. Les, les Chronos, les steelbooks, moi, je les prends si j'aime le jeu. Mais je... moi, je collectionne surtout ceux de Final Fantasy et des séries, des sagas que j'aime. C'est-à-dire que j'en ai pas énormément, tu vois. Ouais. Mais moi, clairement, je m'en bats les couilles que ce soit pas le même bazar, tu vois. Mais c'était une petite pique. Hein, parce que je voulais me venger quand j'écoutais ton live, je voulais me venger. Tout. <laughs> Mais moi, les steelbooks, ils restent dans les boîtes. Ah bah, c'est ce fait. que tu avais dit, je sais. <laughs> parce que moi, je balance les boîtes en plastique et je mets le Silbook, Moi, je préfère, en fait. Euh, c'est ah, bah, ça. Oui, euh, alors là, tu peux en avoir une utilité. Parce que, oh, pareil, tu vois à, à non, jeu, moi, non, non. Boîtes, euh, non, 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 t es t es moi, t es t es le jeu, il est dans es le steelbook. Le jeu, il est dans le attention, ça, c'est sûr. Mais voilà. Maintenant. Toi, maintenant, bon, s'il un steelbook, Ça prend 3-4 euros à produire, grand maximum. J'ai été dans l'imprimerie, je, je, je l'ai dit mille fois, ça coûte que dalle d'imprimer un style book. Ça coûte ça. que dalle. Je vous le confirme, hein, comme ça vous savez. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Parce que dites-vous que, dites -vous que euh, si vous vous avez trouvé une imprimerie, que vous y dites euh, euh, combien pour me faire un style book c'est sûr qu'ils vont peut-être vous, vous, vous le dire à 20, 30 euros. Mais c'est parce ah ouais, que c'est que que une question. C'est toujours dégressif. Plus on, en, plus on en commande en une fois, moins ça coûte cher. Voilà, c'est ça. Comme toute chose, de toute façon. C'est ça. Voilà. Mais maintenant, on va revenir au, au, au collector. Moi, quand j'ai vu… Parce que moi, j'allais l'acheter. Hein. Moi, depuis ça, un an, j'ai dit FF collector d'FF16. Moi, j'ai dit celui-là, je vais me le choper, mais direct hein. J'ai raté celui de Final Fantasy Remake. Déjà, tu as 300 boules, mais au moins... Bah, il n'y en, fait, en avait pas, il fallait l'importer. Il fallait ouais mais voilà mais j'allais l'importer, je m'en bats les couilles. Moi, j'allais l'importer, ouais. tu vois. Mais quand j'ai vu 300 euros, à ce moment-là, comme par hasard, je n'avais plus de pognon, mais sinon, moi, j'allais l'acheter. Pourquoi Tu avais le steelbook, tu avais ça, tu avais la, avais la, la moto, tu avais le personnage de Cloud, ça valait euh, le, le, le fric. Je fais mon calcul, ça valait le coup. Mais FF16 350 euros. Ils me l'ont vu, j'ai vu en live. Hein, en... Je suis devenu blanc, déjà que je suis blanc, déjà. Je suis devenu transparent, mais j'ai dit putain, ça fait deux ans que j'attends. Quand j'ai vu mais la statue d'Yfrit devenu... avec Phoenix. t'es devenu blanc, euh, euh, limite on t'a pris pour tâteau à un moment. <laughs> C'est un truc, que... mais j'ai dit mais non, j'suis... attends, 350 euros, il y a quoi dedans? Le steelbook, il est stylé. Mais le steelbook, quand tu vois, ça leur coûte 3-4 euros, pas plus. Il n'y a rien dans ce putain de collector 350 Ah, mais c'est surtout que les figurines, la finition, a l'air dégueulasse. Elle est dé Et non, mais elle est dégueulasse, c'est flag, hein, c'est flag. Mais tu putain. vois, c'est ça qui me fait rire, c'est que... Euh, bah, t as, t as, bah, as forcément, tu m'as forcément entendu, vu que c'était dans le même live où j'ai parlé des, des steelbooks, que euh, je... je, je as des gens qui m'ont dit, selon toi, il va coûter combien Ouais, Alors, as plus. sur le Twitter de, de Final Land, je vois, je crois qu'ils avaient dit 38 000 ouais Et eux, Final Land, ils avaient converti direct sur le 270, un truc comme de, ça. Ouais. Ouais, 266, ouais, 270 euros. <laughs> Et j'ai dit, les, non, mais les gens, ils, en plus, ouais, j ai, j ai, je crois que c'est la première fois que j'ai fait un extrait de YouTube. Ouais, c'est le passage où je le dis, parce que c'était drôle. J'ai dit, mais les gens, Scorenix, euh, ils font pas. Ils convertissent pas selon le taux de change. Ah clairement, ils sont hein. C'est de, de base, euh, sans taux de change, c'est 1000 yens. Non, c'est so, 100 yens, 1 euro. Ah, de vrai. base, quand on parle en yens, c'est comme si on parlait en euros mais en centimes. c'est ça. Et c'est ça qui c'est comme ça qu'il faut voir nous pour la conversion. Si on, dit, si on nous dit 38 000 yens, en théorie, ça fait 380 euros. Et pas 267. Voilà. Scoronix, ils, vont en... ils vont en profiter. Et moi, j'avais je... dit euh, 350 euros. Et bam, pile 350 euros. Voilà. <laughs> tu sais comment j'ai dit Ouais, mais c'est trop, jamais. Is, quoi. <laughs> tu sais la barre des, des 300 euros, la barre des symboliques. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Tu es, es déconnecté. <laughs> oui, Parce bien sûr. que quand moi, j'écoutais le live, on avait déjà le prix. Tu vois Et moi, je me suis dit, j'en suis sûr. Qui va donner le prix à 5 euros près? Tu as dit 350 euros, j'ai dit pif! Ça montre que le problème maintenant, il est en rupture de stock, le collector. C'est vrai? Ah ouais, il n'y a plus. Tu, tu tu, c'est très difficile de l'avoir maintenant. Tu vois, ça veut dire que les gens. Moi, par exemple, c'est Frius. Il a dit clairement, je suis un gros pigeon. Il l'a commandé direct. Alors que lui-même, il gueule, il dit Ouais, c'est chiant. Ouais. A... Et il a réussi à l'avoir, il l'a précommandé direct, en fait. Dès qu'on a vu le. On a eu la il a été sur Square Enix, il l'a après... précommandé direct. Après, attention, on va, on va garder enfin on, on va garder la raison. Il peut-être en rupture, mais c'est peut-être comme pour la PS5. Ouais, voilà. <laughs> peut-être que c'est juste des, euh, des scalpeurs. Ouais, voilà. Et... Et en vrai, en vrai, j'adorerais que ce soit ça. Parce que j'adorerais voir les scalpers. Eux, ils doivent se dire, ah c'est FF, les gens, ils vont acheter, des pijons, on va leur revendre en mille boules le collector. Mais ils vont le garder longtemps, leur, leur collector. Parce que même au ah, même oui. prix de base, ils le vendront. Mais pas, tu quoi. vois God of War God of War, le collector, il s'est pas vendu. Hein il s'est pas vendu le collector. Putain, pourquoi j'ai cette lumière, moi voilà. Il s'est pas vendu, hein, le collector de, de God of War les scalpeurs, ils sont dégoûtés. Hein. Ils sont dégoûtés. Mais tant mieux. Mais tant par bien. exemple, moi, en moi, ce moment-là, je me suis dit Tu sais quoi bah, je, vais me, je vais prendre la version de luxe, hein, des FF16. Mais même la version de luxe, c'est de l'arnaque. Elle a combien euh, 112 ou un truc comme ça Même ça, c'est de l'arnaque. Je suis un pigeon, je l'ai programmé le 12 décembre, 19h officiel. <laughs> tu vois C'est même pas question de. Que... Les gens, ils veulent l'acheter. Tu as les moyens, fais-toi plaisir. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Après, moi, Chrono, on ne donne que notre avis. Ah oui, Donc, euh... clairement, ce les gens, pas attention, parce hein. Que nous, on en dit du mal, on, on, voilà. peut, on peut toujours aimer quelque chose, l'acheter, et être conscient qu'il y a un abus derrière. Il y a un abus derrière. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Il y en a que clairement, ils me disent moi que j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Ils auraient fait Tout ça plaisir. pour que il, un... Ils auraient annoncé le collecteur d'un Mars le même ff 16 je l'aurais acheté. <laughs> euh, parce que, à, à, avant d'être fan de Cash, je suis un grand fan de FF, parce que c'est voilà. grâce à FF que j'ai connu Kinamart. Ouais. Mais euh, le fait est que euh, Cash, j'suis... en général, les fans de Kinamart sont beaucoup plus souples que euh, ouais. les fans de Final Fantasy pour acheter. En général, ça a un regard de. Euh, ça... Ça... Les fans de, de Kinamar sont assez généreux quand même. Je pense qu'il n'y a qu'à voir tous les produits dérivés qui nous sortent. Vous avez vu le plateau on... on peut parler du plateau d'échecs à 700 euros Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais choqué. Mais au thème, on dit, ne vous inquiétez pas, on vous accepte. Vous êtes des fans de FF. Et on va... je vais aller plus loin. Vous êtes même plus fans que nous. Voilà, tu vois Je te l'ai balancé ou pas celui-là Je te l'ai dit ou pas <laughs> Non, mais le plateau... Attends, il est en or massif ou quoi a, Il est beau. Il y a les valises beau, à hein. 400 euros, je crois. Mais quand tu moi, vois la... J'espère au moins qu'elles sont solide parce que moi, mes ah valises ouais, donc, quand je vais à la Japan Expo pour exposer. Euh, voilà, énorme, elles, 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 elles ne tiennent, tiennent pas beaucoup. Alors, si jamais une valise à 400 euros… <laughs> Clairement, le, le, le jeu d'échecs, il est trop beau. Clairement, il est beau. Par exemple… Beau, euh, bon, euh, après, il, le prix… Il, de, euh, Enfin, c'est du PVC, le truc. Mais voilà. Mais je veux dire, l'objet en lui-même est beau, mais pas, pas 700 boules. Par exemple, la, la figurine de Terra, de FF6. 13 000 euros. La résine, je crois que c'est de là. 13 000 euros. J'ai pété un câble. La statue, elle peut être belle comme tu veux. 13 000 euros. Ça abusé, franchement. Euh, ouais, bah, c'est pareil pour les figurines de Nîmes hein, qui te vendent ça, 1000 ah ouais. euros S'ils font ça, les gars, c'est là, y a, ils ont déjà, il y a des acheteurs. Et tant qu'il y aura des acheteurs, ils le feront, c'est tout. Il hein. y a pas de problème. Moi, il y a pas Moi, quand je dis, comme je dis toujours, tant que vous vous sentez pas roulé et que quand vous allez avoir votre collector ou votre bazar, vous êtes content, c'est le principal. Mm. C'est le principal. Moi aussi, j'ai acheté des pièces que j'aurais pas dû. C'était trop cher, blablabla. Bla, bla, bla. Mais à un moment, moi aussi, là j'ai 40 ans, j'ai une vie de famille, il y a des sommes que je ne peux plus donner. <laughs> tu vois il y a des... Maintenant, moi j'espère que le collector du rebirth, ce ne sera pas une petite arnaque, quoi. Parce bah, que Si lui, on a je un lui... collector, en tout cas. Si on a un collector, parce que si lui-là, et qu'il est trop. Mais je vais péter un câble. Je... Déjà, que je, je suis très déçu pour FFC, je ne peux pas le prendre. Et ma femme, elle m'a dit quand. <laughs> parce que je lui ai dit, ouais, je m'en fous. Hein. Dès qu'FFC sort moi le collector, je le prends. Hein. 200 euros ou pas, tu vois, j'ai dit 200 250, je le prends. Hein. Elle est venue chez moi, elle m'a dit il a, quel an il a combien Je lui ai dit il a 350. Elle m'a dit, tu sais dit, dit tu sais ce que tu dois faire Combien Même pas, elle m'a dit tu sais ce que tu dois faire J'ai dit oublier. Elle m'a dit oui. <laughs> si je vivais seul, à la limite, pas tr... je n'aurais pas pris. Feront... Moi, les collecteurs, c'est très, très, très rare que j'achète des collecteurs. C'est pour ça il faut, inciter, il faut inciter nos gamins à s'y mettre. Hein. Ah, voilà. au moins on peut leur offrir en cadeau de Noël, voilà, du coup, ça. ce sera le mieux possible. C'est le nôtre. Parce que euh, quand tu vois aussi le... Ouais, voilà, voilà, ben voilà, c'est l'aïment, voilà. S'il y a une figure de Sephiroth, je vais péter un câble. Je vais devenir fou. Là, là Mais là, il là, y a moyen d'avoir une crise cardiaque, là. Là, il y a moyen d'avoir une crise cardiaque. Par exemple, maintenant, on va continuer, parce que là, j'ai dit, waouh, là, c'est le summum. Mais le, co le collecteur de Pixel Remaster... Oh. <laughs> mais tu sais je peux au moins de, euh... les pixel remaster parce que j'ai beaucoup à dire sur eux aussi vas-y n'hésite pas on est, sont là sont pour ça. on est là pour ça c'est dégueulasse en vrai quoi. Je, suis, je suis désolé quoi. déjà en fait ils ont ils ont juste agrandi la zone d'espace de... du jeu sont forcément les, les sprites ils ont retouché mais les couleurs sont plus fades il y a moins de contraste c'est pas beau en vrai je m'en fiche que ce soit l'une des. que parmi euh... les graphistes et qu il y a une per... qui est l'une des personnes qui est bossé sur les jeux d'origine, ça je m'en fiche. Le fait est que c'est moins beau, c'est moins bien foutu. La police d'écriture. Ah oh non, non c'est une catastrophe. J'ai dû télécharger un mode. J'ai dû télécharger un mode pour régler ça, pour te dire, tu vois. Mais voilà. tu sais, au moins, je peux leur... au moins je peux leur donner quand même euh... un bon point pour ces jeux-là. C'est qu'en tout cas. Ils m'ont permis de retourner sur les versions GBA. Ils m'ont donné envie de dire aux <laughs> versions GBA pour me dire ah putain, ça c'est mieux quoi. Ah eh ouais, et ils ont enlevé le contenu additionnel en plus. C'est ça, c'est ça le pire. Parce que franchement, tu regardes leur FF1 en pixel remaster et <laughs> tu regardes le FF1 sur GBA. Mais Il n'y a même pas photo, c'est du... de... Et en plus, en plus, le FF1 sur GBA, tu le mets sur émulateur, il est encore plus beau. Oui, c'est ça. C'est pour ça, la version de... Pixel Remaster. Je... Alors là, je vais je, je être méchant, très méchant. Mais me... le Pixel Remaster, même avec un bâton, j'y touche pas, en fait. Mais... <laughs> <C 'est> pour... <rire> <rire> là, je suis horrible là. J'exagère. Mais en vrai, c'est pour, pour ça qu'on t'aime, Chrono. C'est pour ça qu'on t'aime. <laughs> c'est pour ça. Non, non. Quand t'as touché à la version GBA, tu, tu reviens pas en arrière et surtout pas pour euh, enlever du être bazar, encore quoi. moins beau que le jeu d'origine quoi. Ça c'est faut arrêter quoi. Tu vois ce que c'est un truc de tout. Je crois qu'il y a un message pour toi. Chronos, t'as le coffret Jap. Non. Kingdom Hearts, ça semble être une belle édition. J'ai senti la déception dans ton nom. J'ai <laughs> senti la déception. Non, en plus euh, parce, ouais, parce que euh, j'ai connu Kingdom Hearts, j'avais euh, 11-12 ans. 12 ans je crois plus et j'étais même pas en enfin je, je vis en campagne en fait et à, à cette époque là j'étais un peu con je savais même pas qu'il y avait des collecteurs en enfin, fait je savais même pas que ça existait quoi là, ah, fait, bah, il a en fait fallu que j'aille faire mes études sur Paris et qui y ait les sorties de enfin qu'il y ait les sorties de, de FF13 et compagnie pour que je comprenne qu'en fait qu'il y avait des collecteurs Ouais, enfin, non, okay. enfin, non, non, non euh, enfin des, des vrais collecteurs parce que sinon pour moi il n'y avait que par exemple euh, le, le petit deluxe qui avait pour KH2 Final Mix en japonais, mais en France pour moi il n'y avait pas de collector en fait. Ah, D'accord, ah ouais, bah là je peux comprendre hein. parce que moi en fait Kino Mars j'ai découvert ça avec euh, le CD bonus FF10. J'ai fait pucer une PS2 et j'ai pris testé, on mon on premier jeu import qui était Kino Mars en japonais, j'ai pris en français. Après, euh, j'ai pris la version Final Mix, encore mmh, en import. Encore en import. KH2, en import. Quelques jours après la sortie au Japon, pile pour Noël, je faisais, ah, ça, ça, ça faisait plaisir. Où là, j'ai dû faire, euh, vu que la PS2 pucée a rendu l'âme. rendu l'âme, ouais. J'ai, J'ai pris le Magic Swap en même temps que KH2. Je ne sais pas s'il si y en a ah, qui euh, ont ouais. connu ouais. ça, mais. Magic euh, À, à, à chaque plus fois, plus... j'ai toujours pris euh, les Kinamars okay. En version japonaise. En en vers et il y a, il y a juste Kinomars 3D sur 3DS, je l'ai pris qu'en japonais, je ne l'ai même pas pris en français. Quoi. Vu que la 3DS est une console zonée et que du coup. Ben... Ouais, voilà, c'est ça le souci. Moi j'ai précommandé la Play. Ah, c'est euh... bon, euh... dernier avertissement. Hein. Si tu me fous encore la rage avec ça, t'es bad <laughs> Moi aussi je la voulais, mais je suis dégoûté, je n'ai pas la thune. Ça, par exemple, j'aurais donné le fric pour ça. Pour la player art de Zach hein. oh, ouais, Moi, je suis, je suis trop un fanboy de Zach, moi. Elle, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Je ne l'aurais pas remarqué. Belle. Toi, tu ne voilà. l'aurais pas dit, je ne l'aurais pas remarqué. <laughs> voilà, tu vois. <laughs> euh... Mais moi, je peux comprendre, tu vois, qu'elle peut craquer. J'avais un doute quand je te voyais avec les yeux qui brillent durant ton <laughs> esprit. Hein voilà, enfin, tu vois. J'avais un doute, mais je me suis dit, ah, lui. Il... <laughs> il joue bien, lui, il joue bien quand même. <laughs> mais tu vois, je comprends que. Euh, surtout que. Quand on me dit, ouais, mais c'est Final Fantasy XVI, euh, un FF numéroté, c'est pas tous les ans, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Moi, nous, c'est pas qu'on est, on est un peu des influenceurs, un petit peu. On est sur le net, on donne notre avis, on nous le demande. Moi, quand mais il y a les la influenceurs influencés, j'ai envie de te dire. Voilà, même, même ça. Mais je vais te dire que moi, j'avais même pas l'info encore. Que mon Twitter, Facebook, c'était bon. Partait, ouais, t'en penses quoi du collector Il est trop cher. Je dis, quoi, quoi, quoi Les gens, ils attendent notre avis. C'est tout à fait normal. Mais après, il faut l'accepter, notre avis. Tu vois, c'est ça, parce que vous le demandez. Mais après, ceux qui disent, moi, je m'en bats les couilles. J'achète le collector, je l'achète 350 euros et je vous emmerde. Mais moi, je préfère me dise comme ça que oui, mais tu vois. Non, assume ton achat. Tu dois être content de ton achat. Toujours. C'est toi qui. Fais-toi plaisir. C'est un point bas. Salut, petit Marcasa Salut. C'est quand même un. C'est un business. D'un hein, côté, côté, je suis content que les collecteurs se vendent. Tu vois. D'un côté. Et d'un autre côté, je suis pas content parce qu'ils vont encore nous prendre oui, plus bah, d'art. C'est loin d'être fini. Hein. Tu vois. Et, et mais moi, quand j'ai vu le Pixel Remaster, j'ai dit, c'est bon, on est foutu. Moi, quand j'ai vu le Pixel Remaster, je me suis dit, ouh il y a un petit 90 euros 100 euros, ça doit être bon, tu, je le prends. Quand j'ai vu 275, j'ai dit, c'est moi tranquille. J'ai posé une question, je ne veux pas être méchant pour le jeu. Je vous promets, le jeu, je l'ai acheté, je vais même le faire en let's play. Lequel Force Pokémon. il a eu un collector. Si j'aime pas partie, je ne vais pas sortir. Non, a il y a, pas... a peut-être peut une version de Deluxe, mais il n'y a pas de collector. On n'a hein. pas vu de collector. On n'a pas parce vu. Parce qu'ils savent très bien que ça ne se vendra pas 300 euros. Non, mais ça, c'est clair. S'ils si, si nous <laughs> sortent un collector... Déjà, qu'ils vont galérer pour vendre le jeu de base, alors on en veut fait, sortir un collector, c'est... Ouais, marrant. mais aussi, franchement... Parlons-en de Force Poker. Qui a fait la, la démo euh, sur le la PS5 tu, Toi, tu as... <laughs> je t'ai vu jouer, alors... il <laughs> a Moi, je peux te dire, Kronos, ma PlayStation 5, elle est là la démo, elle est. J'ai même pas envie de jouer. J'ai même pas envie de jouer. Ah, tu n'as pas joué Non, j'ai même pas envie. Déjà, je t'ai vu jouer toi. J'ai vu jouer frius Et Sefrius, pendant qu'il jouait, il l'a défoncé. Mais l'héroïne, elle me rend fou. Alors, moi, ça, je peux le supporter. En fait, moi, ce qui oh. me dérange, c'est qu'en fait, Square Enix, ils, habitu... ils nous ont habitués à des jeux où, en fait, ils nous donnent une démo où on fait le début du jeu et après, on transfère une sauvegarde. Sauf que là, ils nous ont foutu sur euh, une version un peu avancée. Avec, ah bah avancé, euh, ouais, un peu avancée, ouais. Et le problème, c'est que, ben, en fait, vu qu'on n'apprend pas les choses au fur et à mesure, là, ils nous ont tout lâché. Avec un tuto qui résume 5% de ce qu'on peut faire. Quand, quand tu, alors, le low-con dans un jeu, on, te, on va dire, c'est c'est instinctif. Tu sais qu'en général, c'est souvent R3. Mm -hmm. Mais ça, ils disent même pas. Dans mais le tuto, ils t'apprennent te, te, juste les attaques et tout, mais ils te disent même pas que tu as, as des esquives parfaites, ils te disent pas que tu peux esquiver en faisant les, les pas rapides, euh, ils ne te, te disent pas pour le lock-on. Enfin, apparemment, ils te le disent plus tard, mais c'est le, le début qu'il faut le dire. Et Par exemple, coup, quand, tu, quand tu compares tu... la démo de Force Pokémon à FF7 Remake, FC Dreamer qu'on a eu le premier chapitre. Ah, bah, c'était le début du jeu, donc tu avais tout le temps de, ah, mais... de te faire au, au gameplay. Tu, te... tu, vois tu faisais comme si tu jouais normalement. Et mmh. là, le truc, c'est que uh, Force Spoken, en fait, les explications sont... Il y a des tutos, mais il faut, faut aller dans le menu, dans les options. Mais tu crois vraiment qu'on qu va faire ça Mais tu crois vraiment Et... que les jeux vont faire ça Et j'espère que le jeu de base sera... Comme ça, dans le sens qu'ils vont nous vraiment nous balancer les différentes mécaniques de gameplay au fur et à, mesure, fur et à mesure et nous expliquer avec des vrais tutos sans pour autant faire des tutos hyper voilà. longs et ennuyeux. Mais parce que là, actuellement, la démo nous dit en gros, enfin ne, ne nous le dit même pas, c'est qu'il faut aller lire les tutos et t'en as pour euh, 20-30 minutes de lecture. Moi, regarde, moi par exemple, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que ça a Pégase. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que elle a des compétences avec le vernis tu vois elle, je sais pas -ce je sais que quand elle met du vernis ça change des choses ouais. moi j'ai trouvé ça une mécanique de gameplay originale c'est original ouais, mais un... alors moi j'ai pas trop voulu non plus trop fouiller la démo parce que je me dis si si je passe trop de temps sur la démo je vais me dégoûter et le ouais. jeu je, je vais je vais, je vais je vais pas enfin voilà, je, je vais partir d'un mauvais pied je me dis le jeu je veux avoir de bonnes ben, enfin, je vais avoir un peu de base pour, pour l'appréhender, mais pas trop. Oh, vraiment, merci Pegas. Un grand merci à toi. Un grand mer On est 51, les gars. On est 53. Mille merci à vous. Mille ouais. merci à vous. C'est la magie de Noël, ça. <laughs> c'est voilà. Ça n'a pas trop profité. <laughs> On en profite. Ah oh, oui, c'est cadage Il n'y a pas de truc à grasser ici, cadage Faut moi le corps. Mais tu vois, le... moi, euh, Force Pocket. J'ai envie de lui donner sa chance. C'est pour ça que je n'ai pas envie de jouer à la démo. Oui, moi, je, je... il est précommandé depuis février, le jeu. C'est ah bah ouais, actuel. Tu moi, moi j'ai toujours été comme ça. Moi, Scorenix va me donner le jeu. Clairement, ils vont me le donner en démat. Si le jeu est bon, je vais l'acheter. Et je vais même acheter le Steelbook pour te dire. Mais si le jeu est pourri. Elle mon son ah Steelbook. Le Steelbook, il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être bon. Mais je ne vais pas l'acheter si le jeu pue, hein, ça, est pu, Ça, c'est sûr. Hein. Parce que ce qui est bizarre maintenant avec Force il n'y a pas d'avis, il y a des avis tranchés, c'est pourri, ça déchire. Voilà. Je n'ai jamais vu, ouais, ça va, c'est bon. Chaque fois, quand tu vois les, les magazines de jeux vidéo ou les influenceurs, ouais, je l'ai joué au Japon, ça déchire le gameplay, les dynamiques et blabla. Je dis, oui, c'est bon ça. Tu vas voir un autre, le jeu, c'est de la merde. Oh, mais putain, qui tu vas écouter maintenant Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Je vais le jouer, on va le faire en live d'office. Si c'est bon, je l'achète. Je ne l'achète pas. Et s'il n'est pas bon, je ne l'achète pas. Point voilà, c'est tout. Moi, vu que c'est Square Enix, j'aime bien les jeux de Square Enix, c'est une nouvelle licence. Et si force Poken, ça foire, ça va encore être un coup dur, bordel. Ah mais oui, là, il... en... mais en vrai, je... pareil, le jeu, je vais... Envie de le... je vais le soutenir un minimum. Je vais, un... je vais, un... je vais essayer de communiquer le fait qu'il soit sorti, qu que je vais faire, je vais faire un let's play. Pour essayer de, mm -hmm. de donner un peu de visibilité en termes d'actualité. Mais bon, je sais que moi, je, je vais être une, une poussière par rapport à Internet. Mais en vrai, le jeu, je, je, en, on sera toujours au-dessus d'un Star Ocean 6. Alors lui, je l'ai très mal vécu, ce jeu-là. <laughs> tu y, y as joué, toi Tu as essayé de voir un peu le Je jeu, suis arrivé hein à la moitié du jeu. Je suis arrivé à la moitié du jeu. Les gueules, j'arrive pas, c'est pas possible. Les Parce tronches, que le... je suis un grand fan de Star Wars. Moi aussi, j'aime beaucoup Star Wars. Les premiers volumes, moi je suis un fan. Mais, mais, mais grave, même mais... le 4, que tout le monde crache dessus, moi je l'ai adoré en vrai. Il y a tu que vois... le 5 où c'est une erreur de parcours. quoi. Mais le, le 6, en vrai, ça partait bien. Alors le, le héros avait, avait le une kill. gueule euh, en, en, en... Je me dis, c'est un, un mec qui a cosplayé l'illustration qui a été faite. C'est un cosplay, c'est pas le vrai gars. Il ressemble pas à l'illustration. Parce que les gens disent, il est un cara des ânes de merde. non, non, c'est pas le des ânes. Le, le problème, le Karadezan, si vous allez voir l'illustration, elle, elle claque. Le héros, euh, il, il, il respire de la classitude. Voilà, juste par... à la modélisation qui se sont foirées. Voilà, par contre, par exemple, Gigi, euh, je suis fan, et il a plutôt aimé, ben, tant mieux. Franchement, ben, mais c'est bon. Ben moi, en fait, j'ai eu du mal dans le sens que, en fait, le jeu, je l'ai trouvé très générique, en fait. Je l'avoue. Et j'ai pas été habitué à ça avec les Stars océans. Parce que normalement, quand il y a un Star océan qui sort, il sort toujours de l'ordinaire. Mais c'est ça, les, les, les décors en vrai, c'est générique, comme pas possible. Et en fait, il faut juste re regarder le ciel pour voir quelque chose d'un ton temps soit peu original. Mais ah ouais, euh, j'avoue euh, le ciel. Pas, euh, là, ouais. On n'explore pas en gardant la tête levée vers le ouais, ciel. Ouais, c'est ça. ça, voilà. Par, par contre, le gameplay, j'ai bien aimé, je me suis bien, je m'amuse bien sur le gameplay. Bah, en fait, j'étais amusé au début, mais à force, je me dis, mais bah, c'est pour, que... pour ça que j'ai joué que c'est pour qu ça que j'ai joué que la boîte. La compétence par personnage, en vrai, et au final, tu fais toujours la même chose. Bah ouais, mais c'est ça le souci. Et le, et, ça, le... et le Loki et l'histoire et l'histoire en vrai même j'ai du mal. Alors je l'ai fait du point de vue de comment elle s'appelle euh... la princesse là. Ouais. Je j'ai oublié son nom. Mais <laughs> et... <laughs> moi, ce qui m'a dérangé, alors, sans spoiler, je vais sans spoiler, je vous rassure, durant Enfin, durant les trois premiers quarts d'histoire, on sent qu'il y a un problème entre certains personnages et les royaumes. C'est l'enjeu de ces trois premiers quarts d'histoire. Mais on ne nous dit rien. Il n'y a même pas un indice. Il n'y a, y a rien. Et pendant tout ce genre, on se dit Mais ça doit être grave ce qui s'est passé pour qu'ils ne peuvent pas se piffer comme ça. Mmh. Et au final, on nous lâche le truc un peu trop tard, quand on n'en a plus rien à faire. en fait Et là, on a en mode C'était juste pour ça T'as <laughs> fait la gueule juste pour ça, parce qu'on t'a volé ton goûter On t'a volé ton goûter et t'étais pas content Alors je remarque. Tu fait chier pendant 30 heures de jeu, juste pour ça. Et quand on t'a révélé ça, ben en fait, on n'a plus rien à faire des enjeux, parce que t'es sorti, t'es es même pas dedans. Quoi. On te parle de... euh, des grands boss finaux et tout. Ça aurait mérité comme je du bouchard de développer. s'en goûter, juste ça, <laughs> <sur> ça, <quoi. rire> ça, 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 je suis resté sur ça. Ils ont voulu les de Je suis méchant, <laughs> mais en, en, je caricature le scénario, mais c'est ça. Et surtout la, la fin de l'histoire, en fait, ils nous ont fait une redite de Star Wars 4. Et j'ai envie de dire, oui, mais ça, je l'ai déjà vu. Malheureusement, ouais. Malheureusement on a l'impression qu'ils n'ont pas pris de risque, en fait. Ils n'ont pas pris de risque. Tu vois, et... Et j'étais déçu. Clairement. Mais j'ai dit, si ce n'était pas un Star Ocean, je l'aurais vendu depuis, depuis longtemps. Euh, si je parle de Star Ocean 6, mais Valkyrie, c'est encore pire. Valkyrie, je ne l'ai pas encore joué. Laissons-moi appeler, je ne l'ai pas encore joué. Je peux pas ah, le dire. En fait, j'ai testé la démo en live. J'étais. Pas mitigé, j'étais, un... j'avais 1% de hype, 1%. Je dis ça, ça peut être ça. Surtout que là, les Valkyries c'était mon premier, donc j'avais zéro affect ouais, de base. Je, je je suis curieux. j'ai fait une heure et demie de, de live découverte. Je dis bon, on le fera en let's play Après, je suis retourné sur la démo pour la finir parce qu'on l'avait pas fini en live. Et je fais deux heures, trois heures. Et je, me, je, je vois toujours le même biome, les mêmes ambiances, les mêmes couleurs. Je fais toujours les mêmes attaques. Je me dis, oh, putain, mais en fait, ce jeu, il, il, va, il va être chiant. Il est fade, en fait. Et je ne l'ai même pas acheté, du coup. C'est ça qui me dérange avec Swanee c'est qu'il multiplie les sorties de jeux. Voilà. Il divise les budgets, en fait, à, à, avec ça. ça. Alors qu'il pourrait sortir un gros bazar. Mais, mais voilà. 2022, ils ont sorti quoi maintenant comme jeu Star Ocean ah, euh... en 2022 2022, l'année qui vient de passer, on est quotes, quoi Alors, Ils ont sorti, euh, ils ont sorti ah. deux, euh, deux Voice of cards. Ouais, deux ouais. Ils ont sorti euh, le superbe, Strain, euh, non pas. <rire> <Stranger> <rire> Paradise. <rire> non, en, en, non, si en vrai ils ont sorti Stranger of Paradise et en vrai je l'ai kiffé perso. Moi j'ai bien aimé moi. moi, Stranger of Paradise, euh, je veux pas vous mentir. moi de toute façon ils sont, j'ai bien aimé hein. Moi, le, sais, le gameplay vais... m'a plu. Moi, alors, je vais éviter de citer des, des noms de youtubeurs influenceurs <laughs> pour éviter de, 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 de déclencher une guerre. Mais il y a certaines, il y a certaines personnes qui s'amusaient à, à, en plus, à en, ils ont profité pour mettre des, des, des petits tacles à nos qui disaient que ça ah, être je, un nanar. Je, 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 alors je, 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 que les je... mecs, ils n'ont même pas joué au jeu. Ils ont juste jugé deux scènes qui se suivent même pas en disant c'est un nanar. Bah moi kiffé, et là moi. ce que j'aime bien c'est qu'on voit la dernière bande-annonce de Différentes Futures. Moi, moi ça me donne envie. Et hein. je vois des tas de gens qui disent Oh putain ça a l'air génial <laughs> Et j'ai envie de dire Mais les gens vous vous rendez compte qu'en fait ce que vous voyez dans, en, en, en termes de scénario c'est exactement ce qu'on avait durant tout le reste du jeu. C'est juste que vous avez jugé deux scènes, deux mauvaises scènes du début du jeu. Mais comme dans tout Final Fantasy, le scénario euh, tout prend sens à la fin. Ouais. Les gens et tout Vous vous ont... rendez compte qu'en fait que là ce que vous kiffez. C'est exactement ce qu'on a eu dans le jeu. le, le pire, le pire c'est que quand a, le jeu, est, on a vu les images avec ses frises, j'ai dit, mm -mm, mm -hmm, ça a l'air bien pourri comme il faut. C'est du Final Fantasy 1. Quand j'ai fait la démo, j'ai adoré le gameplay. Ah mais tu sais, euh, même moi quand j'ai vu, euh, j'avais pas la PS5 quand ils ont sorti la première bande-annonce et la première démo, et je te promets, je me dis, c'est un jeu qui fait, beau... enfin, c'est un jeu qui fait pour moi ça. Euh, tu vois, moi j'ai kiffé, moi, moi j'ai ouais, adoré. Vraiment... Hein. Et toi, j'avais déjà. Je devais avoir déjà 100 heures de jeu rien qu'avec la démo, mais sans y jouer, en regardant <laughs> tout le monde y jouer. Ah, Donnez-moi votre manette. Bon, enfoiré, vous n'avez pas, ah, apprécié. pas quoi. Toi, <laughs> je savais déjà les trucs. Je voyais des gens qui galéraient pour les bambos qui se faisaient rétamer. Mais j'ai dit, mais un bambo, tu, tu balances du feu, tu fais le fais grossir, tu le fais péter, c'est dans tous les Final Fantasy. Mais attention, il y a, il y a Final hein. Fantasy Utilise-le. quoi Attention, Chrono, je vais préciser quelque chose. La démo, la démo du jeu, elle était mmh. en mode very hard. Parce que moi, ah oui euh, j'étais en live. Il m'a fallu une heure pour battre Proto Chaos. Hein. Et j'ai dit, la mais. Première la première démo La première démo. Le combat de fin. Il m'a fallu une heure pour le battre. Parce que je devais gérer oh, je, le je live. De... Je, je me connais, j'aurais perdu quelques fois, et puis je l'aurais plié au bout d'un ah, moment. Parce que bah, je, je... quand tu as joué à Kingdom Mars, surtout le 3, quand tu as fait le DLC, quand tu vaincu tout le monde en, uh -huh. en... quand tu l'habitude de faire les, les jeux en level 1, euh, Critical, euh, Kiblet de base et tout. Uh -huh. En plus là, avec les codes handicap, quand tu as fait ça. Il n'y a plus aucun jeu qui te résiste. Quand on, te, quand on, quand on me disait après les Dark Souls, euh, les, quand, quand on me dit les, les sous, c'est difficile, je, ouais, ça me fait rire, hein. rire. Je dis non, 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 ils sont mignons, ces jeux-là. vous prenez. C'est pour ça quand on me dit Kingdom c'est facile. Je fais, non, 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 Kingdom déjà, tu peux réellement réguler toi-même ta difficulté. Toujours bah, en critique, vrai. en level 1, déjà, rien que là, tu rigoles pas. Donc, clairement, je suis d'accord avec ça. Tu rigoles pas. Et tu vas me faire les tous les boss en level 1, tu, tu pleures. Ah, je suis d'accord. Mais par exemple, tu vois, par exemple, quand après que Renix m'a donné le jeu et que je suis arrivé euh, chez euh, protocole le premier boss, j'ai dit putain, je vais... je l'ai défoncé. Mais quand je te dis Chronos, il m'a pas touché, il m'a pas touché. C'était euh, trop. Euh, lequel le, le premier, boss, le premier, le boss de la démo là, euh, Chaos, Protocaos, ouais. le le, bol, le premier boss qu'on avait là, Garland quand on voyait. Euh... Il ne m'a pas touché. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai remis la démo. C'était en mode... La démo était en mode very hard. Parce que le jeu, je lui ai roulé dessus. J'ai roulé sur Stranger Things. Very Paradise. hard ou very easy? Non, non, j'ai mis en very hard. Parce ah. que je voulais. Euh, parce que quand j'ai pas dû le premier boss, j'ai dit, mais c'est trop facile. J'ai dit, mais c'est trop facile, c'est quoi ce bazar? J'ai mis le non, jeu en very je... hard. Hein, j'ai dit, ben ouais, ben voilà, la démo, elle était en very hard. C'est tout. C'est en difficulté. Voilà. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que le jeu était n'importe quoi par rapport à ça, mais j'ai dit Mais les gens, il y a, des... il y a un lore Final Fantasy, apprenez à, à l'utiliser, parce que même juste les réactions élémentaires, genre, il y a des gens voilà. qui galéraient sur, sur Garland Proto Chaos, où il dit Oui, il... où... quand il prenait son épée de feu ou de glace, je fais Mais les gens, si vous avez as un mage en job principal ou secondaire, tu des sorts. On t'a montré ah, voilà. que l'eau pouvait éteindre le feu. C'est vrai en plus. Ils utilisent de l'eau pour éteindre des de feu. Et, mais il faut... y en a plein qui l'ont pas fait. Ils réfléchissaient pas. Moi j'ai adoré le gameplay. Hein. Moi j'ai adoré le gameplay. Hein. Ah, mais le gameplay est génial. Et j'ai. J'ai hein. fait le. J'étais un peu déçu par le premier DLC. Ouais, je suis d'accord. Le premier coup, DLC pour refaire tous les donjons, pour juste monter son niveau d'équipement, ça, ça, faire deux, trois combats contre Bamut et la les lumières. Ouais. J'ai pas fait encore euh, celui avec euh, Gilgamesh, je euh, Celui qui le moins, mais le dernier, je suis. Moi, je suis hype de ouf. Hein. Ouais. Rien, moi, atteint. je suis désolé. La fin. Moi, euh, 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 Jack, il m'a cassé les couilles. Mais quand j'ai terminé le jeu, j'ai dit Mais putain, je veux le revoir. Je me suis tellement habitué à Jack je me dis, putain, j'ai envie de le revoir. Et quand le DLC est sorti, j'étais content. <laughs> je te jure que j'étais content. Et surtout, la fin, quoi. Quand tu vois le guerrier de la lumière de FF1 qui arrive, tu te dis. Oh. C'est ça. Et, et ce qui est bien, est bien avec ce jeu, c'est qu'il te fait voir FF1 d'une autre manière. D'une autre C'est génial. Et ensuite, tu allais jouer à la version FF1 sur GBA, quoi. Voilà. C'est ma. Franchement, moi, j'ai kiffé. De euh, toute façon, ils me l'ont donné gratos. j'ai acheté le jeu nouveau plus le Steelbook pour te dire tellement que j'ai aimé ce jeu. Et s'il y a une version définitive qui sort avec tous les DLC, je la prends. Et le DLC futur, Différents Futurs, je suis impatient. L'Empereur, je... il a l'air d'être trop stylé. J'attends de voir Différents Futurs, mais je me dis, en fait, il y a même moyen qu'il sortent un Stranger of Paradise 2 sur un autre FF, genre le 2. Il peut faire n'importe quoi. face à sa transition avec euh, FF2 mais ils peuvent faire ça facilement. Le 1 et le 2, des, tu peux rajouter du scénar, mais facile. Parce qu'en vrai, euh, tu ils me font du lore à chaque fois sur les lunariens. Alors là, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec eux. Quoi. Mais ils ont donné une consistance mmh. à, aux lunariens. T'imagines, ils, ils nous parlent de très intelligents, contrairement ouais, à ce que sais. certains aimeraient euh, faire. Voilà. Maintenant, euh, dans FF1, tu peux nous parler du CID, du 1. On ne sait rien. Ils peuvent tout inventer. Ils peuvent mmh. tout inventer, te ramener Sid, je suis refait, je suis refait. Ça. Franchement, moi, euh, Stranger of Paradise, ça a été une belle surprise. Ai aimé, ouais. Perso, moi, 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 ça a été une très belle surprise, Stranger of Paradise. C'est pour ça que maintenant, ouais. avant de cracher sur un jeu. Je joue d'abord. C'est pour ça, Fox je j'ai pas joué, je parle pas. <laughs> ouais, J'allais parler de. En fait, voilà, j'ai ma langue a fourchée quand j'ai dit le. Euh, du coup, en, en jeu, on parlait des jeux qui sont arrivés en 2022. Ah ouais, voilà. Et, voilà. Dire, en Paradise, je vais parler de Triangle Stratégie. Triangle et Stratégie, lui, ouais. Euh, moi, j'adorais, moi, moi. En vrai, je crois que Triangle Stratégie, s'il n'y avait pas eu. Euh... S'il n'y avait pas eu euh... Xenoblade et God of War. Je pense que je... ça aurait été mon quoi. J'ai adoré Triangle Stratégie. D'ailleurs, on va mettre les jeux qui sont sortis en, en 2022, comme ça vous avez. Et ce qui c'est que ce jeu, c'est la preuve qu'en Qu en fait que la 2D a encore de l'avenir et que ça ne sert Bien à rien sûr. de faire de la 3D. Bien sûr. Je, je... je... je vais dire les mots, hein. c'est de merde. Pas ouf. À quoi bon faire de la mauvaise 3D si... quand on peut faire de la bonne 2D et de la bonne 2D qui ne vit pas parce qu'aujourd'hui, un jeu en données, ça ne vieillit plus. Clairement, je suis, cas, que, je, pense, plus. je suis tout à fait d'accord avec ça. ça ne vieillit plus. Tu suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, en 2022, on a eu Dragon Quest. Je suis en train de jouer, le jouer. Trésor, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. J'ai jamais accroché les Dragon Quest. <laughs> mais ça n'a rien à voir avec les Dragon Quest tour par tour. Hein. Là, c'est vraiment un jeu d'aventure, euh, chasse au trésor et t'attaques les ennemis. Et, euh, il est pas mal. Ah, ouais, est, je veux dire, c'est de base l'univers. Ah, l'univers. Euh... Ah, ouais. Celui-là, euh, d'ailleurs, je l'ai sur mon PC, je l'ai eu. J'ai essayé le 8 à, à l'époque sur PS2. J'ai essayé euh, comment ça s'appelle euh, Le remodis. 11. Le 11. Enfin... Le 11, le 11, le 11. Ah non, ça va. Le 11, euh, ça va. Le 11, il est, il, est, il est long. Il est long. Mais ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a dit On a Dragon Quest. Celui-là, il est pas mal si vous avez une Switch. Il est pas mal. Ça, c'est. Euh... C'est un jeu de farm en fait, un jeu fermier. Et t'as mis un jeu de. Mais tu l'as testé celui-là, non Lequel euh, Avec euh, Stella. Ouais. Bah toi, c'est le genre de jeu. Je me dis enfin. Bah, euh, vous aurez pu mettre le budget ailleurs, quoi. Et voilà, et le jeu, il est mignon. Mais moi, c'est la. Moi, tu m'as fait rire, c'est la présentation de personnages. T'as bloqué parce que <laughs> homme, femme, c'est la même chose. <laughs> En fait, dans le jeu, au début du jeu, ils te disent création de ton personnage, c'est très limité. Hein. Et tu as le sexe <laughs> homme-femme. Et en fait, dans les deux, tu peux choisir un homme, une femme, non genré. <laughs> J'ai éclaté égardé... <laughs> Ça, 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 ça vous pouvez passer votre chemin. ça Franchement, vous pouvez passer votre chemin. Il y a quand même Valkyrie euh, Elysium. Je l'ai pas ah, testé je la peux la pas live. Dire. Premier contact mitigé déjà. Divine Force, on en a déjà parlé. Niro Tomata, euh, je l'ai testé sur Switch. Ils ont bien travaillé dessus. Ils ont très bien travaillé dessus. Franchement, pour un portage 8, ils ont très très bien travaillé dessus. C'est tout, c'est pas possible. Tac, tac. Non, non, il y a d'autres jeux qui sont sortis en 2022. Ouais, il y a eu le live live, mais. Ouais, voilà, ici on voit mieux. Mais euh... disons que le live live, je l'ai trouvé un peu feignant. Techniquement, je ne l'ai pas joué, je ne peux pas te dire. Je ne parle pas, pas graphiquement, dire. mais techniquement. Mmh. au niveau des collisions et tout euh, je trouvais ça pas ouf euh, contrairement à ce qu'on a dans un Octopus raveler par exemple j'ai mmh. pas trouvé ça m'a un peu sorti du truc alors je doute pas que le jeu doit être génial mais j'avais l'impression de jouer un jeu sur émulateur en fait euh, ouais, je peux comprendre, euh, je peux un comprendre. Jeu, même un jeu RPG maker en fait j'avais mmh. un peu de mal ouais, je comprends alors diophile chronicle ça a été ça a été une belle surprise pour moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé Tactics Hog Reborn. Putain, ouais, alors lui, en lui, en vrai lui, je l'ai pas, mais j'étais chaud pour le faire. Il est dur chrono. J'avais oublié à l'époque que je faisais des jeux comme c'est abusé comment c'est dur. Et le jeu, le gameplay était facilité parce qu'il faut savoir Tactics Hogs, à la base c'est un jeu Super Nintendo, ah, Super, Super Nintendo, Nintendo qui a été remake sur PSP. PSP et là ils l'ont remasterisé de la version PSP. Bah, en vrai, euh, moi, j'ai pas plus affecté que ça. En fait, c'est marrant parce que j'ai, j'ai, je me rappelle sur PSP, j'avais eu euh, de Scoranix un paquet de cartes de tarot, je crois, mm -hmm. de Tactics Ogre, mais j'ai jamais eu le jeu, quoi. Le et j'ai de... pas jeu joué de... parce qu'il était jeu. en anglais. Et là, je peux, je, en fait, de base, j'étais chaud pour le prendre. je sais plus ce qu'il y avait comme sortie euh, juste avant euh, Tactics Ogre. Bah oui, il y avait Valkyrie, Valkyrie. et Tarot Océan. C'était juste après Star Ocean, je crois que j'étais chaud pour le prendre. Sauf que, ben en fait, le problème, c'est que le jeu, a... même encore aujourd'hui, il n'est pas trouvable. Ouais, malheureusement. Il ah, euh... Je suis le seul à avoir eu ce problème, mais en fait. Oui. Il... Oh, même, je voulais l'acheter. Pas 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 en magasin. Dans les Micromania, ils il disaient je... je suis arrivé le jour de la sortie le lendemain, ils m'ont fait Non, il n'y a... a plus. Il <laughs> n'y a, a rien. Il a même disparu euh, le jour de la sortie et la veille. Du magazine Micromania, enfin de, du, du site internet. Il était, il était même plus trouvable sur. Comment sur euh... se fait, ça Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il y a un énorme problème de, des référencements et de, de disponibilité du jeu. Et en fait, bah, bah après, je suis passé à autre chose, en fait. Mais ah, franchement, les bien. gars, euh, des tutos. Hein. Moi, je vous... Le jeu, il est super compliqué. Hein. Et encore, c'est une version facilitée par rapport à l'époque de la Super Nintendo. Hein. C'est le jeu de tactique ça, à l'ancienne de, de Square. Enix, où as à pas... l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne Chrono. Voilà, as, tu, as, tu as, pas, ou, tu as pas comme dans, euh, comment il s'appelle, euh, Triangle Stratégie. T'as pas tout, euh, tout on va dire l'assistana quand. Ouais, voilà. Loin, là, ça va faire tant de dégâts, ça va être efficace. Loin, loin de là. Ah moi, je vous le dis. Hein. Mais c'est un monument du, du tactique, ça. Triangle of Strategy, magnifique. J'ai adoré. Mmh. Life is Strange euh, la Remaster, je l'ai pas fait, mais je l'ai déjà fait. Life is Strange, c'est un très bon jeu. Moi, je préfère Colors, clairement. Stranger of Paradise, pour moi, c'est une belle surprise. Pour ceux qui rechignent, vous pouvez le choper en occasion. C'est un bon jeu. C'est un, franchement, c'est un très bon jeu. Babylon Falls. Putain, je l'avais oublié. Bon, j'en ai bah, parlé bah, c'est toi. <laughs> <Non, rire> j'en ai dire. parlé tout à l'heure, je l'ai <laughs> déjà oublié. Quoi. Ouais, pour te dire, euh, Chocopo GP, tout le monde le, le, le défaut, Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas joué. Je ne l'ai pas encore joué. Bah, en vrai, euh, il n'est pas techniquement euh, en course. Euh... C'est nul. C'est nul. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est simple, j'ai joué un peu, quelques heures. Ach... pour faire le let's play j'ai uh -huh. joué un peu avec un pote qui m'a insulté en disant mais t'as acheté cette merde, <laughs> acheté cette merde et, et, <laughs> et ensuite me vois mon pote j'ai ach... acheté le... le battle pass et... et payé un peu pour avoir, le... pour avoir squall uh -huh. parce que squall ah, c'est squall et... Et... je t'excuse c'est squall je t'excuse aujourd'hui il me dit je te respecte même plus <laughs> je te respecte même plus c'est dos à point euh... Oh merde. Non, ouais. Alors, je le revends... Euh, toi, d'habitude, je ne revends pas, mais jeux Square Enix. Ah, euh, Là, en tu l'as revendu non, direct. Je l'ai revendu. <laughs> Putain, ça veut dire ce que ça... C'est bien, ils m'ont pris 12 euros en Micromania. Ah bah, c'est déjà ça. Et, et franchement, celui-là, c'est un jeu d'enquête typiquement japonais. J'ai adoré. Il y a une histoire. c'est euh, Le gameplay, est... et franchement, il est original, le gameplay. C'est un jeu d'enquête. On va cliquer dessus quand même pour voir en grand. Euh, c'est magnifique. Si vous aimez le monde féodal japonais, parce que ça se passe euh, à la fois dans notre époque et, et, et à l'époque, euh, je ne sais plus quelle année, et ils doivent résoudre un meurtre et on passe d'époque en époque. Et le gameplay, il est très original, mais l'histoire, elle est magnifique. L'histoire, elle est magnifique. Franchement, sur Steam, vous pouvez télécharger la démo. N'hésitez pas. Mais je vous le dis, c'est un jeu d'enquête. Hein. Euh, mais moi j'ai adoré le, le scénario, les acteurs, le doublage bah, japonais. Hein. Bah, j'ai vu le jeu, je l'ai mis en truc. C'est génial. Si tu as le temps, euh, fais la démo. Franchement, euh, moi j'ai kiffé. Spoiler, les gens, à la fin, ils meurent tous. Je vais vous faire gagner du temps. <rire> voilà. <rire> Trop fort. Mais voilà comme. Bah, mais après, ils vont même, mieux, je vous rassure. Vont... <laughs> Tout se passe bien après. Moi, j'étais mort, mais maintenant, ils vont mieux. Mais voilà comme quoi. Euh, bah... Square Enix, cette année, ils auront faut parler de lui, d'eux quand même. Hein. Cette année ah, 2022, ils étaient Marseille, quand même omniprésents. Hein. Ils en, étaient omniprésents. Au, au, euh, février, mars et euh, octobre, no, septembre, octobre, ils nous ont bien assassinés niveau jeu. Et là, ça va bien recommencer. Claire, eh, les gars, maintenant, je suis désolé, mais maintenant, on va, être, euh, pff, on va avoir du lourd. FF16, les gars, FF16. Moi, ah, je l'attends, mais. Déjà, mais as, comme, hein. as vu comment elle va commencer cette année déjà Putain de merde, quoi. Force Spoken Magnifique. le 24, euh, 24 janvier. Le 16 février, c'est-à-dire à peine trois semaines plus tard, tu as euh, FF Théâtre, Rhyme, Théâtre Ouais, Rhyme. bon, comment je l'attends celui-là Putain, comment je l'attends là Une semaine après FF Théâtre il y a Octopus Traveler 2. Ils sont chauds. une semaine d'écart, quoi. Ils sont chauds. Ils sont chauds, moi, je vous le dis. Hein. Et tu vas voir, en février-mars, Vont encore un ils vont encore balancer un nouveau euh, un nouveau Voice of Cards. Oh, ça m'étonnerait pas. Ça, toi, toi, tu les as joués les deux. J'en ai joué aucun. Ah, j'ai fait les trois. Il y a le juste au troisième, j'ai pas fait en let's play. Et t'as aimé toi, tu aimé. Ah, je, franchement, j'aime beaucoup. C'est juste en fait, il faut pas les faire en let's play. Tu sais, tu joues plus longtemps en fait. Et c'est un jeu, ça te lasse vite en fait. Ah, okay. et il faut pas les faire d'affilée les Voice of Cards. Parce qu'il euh, y a très peu de nouveautés entre deux jeux. Et déjà, en fin de rang, même s'ils ne sont pas longs, hein, t as... T as... en vrai, tu as 15-20 heures de jeu pour mm -hmm. limite pour les faire à 100%. Mais si tu les enchaînes, tu vas, tu vas péter un plomb. Okay. c'est pas le genre de jeu où il faut se les enchaîner. Quoi. Il faut... okay. Tu en fais un, tu laisses passer le temps. Parce que je suis, je suis quand même assez intéressé euh, de, de jouer à ces. Ah, mais franchement, 4. ils sont sympas. En plus, tu peux te taper des petites tripes. Euh... Euh, vu que c'est un as l'aspect un peu jeu de rôle, tu peux faire des blagues et tout, bah, c'est le jeu de Yoko Taro ça, quoi. Fr franchement, ça, 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 ça peut être cool. Alors, ce code jeu, ça Attends, un planning. Et et mais par je part... te préviens, il va y en avoir au moins 9 de vos soft cards. 9 Ah ouais, putain. Alors. Ce, ce... Là, ce que je te dis, c'est qu'une théorie, mais en fait, euh, c'est dans. Bon, tu sais que c'est des jeux qui sont visuellement en base de cartes. C'est pas des jeux de cartes. Ouais, ouais. Juste euh, un skin. Le jeu est ouais. en. C'est un RPG tout ce qui est plus classique, sauf que bah, les graphismes sont en base de cartes, mais c'est pas un jeu de cartes en soi, quoi. Voilà, ouais, parce que la base de cartes, c'est un carte, jeu de cartes. La Fantasy 10, par exemple. Hmm. Voilà. J'ai dit le 10 au pif. Hein. Ouais, Et ouais, c'est compris. <laughs> Et euh, Final Fantasy, c'est voilà. pas, plus, pas plus un jeu de cartes que Final Fantasy 17. Voilà, comme ça, voilà. <laughs> comme ça on s'est euh, compris. Et euh, en fait, euh, toutes les cartes dans un jeu ont, ont un même numéro. Et ah, attends, je vais vite, je vais ça. Je, le... euh, je sais pas si je peux avoir un screenshot. Euh, bah par exemple, dans le premier jeu, elles ont toutes le numéro 6. Et en mm -hmm. fait, moi je, moi je pense que les numéros de, des cartes, qu'ont toutes les cartes dans un jeu, c'est le numéro qui permet de placer le jeu chronologiquement. Ah, d'accord. Et en fait, pour moi, bah, le premier jeu, c'est le numéro 6. Je pensais que c'était là, je me suis dit, bah, c'est-à-dire qu'on va au moins en avoir 6. Le jeu suivant, euh, on a eu le numéro 4. Et on a eu des indices qui montraient que bien que ça se passait avant dans le scénario. Donc la théorie se confirmait à moitié. Et maintenant et le, le troisième jeu, on a eu le numéro 9, si je, dis, si je vois bien. Ah bah put... Ah ouais, ah oui, la 9, là, je vais bien comprendre. Alors, c'est Frius, bah, Merci, merci de donc passer. On va avoir problème. au moins 9 jeux, quoi. Putain, 9. Je passe un coup devant, faire un coucou à tous. Merci à toi. Je ne pourrais pas passer... Il n'y a pas de ouais, souci. je me doutais. La bise. Chier, bien sûr, sur le soldat. Lui, il a la haine, <laughs> D'ailleurs, Bravely défaut sur mobile, c'est fini également. Même ah Bravely... merde, oh, ah, merde, Je suis déçu. Oh merde. T'inquiète, on, on refera euh, on fera un autre live, c'est vrai. T'inquiète, qu'il est avec sa fille, c'est ça le souci. Maintenant, on a je bien dit, parlé de ce oh, qu'on Oh là là, je m'en remets pas. Ah, ça, malheureusement. Je savais même, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un mobile. Non, en fait, moi aussi, pour, en fait, pour moi, il y en avait un, mais il était que sur un Navigateur Web, en fait. Hein. Ah ben voilà, ouais, comme quoi. Euh, alors, ici, on va répondre. FF16, quelles sont vos attentes? Pff, je l'attends tellement, ce putain de jeu. Je l'attends tellement. Enfin, Final Fantasy, Mature. Enfin, putain de merde, quoi. Et moi, j'ai 100% confiance. Moi, FF16, j'ai 100% confiance. Ouais, mais tu vas être déçu. Lâche-moi la grappe. Ce que j'ai vu, je suis hyper content. Des personnages qui ont de la gueule, ils sont stylés de ouf. Et j'ai été rassuré quand j'ai entendu la voix de Clive en français. Je dis, oh, elle est stylée, elle est stylée. Non, franchement, moi, FF16, tu as ce gigantisme quand tu parles d'invocation. Là, oui, ça c'est des invocations. Ça, ça, mais le truc, c'est qu'aussi... Moi j'ai un affect avec FF14 et il a quand même une image FF14. Rien qu'avec les, les invocations Garuda, euh, c'est la Garuda de, de FF14, mais c'est un de ces persos de ouf Garuda. Mais c est, c est... Garuda dans FF14 c'est une pourriture de première, tu vois. Alors que dans le jeu on voit que Bénédictia, euh, ça a l'air quelqu'un d'être sensible, mais quand elle se transforme en Garuda, on voit que c'est une salope, on voit qu'elle est démoniaque. Ça va être trop fort. Oh là, là. Moi, moi je l'attends, moi j'attends tout de ce jeu, j'attends tout, mais c'est surtout l'histoire. Les gens ils se plaignent du gameplay, mais je m'en fous du gameplay, putain. On va tester un autre gameplay, c'est de l'action, ça évolue comme ça. N'oubliez pas que les Final Fantasy numérotés, ils évoluent avec euh, leur époque. Si le gameplay est, est, est bien compétitif et que ça marche bien, c'est dynamique, il n'y a pas de problème. Moi je veux l'histoire, je veux des personnages qui me rendent fou, c'est tout. Et toi, Chronos, qu'est-ce que tu attends FF 16 Fais-moi vibrer. Euh, Est-ce que tu veux la version honnête ou la, la version langue de bois oh, Honnête, honnête. <laughs> T'en as rien à foutre. La version honnête. Euh... Alors, je pense que ça va être un bon jeu. Oh, c'est déjà ça. Mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent que parce que c'est Yoshida qui est derrière que ça va. Il faire... Il est vraiment producteur Yoshida. Vraiment... Il est producteur. Attention. Oui, déjà. On... C est, c est... Voilà. Je le répète pas assez. <laughs> Mais j'ai un. Parce que j'ai envie de dire, Nomura, avant, tous les jeux auxquels il bossait, c'était des chefs-d'œuvre. Et il y a eu des échecs. Et Bien moi, sûr, c'est que normal. normal. Euh, Quelqu'un qui fait un chef-d'œuvre, ce n'est pas parce, parce qu'il a fait du très bon taf avant qu'il en, fera... qu en fera encore. C'est clair, on est d'accord là-dessus. C'est n'est pas, pas parce qu'un auteur a fait un chef-d'œuvre que le... sa prochaine œuvre sera. Il y a un très bon exemple, vous avez qu'à voir l'auteur de Naruto. Après, il a sorti Samurai 8, je crois. Oh ça merde ah et, ai aimé, hein. et Ça, ça s'est vautré et ça, ça a été arrêté. Parce que ça n'a pas plu. Bon, tout ça pour dire que ça ne veut rien dire. Moi, ce qui me dérange... En fait, j'ai deux trucs qui me font peur. En fait. mm -hmm, Vas-y. Mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Vas-y. Graphiquement, euh, ça va. Ça, ça, fait, ça fait le café. Comparé à la, au premier trailer il y a une nette évolution. Je suis quand j'ai vu que c'était la personne qui était en charge des combats de Devil May Cry 5 qui était au combat d'FF16, je me suis dit, bon, ça, là, j'y crois mm -hmm. par rapport au combat. Mais en fait, quand j'ai vu les premières phases de combat en, en bande-annonce, j'étais euh, en live, je crois, à ce moment-là, j'ai tiré la gueule. <laughs> Et toi, quand tu tires la gueule, tu tires la gueule. <laughs> Parce qu'en fait, quand tu vois les interfaces de combat. Ouais, par contre, l'interface, j'espère qu'ils vont la retoucher. Ça, ça, là, je suis ben, d'accord ouais. avec ça. Déjà, c'est trop grand, c'est trop zoomé, et je dis, mais c'est du versus fighting, le jeu, ou c'est de l'action RPG, quoi C'est les deux, hein, parce que tu auras des séances de... Tu seras 1v1. Mais et... je Ouais, mais ce que je veux dire, qu'on n'est pas que du 1v1, en non, fait, non, non, non. Qu on, qu on se batte contre des hordes d'ennemis. Mais mais toi, en fait, quand tu vois l'interface avec ta barre de vie en haut mmh. à, à gauche et ta barre de vie en haut à droite, il ne manquerait plus qu'un timer au milieu pour te dire c'est un oh. jeu de combat en fait. Oh, hein. Non 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 non. Et ouais, c'est ça moi, qui me fait peur. C'est je, je pour ça que j'attends de voir une démo. Un Vrai extrême ouais. gameplay parce que les bandes annonces euh, c'est facile de vendre du rêve, mais, non, mais ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr pas... parce que j'ai en, envie de dire à FF15 euh, par exemple. Alors, FF15 je l'ai beaucoup aimé en vrai, il y a énormément sûr. de défauts, mais je l'ai beaucoup aimé. Mais les bandes annonces ff 15 même après que Tabata ait repris le projet, en vrai, à vendé du rêve, c'est un Quand budget. On voit le en, les gamins, en vrai euh, qui sont de kino Mars non assumé au final, euh, car... euh, mais oui, bien sûr. Euh... Quand tu vois le combat, parce que c'est simple, regardez le combat de Noctis contre Titan. En vrai, dans les bandes annonces, ça vendait du rêve. Mais quand on a vu du gameplay de ce combat, on s'est dit, enfin, ça a déçu tout yeah. le monde. Ah dit, bah moi le, pr moi le premier. C'est pour ça que je me méfie de des mm -hmm. les bandes annonces. Elles font toujours rêver. Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça aussi. Mais j'attends de voir le jeu. Parce que, pareil, je n'ai pas encore vu réellement d'exploration. Autant... On n'a rien vu du tout là-dessus. Oh, bon, c'est pour ça que je n'en parle même pas de ça. J'en parle même pas parce qu'on n'a rien vu. Oh. Et moi, ce qui me fait peur, mm -hmm. c'est que Score je pense qu'aujourd'hui, par expérience, c'est que Score ce qui ne montre pas dans les bandes annonces, ce n'est pas dans le jeu. C'est pas dans le jeu. Mmh. Moi aussi, je... Moi j'ai un peu peur de ça. Et là, ils ont toujours pas montré d'exploration dans les bandes annonces. Parce que autant on va être dans un hub et on va avoir une mauvaise carte à la FF10. On... Bon, FF10, on pouvait quand même aller d'un point 1, un point 2, un point b ouais, ouais. mais autant on va avoir juste une mauvaise carte pour se téléporter directement à la prochaine. Non, non, match. ça par contre, oui, non, 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 non. Se téléporter, ça ouais. je dis non. Et, et la carte, elle existe. Hein. La preuve, elle est dans le deluxe. Ouais, ouais, Mais je veux dire, on, on les a vus à d'autres chocobos et tout le bazar. Ça veut dire qu'il y aura un, un hein, minimum. C'est peut-être peut juste une zone pour ça. Mais bon, pour ça, oh, je me. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et, et, j ai... J ai... Moi, ton. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas normal, c'est pas dans le jeu. C est... C est... Ça, c'est vraiment tout qu'il faut se dire euh, maintenant quand on n attend un jeu de Square Enix. c'est. Par exemple, c'est pas dans, dans le mar jeu. Mars 3. Oh, putain, Kingdom Mars 3. Voilà, je, je me suis dit, ils n'ont toujours pas montré le jardin radio. Et je me dis, s'il si, si ne montre pas, c'est qu'il n'y est pas. Putain. Il n'y aura pas de surprise, en fait. S'il n'y est pas, c'est que ça n'y est pas. Et là, du coup, je, je flippe un peu par rapport à ça. quoi. Et après, autre trucs qui me dérange un peu, il y a trop. Enfin, C'est les mêmes équipes. Ça, je vais bien le comprendre. Mais mm -hmm. en fait, pour moi, quand je vois FF16, je vois FF14. ff 14, F -14, en fait. 14 clairement, clairement. Ça, je l'ai Et... tout le temps dit. Clairement. L'ADN FF14 est trop présente, en fait. Mm -hmm. Clairement. Mon perso, preuve, il y a J'aime des gens qui ont fait des théories pour dire que c FF16, c'était l'un des reflets de FF14. <laughs> j'ai vu ça, ils ont été loin avec ça. C'est vrai que ça peut l'être. En vrai, j'ai envie de dire dans les délires, pourquoi pas. Pourquoi FF17 est bien canon avec FF10. FF10 mais... Voilà, tu vois, ça ne change rien au. C'est ça, change, ça, ça mais je pas. Maintenant, toi, maintenant, si je dois te dire, ils vont sortir une démo. Pour toi, c'est quand la démo qui sort Elle sortirait quand la démo quand est-ce qu'ils sortiraient une démo D'office, qui vont sortir une démo d'FFC, c'est obligatoire. Mais pour toi, ce serait quand euh, bah, Par défaut, je t'aurais dit à ah, l'E3, mais l'E3, ça va être un peu tard pour sortir une démo, vu que ouais, le est jeu il sort euh, le 22. Euh... Euh, là, je la joue à instant Oracle. là. <laughs> vas-y, euh... <laughs> on a l'habitude, vas-y. <laughs> tu joues ta réputation, là. <laughs> Trop fort. Je pense que s'ils sortent une démo, ils devraient. Enfin, en tout cas, s'ils voulaient les faire. Je, je vais essayer de penser comme un financier Square Enix C'est pas, voilà. euh, pas comme un créatif bien. et tout. Euh... Square Enix, il fonctionne toujours par année fiscale. Ah, voilà. C'est-à-dire les années fiscales, c'est du 1er avril au 31 mars. Là, cette année fiscale-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit si bonne que ça pour eux. C'est pas pour rien qu'ils ont lancé les prix -commandes de FF16 dès maintenant. Dès maintenant ouais. Parce que normalement, en Square Enix, euh, au minimum, ils annoncent la date de sortie de leur jeu six mois avant voilà. la sortie. Mmh. Là, FF16, euh, ils l'ont annoncé quand La date en novembre ou en décembre C'était en novembre, je crois. En novembre Fin novembre, je pense. Bon, ça, ça fait quand même 6-8 mois, enfin euh, 7-8 mois avant la sortie du jeu, ils sont, ils sont un peu tôt. Bon, FF, FF4, FF7 Remake, c'était encore, encore trop tôt aussi, ils ouais, ouais. l'ont annoncé en juin pour avril. Donc. Je ne sais pas si vous avez vu, on se fait spammer sur YouTube de pub FF16. C'est abusé, j'ai mis un bloc Et... pour te dire. C'est des pubs qui sortent trop tôt selon moi, parce que le jeu il sort qu'en février, enfin qu'en conjoint. Qu en mmh. euh, ça sert à rien de spammer la communication si c'est pour euh, qu'on oublie après. Parce que les fans, comme nous, on va l'acheter le on jeu. On va l'acheter de On s'en souviendra. Mais les gens qui sont pas FF, où ça va peut peut-être être leur premier FF, ça sert à rien de les spammer six mois avant, parce qu'eux, ils vont jouer à autre chose, ils vont oublier. Clairement, ils vont oublier. Mais je me dis que s'ils si spamment comme ça les pubs. C'est justement pour que, pousser les gens à la précommande dès maintenant. Dès maintenant, oui. Pour, pour pousser euh... les précommandes. Et tout ce qui va entrer en précommande va être comptabilisé dans leur rapport fiscal qui Alors, va se terminer là le 31 mars. Le 31 mars, ah, oui. Et donc, si, ils ont tout intérêt, selon moi, à sortir une démo avant le 31 mars. Pour, pour les précommandes, pour motiver ça. encore plus. Avec la, vous savez, le genre de démo, con, où vous voulait terminer, euh, vous avez un mot achète achète, <laughs> achète achète <ma> Achète merde <laughs> Excellent. Ah. Mais voilà, je, pour moi, il y a des chances qu'on ait une démo en mars. Ce serait pas con, si on parle à l'année fiscale, ce ne serait pas con. C'est vrai si que si on de toute façon, regarde fiscal, maintenant. Euh, une démo en mars. Regarde maintenant, le, rien que pour les précommandes de, des collecteurs, ça, ça a cartonné. Hein. Et, et sur, pour moi, ce serait pas raisonnable pour eux de, de communiquer sur FF16 ou même d'autres jeux, gros jeux AAA, Square Enix, parce que le 24 janvier, il y a Force Poken qui sort. Mm -hmm. Déjà que le jeu va pas, va avoir du mal à se vendre, si en plus ils vendent du rêve à côté, les gens vont se dire, oh, bon ben, on va attendre peut-être des et gros livres pour les nouveaux jeux. Donc pour moi, on n'aura pas de grosses communications, FF7, Rebirth et... Et FF16 euh, avant, le, le, avant la sortie de Force Ça, c'est normal. Ils peuvent pas trop boycotter. Euh, Sinon, ça il, va il, faire il... du mal à. Alors après, euh, Square Nix n'est jamais logique. Non, <rire> <son> <rire> et, et on en non. parlait tout à l'heure en plus. Ils sont schizophrènes. Parfois, c'est un <laughs> coup oui ou non. <laughs> ouais. D'ailleurs, vous pensez qu'ils vont mettre quoi comme contenu dans la démo Mais Le problème, c'est quoi Est-ce est qu'il sera chapitré le jeu Parce que FF7 Remake, ils ont mis le premier chapitre, c'était nickel. Oui, On mais sait pas. Alors, mettre... je, je pense que la démo, ça sera une démo en cours. À... Malheureusement, un peu comme euh, Forspoken, ça ne sera pas le début du jeu. Ouais, d'un côté, c'est pour pas cramer. Parce le... que, le que s'ils sortent vraiment une démo en mars. S'ils si sortent une démo avec le début du jeu, ça voudrait dire que la démo va sortir au, environ un mois avant le jeu. Donc, fin mai. Quelque chose comme ça. S'ils sortent une démo avec vraiment le début du jeu et sauvegarde transférable. Et ça, je pense vraiment qu'ils vont le faire comme FF7. Hein, Obligatoire. Euh, Obligatoire. Ils le feraient fin mars, un mois avant. Mais je pense qu'ils vont. FF15, par exemple, ils ont sorti deux démos. Deux dé ouais. Il y a eu deux démos quand il était petit et l'autre. Euh... Effectivement. Alors, trois démos alors Démos. Il y a eu yeah, la ouais. première euh, qu'on avait avec le FF-Type 0. Il y a la deuxième ouais. où il est petit, mm -hmm. et Ils en ont sorti, et Ils en ont sorti une troisième... Euh, euh, la troisième, c'était quoi encore La troisième, elle était exclusive au Japon. Ah, ok. On avait, ah, euh, le premier chapitre, en fait. Hein. Ah, ok. Ah, ça va. Donc, les deux premiers chapitres, je sais plus. Ah, yeah, ok. Je me disais, parce que elle me disait rien, cette démo. Mais moi, d'un côté... Euh... Ça reste... FF16, ça reste quand même un, un FF numéroté. Et je pense qu'on que... faire deux démos. Deux démos. Ouais, une, te... une où on a un truc assez avancé et une avec le début du jeu. Le début du jeu. Moi, là, le début du jeu, c'est obligatoire. C'est oblig... ça qui va surtout sortir les gens, ils vont donner, ils vont donner à fond pour acheter quand même le remake qu là, façon, Les hein. équipes sont déjà sur la fin du développement. Je pense que ça là, Vu qu'ils ont en fait. Actuellement, ils naviguent à vue parce qu'ils ont, ils sa... vu qu'ils ont rien montré, ils savent pas si ça va plaire aux gens ou pas. Ouais, Autant ils vont montrer des trucs, ça les gens vont... vont trouver ça pas ouf. Autant il y aura des trucs qui, qui pourront être mais amus... enfin, Là, ils ont zéro recul en fait sur ce qu'ils font. Mmh. Non, voilà, c'est que qu'entre eux en fait. Ils... ils sont pas, je pense qu'une première démo ça pourrait être pas mal de leur part pour que les, les fans mais pour qu'il y ait retour de vrais retours. Ouais, voilà. Pas forcément dire les graphismes c'est moche, les combats. Moi, je s'en c'est même pas ça. Juste, juste pour signaler, pour dire, genre, l'interface qui est trop grosse. Ça, ça peut ouais. se corriger facilement. Facilement, très facilement. Euh, ouais. Dire euh, le personnage, euh, genre le sprint, euh, l'endurance, ça fait chier ou c'est trop court. Mm -hmm. Toi, c'est que des petits détails qui peuvent être améliorés. Et euh, de base, FF15, c'était pour ça qu'ils avaient fait la première démo. C'était pour avoir des premiers retours. Et je pense qu'ils pourraient faire ça aussi pour FF16. Mais je pense, pense qu'ils vont le faire, qu le faire. C'est ce ouais, même logique. C'est même logique, en fait. C'est obligatoire. Ils ne peuvent pas se foirer. Euh, un, moi, comme je le dis, c'est un, un FF numéroté. Ils sont en train de euh, mm. partir vers une autre direction, niveau gameplay, euh, vers un nouveau scénario. Ils sont obligés de, de donner à fond dedans, tu vois. Euh, mm. OK, FF7 Remake, mais FF7 Remake, ce n'est pas de la nouveauté. Ils ont déjà le scénario, il y a déjà... L'univers existe déjà mais là, on nous propose un nouvel univers. Pour moi, ils peuvent pas foirer. C'est pas possible. Si FF16 ils foirent, ça va faire très, 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 très mal. Et ça, oh, franchement, il, je, et... je pense que la fanbase qui... de la FF, euh, ouais, tout le monde va le prendre. Hein, tout euh, va, su, va soutenir le jeu. Il y aura ça, un... c'est je obligatoire. Pas ça, c'est ça, c'est sûr. Ça. Euh, mais en fait, la toujours question, c'est combien il va faire, euh, combien de millions il va se vendre. ce qu'il va C'est sûr qu'il fera au moins 2 millions de ventes. Ça, ça c'est obligatoire. Sûr. Ça, c'est plus de 2 millions, ça va être obligatoire. Ça. Attends, hein, on va vite voir. Et pour finir, dernière question pour toi, Chronos, tu vois comment le retour de Zach dans Rebirth... <laughs> Les gens ils sont chauds. Bah, ouais. En vrai, moi, je suis, je, je suis content. Parce qu'en fait, pour moi, le retour de Zach. Euh, attendez, je, je cherche à comment le formuler. Ah, okay. Est-ce que on est tous d'accord que euh, je, je dis mais je vais rebondir dessus. Tu ouais, t'inquiète, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on est tous d'accord que les... Euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, les, les fantômes, là, les... Les fillers, c'est terminé. Les fillers, merci. C'est terminé. Euh, les, les, on est tous d'accord que les fillers peuvent être considérés comme une représentation des fans de FF7, hein, qui ne Aussi. veulent pas qu'on qu touche au scénario. Aussi. Si on imagine ça, je pense que le... Je pense que c'est pour ça qu'on pourrait même théoriser sur le fait que ce soit les feeders qui aient ramené Zack volontairement, parce que si on considère que les feeders c'est la volonté des fans de ne pas changer le scénario, à l'inverse, Crisis Core de base c'est un jeu où on sait déjà. Si on a joué à FF7, on sait comment il se termine, on sait ouais, ouais, que Zack va mourir à la fin. Uh -huh. Et c'est un jeu où en temps normal, quand on sait qu'un personnage va mourir, on ne s'y attache, on s'y attache pas trop en général, ouais, parce voilà. on sait qu'il va mourir. Sauf que le jeu a réussi malgré ça le tour de force à nous attacher à Zack et jusqu'au moment jusqu'à la fin on espère que les fans enfin les normalement, les joueurs pour moi espèrent que ça va pas se passer comme ça qu'il va y avoir une surprise de genre Zack mm -hmm. ne meurt pas vraiment ou un truc du mm -hmm. genre on espère tous qu'il va pas mourir et je me dis euh, les du coup les ça, 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 ça ressemble un peu pour moi au filler qui espérait enfin euh, qui la, la, qu'il soit la volonté des fans de ne pas changer le scénario du jeu de base, mais à l'inverse, les fans en crisis Score espéraient peut-être que Zach ne mourrait pas. Et si pour tu moi, vois euh... du côté des fans de euh, crisis Score, oui. Là, oui. Je pense que c'est la volonté, la volonté des fans de crisis Score de ne pas tuer Zach. Mm -hmm. Là oui. Là, je, et, ça, pour ça, je suis d'accord. En fait, toi. du coup, ben, là, je t'ai donné mon point de vue. Je faisais partie de ceux qui espéraient que. Euh, qui qui, qui, qui auraient aimé que Zack ne meure pas, qui survit. Parce que mm -hmm. j'ai été attaché. Et... Et comme beaucoup, j'ai eu le cœur brisé à la fin de Crisis Core <laughs> Parce que Zach, c'était le no-name dans FF7. Euh, c'était le gars, on le voit, on s'en foutait, il avait un des à la, la, la... Ah, salle. Il n'a la le dernier moment aussi. avec la <laughs> coupe de cheveux qui part en ce Après, il bah, y a eu loi on l'a vite fait aperçu dans FF7 uh, Adventure Run. Pareil, là c'était un peu le no-name. Après, il y a eu l'OAV Last Order où là, par contre, euh, il a gagné en bas Clairement, quel salaud ils lui ont fait. Score, ou... Mais voilà, en gros, moi, je suis tout ça pour dire je suis content et c'est un peu ce que je voulais aussi, de base. Parce que moi aussi, ce qui me plaît avec FF7 remake, qui au final n'est pas réellement un remake, un remake euh, comme, suite, on, hein. comme on le prend, c'est une suite et pas un remake. clairement une suite. Et euh, moi ce qui me plaît avec ça c'est que euh, je l'avais dit en commentaire dans un de tes lives sur Crazy score mm -hmm. ce qui me plaît avec le remake, c'est qu'il rebat les cartes en fait et on parle de Square Enix les gars on parle il, de Square rebat Enix les parce que le truc c'est que je pense que c'est un truc c'est un sujet qui a dû être posé sur la table de Square Enix c'est se dire comment on fait avec les fans parce que nous on veut on veut toucher forcément un nouveau public en plus des moi. fans actuels sauf que les fans et ça va mm. Pardon de la façon dont je vais le dire, mais une grande partie de la fanbase, ça va être les sombres connards qui vont spoiler la mort de vous savez qui. J'allais ouais, moi-même rentrer dans... Ta... <laughs> J'allais <laughs> moi-même rentrer dans notre critère-là. Mais ça va spoiler la mort d'un certain personnage. Ça, ça va spoiler à tout bout de champ. Ça, c'est clair, ça. Pour moi, c'est une brillante idée d'avoir dit, bah, en fait, on ne va pas faire un remake du jeu. On va rebattre les cartes en changeant le scénario. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait... Fans hardcore comme nouveau venu on est tous au même niveau, on ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire. Et c'est ça, je trouve bien. Pas, ça a remis tout le monde. Est-ce que c'est pas génial ça Ils auraient pu prendre FF7 remake, faire un B de remake de merde, ils se seraient fait mm. du pognon. On est d'accord. C'est ouais, du FF7. Ils auraient pu, mais ils ont pris un risque. Tu vois. Mais... Et en vrai, moi ça me plaît parce que ça. Mais bien sûr Parce qu'on reste dans le canon, parce qu'au final, c'est pas un remake, c'est une suite. C'est une suite, voilà. J'ai en... envie de dire tout bêtement, c'est enfin, cette remake, c'est la suite de Dajor Seberus. Tout simplement. On... On... On, peut le... On peut le concevoir comme ça. Reste à voir si la théorie d'Airis, euh... euh... c'est le fait qu'elle ferme les yeux au début. Euh... Alors je sais plus si elle ouvre ou ferme les yeux. Enfin, je confonds. Ouais, c'est le contraire euh, par euh, rapport FH7, au. Elle euh, euh, ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Et, et à la fin du jeu, on la voit où elle réouvre les yeux comme si tout ce, que, tout ce qui s'était passé dans le jeu c'était une vision d'iris, ce qui expliquerait pourquoi euh, elle a conscience, on va dire, de, de tout ce qui va se passer dans le remake. D'où le fait que pour moi, c'est une suite et pas c'est un, c est c est un remake suite. dans le sens. Euh, Ahimis et Sylviose tentent de reconstruire le futur, quoi. Mm -hmm. Je le vois comme ça. Et moi, je trouve ça, je trouve ça bien parce que en fait, en, je l'aurais tout autant tout autant apprécié si c'était un bedrimic. Si c'était un bedrimic, moi aussi, Mais là, je suis kiffé. content parce que ça ajoute du, du nouveau, du lore en fait. Et c'est ça, ça qui est génial, est que En change, en change de point de vue. Clairement. Et, et tu réussis en plus à rajouter mais des personnages des autres compilations, quoi. Et mmh. ça c'est, désolé, mais c'est parfaitement intégré. Quand on a vu le Deep Ground, c'est pas sorti de nulle part, c'est tellement bien expliqué ça. que quand, toi, tu connais l'histoire. Quand tu vas les voir, tu pètes ta cap. Mais tu sais que c'est possible. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, quand il va jouer au DLC du FI, mais c'est une putain de surprise, c'est qui ces gens C'est normal, c'est logique, ils sont secrets, ils sont sous. Euh, la ra, c'est un putain de secret, tu vois Nous, quand on voit Whis, on voit Nero, mais désolé, moi, j'ai failli faire une syncope. C'était tellement stylé, de ouf Ils ont réussi à sublimer cette mmh. putain de suite, quoi. Franchement, magnifique. C'est Et moi, je les salue. Je les salue. Merci, Junzette, parce que dommage que ça bug pour toi. Désolé. Mais... mais et, et moi quand j'ai très vite euh, vu que je connais beaucoup l'histoire d'FF7 très vite j'ai compris qu'en fait les fillers euh, c'était les gardiens du destin dans le jeu mais à un moment j'ai posé la manette j'ai dit mais putain ils ont osé ils mais ont ouais posé. du coup tu imagines si les fillers c'est vraiment justement euh, la volonté des fans du jeu d'origine et de enfin de, des, des fans de d'FF7 qui ne mais veulent mais tu peux pas, le prendre comme ça que hein. le FF7 de base ne change pas et en même temps euh, bah, que Zach ne meurt pas à la fin de Crisis Core parce que ça les a tous fait pleurer quoi. Ouais, parce que maintenant, quand tu, fais, quand tu fais la fin de Réunion, bah, ils t'ont mis bêtement, ils t'ont mis la fin, le début de, de, de remake avec Iris. Quand elle sort de la ruelle, c'est du remake. Et après, ils t'ont mis la fin de Crazy Score avec Cloud. j'ai pas compris ce mixage qu'ils ont fait de... Mais tu vois, ils ont même pas mis euh, à suivre dans Final Fantasy Remake, ils ont mis à suivre dans Final Fantasy VII. Vraiment pour te dire que Crazy Score, il n'y a rien à changer. C'est le ouais. jeu avant Final Fantasy VII. Tout simplement parce ça. que ceux qui n'ont pas joué à, à FF7 à l'époque, quand ils vont, ils vont jouer à Réunion, ils vont découvrir Zach. Si tu as joué au remake, tu vois que Zach il survit à la fin. Tu vois qu'il prend Cloud et il part. Mais après, tu joues à Réunion et tu vois Zach crever. Oui, c'est un jeu qui est là pour mettre une mise en contexte, en fait. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, ils s'attendaient qu'il y en ait à avoir une fin différente. Mais non, les gars, c'est le début de la compilation. Il n'y a pas besoin de changer Crisis Core euh, Réunion. Et je pense même que Crisis Core, en fait, le Réunion, en fait, c'est en sortie, c'est pour faire accepter aux gens que Zach revienne. Oui, voilà, bien sûr. bien sûr. Bien sûr. Parce que toi, quand je parlais de la volonté des gens de dire jusqu'à la fin, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. C'est. Oui. Au final, ils, ils font mourir, mais ils ont dit, mais toi, as vu, on l'a pas tué dans, dans celui-ci. Voilà. Attends, je vais vite lire parce que là, il y a un truc. Alors, Cal, j'ai sûr qu'il fait Réunion, mais après, je me suis dit, à la fin, bon, je savais comment ça se passe. Rien de surprenant. Mais c'est le but, Sora. Réunion n'est pas là pour te surprendre. Réunion est là pour te faire surprendre dans le remake. Si tu n'as pas joué à FF7 à l'époque, hein. Réunion est là pour te. Parce que si tu n'as joué qu'au remake, tu vois Zach à la fin. Bah toi, tu sais pas c'est qui Zach. Tu sais pas que quand il dit J'y crois pas, j'ai gagné. Toi, tu t'en fous. Mais maintenant, tu vas jouer à Réunion. Tu vas faire l'histoire de Zach. Tu vas connaître l'histoire de Zach. Tu vas en apprendre plus sur ce personnage. Et tu ben... vois qu'à la fin, il meurt. Même de base, dans, dans, sans parler de, de FF7 remake, euh, tu prends FF7, tu sais de base que Zack va mourir, mais là le plus important, ce n'est pas de savoir euh, si Zack va mourir, vu que tu le sais déjà, c'est de savoir. Bah ouais, comment. mais ça on s'en fout, c'est même pas le but du comment, jeu. Ça. Dans, dans, dans quel contexte on va arriver bah, il à... s'en bah ben ouais. Voilà, mais ça, mais ça. Que euh... Moi, parfois, dans, dans certains jeux le spoil ne me dérange pas forcément, ça dépend desquels non plus, mais ouais, voilà. parfois, parfois, le spoil ne me dérange pas parce que je me dis, même si je sais comment ça va se terminer, je ne sais, sais pas, pas comment, comment ça va, va se passer. Y... Je ne connais pas le chemin. Voilà. C'est pour ça que dans, des... dans différentes histoires, peu ben, importe le support, parfois on nous fait des flash-forward où on va nous montrer euh, une scène hors contexte, et, et donc, le but et du jeu, c'est euh, d'arriver à cette scène. On va dire, voilà, machin va tuer machin. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Pourquoi et voilà. après, on revient dans le présent et on nous, on nous demande comment on y vient. Et, et ça, c'est intéressant aussi. Clairement, voilà. Et c'est pour ça que moi, je me tue à dire aux gens il faut féliciter Square Enix. On parle de Square Enix. Déjà qu'ils font oui. de, la, de la merde. Ils ont pris un risque de ouf avec FF7, quoi. Qu'ils auraient pu et rentabiliser oui, normalement. Ils ont quand même fait un bon taf pour le. Ah euh, non. Pour euh, Réunion. Alors, Réunion, franchement, moi je suis. C'est suis pour certains points. C'est normal. C'est euh, normal, et, normal. Et, je suis tout à fait d'accord avec est ça. Mal le fait qu'ils aient converti cette, certaines scènes en temps réel en vidéo, probablement parce que la Switch n'aurait jamais été capable de gérer les effets de lumière, du coup ils ont converti, converti ça en vidéo. En vrai, ça je trouve ça dommage quand même pour les joueurs des consoles next-gen. Euh, mm -hmm. Parce Mais voilà, ça pas notre problème, si la Switch, on n'est pas capable de la faire tourner. Mais le quoi, problème, la le Crisis Core euh, est très bon pour la Switch parce que ça a été pensé pour une console portable à la base. Tu vois, alors c'était obligatoire qu'ils allaient mettre sur Switch, obligatoire. Mais malheureusement, à cause de ça, le jeu, il a été revu à la baisse, c'est normal. Parce que moi les cinématiques, par exemple, qu'on a de la PSP, ça m'aurait pas dérangé d'avoir avec les cinématiques du jeu, hein. surtout qu'il me semble que sur YouTube tu les trouves en 1080p les tu vidéos, les, euh, les cinématiques. Tu les trouves Tu les trouves a, il la il tu... Va, faut... Quitte à Quitte à Quitte à prendre des fanarts pour pour leur jeu autant prendre des vidéos que les gens. <laughs> <laughs> Mais ouais, c'est ça, pas, je piche pas, je te le jure, je piche pas. Alors, Chronos, tu as une théorie sur la question comment Zach rejoindra Iris dans riber car à la fin du DLC de Integrate, on ne sait toujours pas s'il est vraiment là ou bien dans une autre dimension. On ne sait pas. Comme j'avais théorisé... Actuellement, je, je, je veux éviter de faire des, des théories dessus, parce que oh, bah, j'ai lu des pas. Ah, tu as eu des... A, en fait, c'est un... une... Je crois que c'était Fat Chocobo de Finlande qui avait parlé de leak et qu'il avait lu, qu'il avait dit que si c'était vrai, ça allait diviser. Et je suis allé voir ces leaks, je les ai vus. Et en vrai, j'avoue que ça va diviser. Je sais, autant ces leaks sont pas vrais. Ouais, voilà, mais ça, ça reste du leak, on s'en fout. Il y, fout. Leaks -y les pour H3 aussi et tout, voilà. et, tout était faux. Mais je me dis si c'est euh, si vrai. Je préfère pas théoriser, ce que je veux pas faire semblant, peut-être de, de. Parce qu'en fait, je, je dis ça parce qu'il y a des influenceurs actuellement. Mm -hmm. euh, ils font des, des théories des grosses, sur base de des, ça. Des, des, des grands youtubeurs euh, euh, qui dépassent facilement les 500 millions d'abonnés, je crois, mm -hmm. euh, qui, ont, qui ont fait genre des théories sur le Rebirth. Et en fait, j'ai dit, dit non, t'as lu les <laughs> leaks. T'as lu les leaks. <laughs> tu peux pas théoriser sur ça et être aussi précis. T'as lu les leaks. Vas-y, donne-les-moi les leaks, donne-les-moi, je veux savoir, vas-y. Je suis curieux. Je de le savoir. Parce que c'était l'année dernière. enfin, euh, Parce qu'en fait, non. Le, euh, pourquoi je prends ces leaks un peu au sérieux Parce que le leak a prédit que le jeu allait s'appeler rebirth, en fait. Avant ça, ah. ok. Et quoi et, et, et les leaks, ça parle de Zach, en fait euh, Ouais. En fait, en fait j'ai pas tout retenu du leak. Tout ce que j'ai retenu, c'est comment elle se terminer le jeu, en fait. Ben vas-y, dis. Pour moi, ça reste que du leak. Hein. Pour moi, il euh, n'y a rien de garanti là-dessus. Vas-y, donne, donne. Ah, mais si je le dis, euh, si c'est vraiment ça, je spoil les gens, en fait. Oh, c'est pas notre faute. Se... Nous, nous c'est des leaks. Dis-le, dis-le. Je t'autorise à le dire, je t'autorise. Vas-y, fais-toi plaisir. Nous, on est là pour ça. Yeah, go, go, vas-y, euh, euh, De ce que je. Alors, tu bon, on, on va essayer de les retrouver, du coup. Mais. De, de, le, le, en fait, le, le seul gros truc que j'ai retenu, c'est que Claude va mourir à la fin et que Zach va devenir le nouveau leader de l'équipe. Hein. Attends. Tu vois ça J'avais déjà théorisé ça. S'ils font ça, ils ont une grosse paire de couilles. Ils ont une grosse paire de couilles parce que Claude, c'est le chouchou des 7 Tu vois ce que je veux dire Pour moi, ça ne me dérangerait pas. Ça, moi, je dirais même GG. Ils ont pris un gros risque, mais comme on dit, euh, c'est une suite, c'est tout à fait possible. Mais après, est-ce que Zach, il est dans une autre dimension, ou est-ce qu'il est, qu est euh, avec eux? Parce que tu peux théoriser les deux faciles. Hein. Moi, il y en a, y en a blindés qui veulent que que Cloud meure, tu vois? Parce que tu peux nous sortir le fait que tant que Cloud est là, Sephiroth peut revenir. J'essaye de. Ouais, vas-y, vas-y. Je parle tout seul, de... en fait. Ouais, je parle tout C'était. Bon, c'était pas l'année dernière. C'était a... quelques jours avant l'annonce de, de, de Rebirth. Mais... Euh, parce que là, j'ai quoi euh... Shelk jouable, mais pas si de jouable pour une quelconque raison. Là, c'est du Google Trad hein, que je lis. No, ouais, euh... Donc, Shelk jouable. Shelk. Il y aura des améliorations pour les armes et les véhicules. Sephiroth interrompt le combat de boss entre Palme... contre Palmer et, et le transforme en un as. Ah, c'est peut-être cela que j'avais lu. Le prend en... Non mais c'est ça que j'avais lu. Euh, attends, alors, je le refais. Shilk... Donc Shelk jouable. Il n'y pas de SID pour une quelconque raison. Il vend juste des améliorations pour les armes et les véhicules. Ah oui, c'est SID qui vend des améliorations pour les armes et véhicules. Impossible. qui interrompt le combat contre euh, le mur Palmer quand on essaie dans ah, vu, je, le je, je de SID et le transforme en quelque chose de similaire à son cœur de Kinomart. <laughs> Mais ça en vrai, je, je, ça m'étonnerait même pas. Quoi. Wedge <laughs> est vivant et fait partie du, du Deep Ground. Qui fait partie du Deep Ground Wedge. Pourquoi Wedge Moi, tu m'aurais dit, euh, dit Sonon, je t'aurais dit oui. Pourquoi Wedge Iris est utilisé par Minerva comme vaisseau. Ça, ça C'est tout à fait non. possible. Mais non, non. Ouais, mais tu, tu, tu sais que quand j'ai revu Minerva en combat, en boss dans Crisis Core, je me suis dit, elle a un petit air d'Iris quand même. Mais c'est pas possible. Parce que quand tu as lu uh, on the way to a smile, non, on ne te parle pas de ça. On, on, on voit clairement que c'est Iris qui décide. De... de faire le remake en fait c est... C est oui mais est... à, à, attention après euh, quand, euh, quand on dit en vaisseau euh, c'est à dire qu'elle euh, elle se sert de Iris comme réceptacle Iris ça c'est autre, ça, ça est... autre chose elle peut lui donner des informations ça c'est tout à fait possible c'est une ancienne elle peut elle a, elle a un très très particulier avec la rivière de la vie ça c'est même logique il n'y a pas de problème là dessus Alors, mais which une... grande ça dit aussi Genesis a planifié toute la manipulation du voyage en le temps et il se transforme en guerrier de la lumière pourquoi Après, toi, ça ne pas parce que si c'est vraiment la suite de Sibirus de, de, de avec le retour de Genesis, on voit qu'il a un plan. Mais, de base... En... Euh, ouais, il a un plan, mais il est là pour sauver la euh, Gaïa, lui, hein c'est le chevalier de Gaïa. Euh, là, euh, je ne sais pas, parce que le but, enfin, euh, de base, euh, comment ça s'appelle euh, Quand tu vois ce que veut faire... Euh, euh, Waze euh, Ojo, c'était enfin, de. Euh, c'était de. Omega avec Omega là. C'est ça, c'était de. Ouais, de euh, prendre toutes les sortes aller... de Gaïa et Pour l'envoyer ailleurs, pour devenir euh, le vaisseau, le réceptacle de, de la vie de la planète hein, et se mm -hmm. barrer. Quoi. Donc je je, sais, je, je je sais pas trop, parce que vu qu'il a fait partie euh, visiblement du Deep Ground euh, Genesis, je sais pas ben, si. Attention, attention parce qu que dans. Attention parce que dans l'histoire, à un moment, ce qui va se passer, Weiz, Weiz, il va dire à, à Genesis Rejoins-nous. Mm. En fait, il va, il va leur dire rejoins-nous, on a besoin de toi pour se venger de la Chine. Et c'est à ce moment-là que que Genesis il va dire non, moi j'ai plus de rancœur contre la Chine, j'ai un autre but, je suis devenu le gardien de la planète. Et c'est là qu'il s'est mis en stase. Il s'est mis en stase et il n'a pas accepté l'aide. Mais le problème, comme tu as dit, c'est à la fin de Zerzerus. Ben juste, en fait, moi, je me dis, justement, ça peut coller avec ça. Si Genesis est le gardien de la planète, de la rivière de la vie, Et s'il a... sait lui aussi ce que compte faire Sephiroth avec le météore et, et... qui va... Là, ça, ça, à la limite, là, oui. Là, il peut trouver G6 un plan. Il a tout intérêt à, à lui-même devenir le réceptacle de la rivière de la vie de la planète et se barrer. Et de se barrer. Et à ce moment-là, s'il est, lui, dans son optique de sauver la planète, il peut même devenir un ennemi de cloud et oui. tout le bazar parce et que si lui il est le dans le de sauver la planète parce il que s'il si est... Si est lié à la rivière de la vie il... il peut éventuellement avoir le pouvoir de manipuler le temps ce qui expliquerait tout ça de ah ouais, toute façon ouais, la... la rivière de la vie elle et est le lien la, et la, de la lumière est ça correspondrait très bien en, en... en tant que chevalier euh, protecteur de la planète hein. attends cal tu peux mettre la scène quand il se réveille attends. et après le dernier la dernière ligne du du livre, continue. cloud et isaac prend le relais quoi en tant en tant que chef d'équipe hein. si cloud doit mourir mais, 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 mais le problème, regarde, on va réfléchir, on va réfléchir. Ok, Cloud, meurt, il n'y a pas de problème. Pourquoi il, Déjà, je peux vous donner l'explication pourquoi il meurt. Parce que euh, tant que lui, il est là, Sephiroth, il peut revenir, tout simplement. Parce que séphiros a besoin euh, de, de quelqu'un qui a les cellules de Genova et qui a des souvenirs très forts de séphiros ce qui est tout à fait le cas... Dans, de Cloud, surtout dans le remake, on voit que Cloud, au début du jeu, il est terrorisé, on voit que Sephiros euh, le choque. Mais le problème, si tu le tues, ok, mais il y a Zach, Zach aussi, il a les cellules de Genova, et Zach aussi, il a, il a les souvenirs de Sephiros, de ça veut dire que Sephiros, il peut prendre le contrôle de Zach aussi. Tu comprends ce que je veux dire Après, euh, Zach, il est quand même un peu plus résistant que, que Cloud. Cloud il est, il est déjà de base émotionnellement il est, il est de base émotionnellement, dans la émotionnellement il est il, il est très faible c'est ça le, le point faible de Cloud c'est quoi c'est que il, il est beaucoup plus faible mentalement mais sa constitution physique euh, c'est clairement dit dans l'histoire euh, Cloud je... il a un physique top niveau hein. ça c'est sûr mais mentalement il est très très faible et c'est pour ça que je me dis parce que quand tu vois la, le, le deuxième trailer quand tu vois le deuxième trailer et tu quand Claude, il dit euh, Zach, alors il est en vie, mais il est où Ça veut dire qu'il est au courant. S'il est au courant, est, ça veut dire qu'il s'est rappelé de Zach. Ça veut dire si s'est rappelé de Zach, ça veut dire que normalement il doit redevenir le cloud tout bouffon. Tu vois ce que je veux dire mm. ça me, Moi, ça me passionne. Ça me passionne de ouf. Ah, J'ai une question. Ah, toi, le, le rebirth. Mm -hmm si on considère qu'il y a quelque chose qui va renaître dans FF7 Rebirth, selon toi, ce, ce, cela désignerait quoi Est-ce que c'est dans le sens, juste pour dire Zack est de retour, il est né hein. à nouveau Ça pourrait clairement être ça. Hein. Alors moi, j'ai... un autre... autre truc, vas-y, je suis curieux. Alors, ce serait... Bon, ça, ça va être très simple, je pense que ça, je pense que ça peut pointer Genova. Mais vrai, Genova, un vrai aussi. retour de Genova la vraie Génova, celle que les anciens ont combattue. Mais, est mais elle chose. est déjà là, C'est elle. Elle, elle qui est bloquée dans la glace quand tu vas dans Crisis Score. Mm. Euh, quand euh... Sefiros il la prend, c'est elle Génova. Mm. Mais après, si euh, y a... de toute façon, ils peuvent, ils peuvent la faire revenir facilement. Hein. Très Parce facilement. ne ouais, pourrait pas réellement ressusciter, avoir toutes ses parties. Moi, je ne demande que ça. Parce qu'on va et, enfin et en fait, qu'on qu parte, qu parte, sur un scénario où en fait, bah, explore, enfin, en fait, quand on revienne sur le, sur le, comment les anciens ont combattu Genova Ce serait magnifique ça. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite pour ça. Suite. Explore, de fait, ça. Tout de suite. Quand Tout de suite. Et tu te rappelles la, la théorie que je dis que pour moi, euh, pour moi, euh, Minerva, c'est clairement une ancienne. Bah oui. Vous... Il y a moyen... Ouais, je, suis, je peux être d'accord avec ça. Je ne suis pas non plus expert... Euh, enfin, je, je, je joue à quasiment tous les FF7, mais... Il y a, euh, voilà, je suis pas... C'est pas comme Clash où j'y pense... C'est te... ouais. mon voilà, cas avec FF7, vas-y, il n'y okay. a pas de problème. Il me semble avoir compris que, de base, la magie... Les anciens, il me semble qu'ils étaient capables de le faire sans matéria. Sans matéria. C'est en fait ce exactement. qui s'est passé, c'est que les anciens, en fait, eux, ils avaient déjà euh, ce, cette façon de faire qui pouvait communiquer Ça. avec euh, la planète. En Et Minerva. eux, ils avaient le savoir pour euh, faire de la magie. Et parce en fait, ce, que ce qui s'est passé... Minerva utilise de la magie. Hein. Est, elle elle ah. utilise euh, Ça, feu peut ancienne, hein. Ça peut clairement être une ancienne. Ça peut clairement une ancienne qui est, Et... qui est restée euh, tout simplement dans la rivière de la vie. Parce qu'on lui dit clairement... On nous dit clairement que les anciens, ils ont ce pouvoir, c'est de, si veulent, une fois qu'ils sont dans la rivière de la vie, ils peuvent fusionner avec elle ou ils peuvent rester. C'est ce qu'elle fait à Iris, en fait. Tu vois ben Peut-être après, peut-être que l'état du Minerva aujourd'hui, c'est le contre-coup pour avoir vaincu Genova, pour avoir ces, pour avoir, pour avoir on parce que parce qu'on sait, on sait clairement que ça, pour battre ces Genova, ils ont eu des sacrifices de ouf. Ça a été un gros sacrifice. Hein ben justement, euh, tu vois. on est d'accord que le combat, euh, si je me souviens bien, c'est fait au cratère, enfin, à l'endroit que l'on considère aujourd'hui aujourd comme le cratère nord, mm -hmm. et que ce cratère, c'est une blessure déjà de base qu'a eu la planète. Ouais, je, et je le Et que du coup, peut-être qu'ils ont le combat final eu là-bas, qu'il a eu la naissance du cratère nord, mais que du coup, pour éviter que la planète, euh, que la blessure soit trop importante, que des anciens, dont par exemple Minerve, serait ce serait lié à la rivière de la vie pour pour euh, euh, je sais pas comment te dire ça pour euh, essayer de refermer cette plaie de l'intérieur est-ce que ça pourrait tout ça pourrait est-ce que tu as, as déjà à, je pense que oui à Telasof Zestiria Zestiria bien sûr tu vois ce que fait Soleil à, Solé, à la voilà. fin ouais. ben, je pense qu'il pourrait y avoir le même principe hein. c'est tout à fait possible tout à fait possible. Et ça expliquerait pourquoi ben, quand on appelle la rivière de enfin, quand Genesis tente d'invoquer la déesse, que ce soit elle qui apparaisse par rapport à la mmh -hmm. rivière de la vie. C'est ça. Mais moi j'en suis sûr que c'est ça qui est bien avec euh, le remake, c'est qu'ils peuvent inventer n'importe quoi. Mmh, il y qui a tellement de trous, il y a tellement de trous que tout ce qu'ils peuvent nous sortir, c'est logique. Et c'est ça qui est, est cool. cool. Puisque tu as vu que dans le remake, ils ont bien mis l'accent, avec la campagne publicitaire de la Chine Ra, sur le mode de vie des anciens. Des anciens. Et, et je sens qu'ils qu vont creuser un peu plus. Mais bien sur sûr, ça. mais autant en profiter, c'est le moment. Hein. Bon, les gars, je vais vite vous mettre la cinématique comme ça, parce qu'il y en a, je crois, qu'ils ne savent pas de quoi ça se passe. Alors là, ici, oui. on est à la fin de Dirge of Cerberus, c'est la fin secrète, quand tu as trouvé tous les rapports de chaos et je ne sais plus quoi. Et en fait, euh, Vincent, il a fait son boulot. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe Là, on va voir Genesis se réveiller. Vous regardez. Normalement, j'ai mis le son. Ça c'est ça c'est Nero. Ça c'est qui était contrôlé par Ojo dans dans le jeu. Ah c'est Genesis ça. Hein. Même stylé, Alors, je remets ça dans le contexte. Comme, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, euh, ça, c'est pas ça, c'est pas en jeu, ça. Ça, c'est dans l'univers le, étendu, les bouquins et tout le bazar. Oui, euh, ces Nero font partie du Deep grand, Et en fait, oui, ces Nero, s'ils sont, sont devenus du Deep grand, c'est grâce aux cellules de Genesis. Ils ont pu être, trans, ils ont pu être transformés en soldats Deep grand, grâce aux cellules de Genova. de de Genesis, et en fait eux ce qui veulent se passer le Deep grand ils voulaient se venger de la Shinra, tu vois et vu que ils savent que Genesis il avait la haine sur euh, la Shinra, ils se sont dit de toute façon on le voit à la fin de Crazy Score quand on, on, ils viennent descendre l'hélicoptère et ils viennent chercher Genesis et en fait ils vont le soigner et ils vont lui dire euh, voilà nous on, doit, on veut se venger de la Shinra et on a besoin de toi, on sait que tu as la haine sur eux, mais depuis Genesis lui, il a fait la paix avec lui-même, il a, il, il a été nettoyé de sa rage D'où le fait qu'on le voit dans la cinématique, qui fusionne avec la rivière de la vie. Il ouais, ne il fait plus un. Il nettoyé de, voilà. de sa dégénérescence, quoi. De dégénérescence. Et le fait tu ne peux pas fusionner avec la rivière de la vie si tu es empli de colère, si tu veux de la vengeance, etc. etc. On nous montre bien dans Crisis Il meurt pas dans Crisis On nous voit qu'il fusionne avec la rivière de la vie parce que maintenant il est devenu compatible. Il a accepté, il n'est plus en colère. Et comme je disais, au moment où euh, Wyss et Nero. Ils vont lui dire, on a besoin de toi pour se venger. Lui, il a dit non. Maintenant, moi, je travaille pour la planète. Je vais me mettre en stase jusqu'à ce que la, la planète a besoin de moi. Là, ouais. il est sorti de stase. Ça veut dire qu'il a eu un appel de la planète. J'ai envie de dire, t'étais où pour ces docteur. <laughs> t'étais où Première fois que j'ai vu cette cinématique, je suis devenu fou. Alors là, Auto je précise, c'est la première apparition de Genesis qu'on a eu en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et, de visage, vous n'allez peut-être pas trop le reconnaître, vu que, de base, Genesis, c'est Nomura qui s'est inspiré de Gact. Le... Mais ça, c'est l'acteur, de... hein. c'est le vrai acteur, ça. Oui. Là, euh... c'est le chanteur Gact. Hein. C'est pas une cinématique en 3D, c'est un film hein, que vous regardez. Hein. C'est des vrais acteurs. Hein. C'est sûr, ça Ouais, ouais, ouais. Oto Otoyo. C'est Flag, hein. Pas de la place... Je veux bien que la PlayStation 2, mais Oh putain, je en japonais, merde. Là, il vient de lui dire c'est pas le moment de dormir. We still have much work to do. Il lui dit ta bagnole, t'es euh, mal garée. Quoi. Voilà. Et là, le truc, en fait, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il vient de lui dire il dit à, à, à Whis, il lui dit c'est pas le moment de dormir. Parce qu'on a besoin, euh, il, va, il se passe quelque chose, on a besoin de toi. Et puis au moment où il se tourne une regarde, il dit Brodeur. Brodeur dans le sens parce qu'ils ont été créés à partir des cellules de Genesis. D'où le fait que c'est des frères de sang, des frères de, de trucs. Et là maintenant, il est venu chercher Whis, mais on ne sait pas pourquoi. D'où le fait qu'on vous présente Whis dans le DLC de Yuffie. Mais il a quand même encore les noirs. Hein. Voilà, ça c'était la fin secrète de Dirge of Cerberus. Mais c'est ça qui est cool. Il y a tellement moyen de théoriser. Il y a tellement moyen de. Ils ont, ils ont tellement bien travaillé qu'ils ont réussi à remettre du Deep Grand, ça veut dire du Crisis Core, du Before Crisis, du Dirge of Cerberus, et ils ont encore créé des personnages comme Sonon. Parce que maintenant, Sonon les gars, il n'est pas mort. Hein. Sonon, ça va devenir un deep ground. Ça va devenir un zviet. même. Parce que quand vous voyez l'histoire, l'univers étendu de Final Fantasy VII, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le deep ground C'est qu'à un moment, le deep ground, euh, ils ont une puce dans le cerveau. Tu vois Ils ont une puce dans le cerveau et cette puce, en fait, c'est les restrictors. Leur, les restrictors, ils sont au-dessus des ziviettes. Ils sont au-dessus de Nero. Et si, par exemple, les, les deep ground, ils partent en couille... Parce qu'il y en a, ils ont, ils ont, ils ont reçu tellement de, de produits et tout qui pètaient un câble, en fait. Mmh. Ah ben, si tu ne les écoutes pas, si tu ne fais pas ton boulot, on t'explose la tête, en fait. On t'explose la tête. Et le truc, c'est quoi J'ai perdu le fil de. Ouais. Et à un moment, ce qui se passe, euh, dans l'histoire, euh, Whis, c'est le chef des Deep Grand, il va engager quelqu'un. Il va aller chercher un, un, un mec, ils vont le capturer. Et Shelk c'est une, une, une fille du Deep Ground qui a le pouvoir de te faire changer tes souvenirs. Et en fait, elle, qu'est-ce qu'elle va faire son bout Ils vont lui dire ce gars, il, tu, il va nous aider à tuer les restrictors. Les restrictors, c'est eux qui les enchaînent, en fait. C'est leur geôlier, en fait. Et c'est le seul moyen pour qu'ils se libèrent. Et le truc, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire ce mec, on va le capturer. On va lui implanter des faux souvenirs. On va lui faire croire que la Chine a tué sa sœur. Dans le DLC du fils, c'est qui qui meurt de la part de. C'est qui qui meurt Une sœur qui meurt, c'est qui La sœur de Sonon. La sœur de Sonon, elle meurt. À cause de Scarlett, elle est morte de la Shinra. Maintenant, ce qu'ils vont faire, le gars, c'est un random. Hein, dans l'histoire, c'est un, un bête random dans l'univers étendu. Mais ce random, maintenant, il a un visage. C'est Sonon. Parce que les gens, ils croient qu'il est mort. Il n'est pas mort. Hein. On voit bien que Nero, il le ramène dans les ténèbres. Et en fait, ce qui va se passer, ils vont lui, ils vont, ils vont lui trafiquer sa mémoire, même pas parce qu'il. C'est vrai, euh, Melfi, elle est morte de, de, à cause de Scarlett. Et, et lui va devenir un Tzviet. Voilà comment tu implantes un bon personnage. Et ça va donner du corps à Yuffie. Parce que Yuffie, désolé, avec son DLC, elle peut plus être la Yuffie de Final Fantasy XVII. Elle, elle a vécu des choses. Elle a vécu des choses qui l'ont fait grandir. Et ça donne un arc scénaristique à Yuffie. Parce qu'à un moment ou l'autre elle va revoir Sonon. Et quand elle va revoir Sonon, Sonon, lui, il va être... Euh, il est manipulé par Shelk. Et voilà. Magnifique. C'est trop fait. Il a dit que Shelk allait être jouable. Mais tu vois, c'est ça que je piche pas. Pourquoi Shelk, elle, elle va être jouable mais Elle n'est pas censée être récente, Shelk, dans, dans le Deep Grand Shelk, c'est une des dernières qui a été euh, ramenée ouais. dans le Deep Grand. C'est une des dernières. Peut-être que c'est avant qu'elle soit ramenée. Ah, peut-être sûrement, on va voir. Hein. Bah, peut-être qu'on va faire genre, euh, qu va faire genre Shell qui est morte, mais en fait, ben non, elle va être récupérée par. Euh... Tu vois, il y a tellement de possibilités, parce qu'il y a tellement de zones d'ombre dans le scénario qu'il peut faire ce qu'ils veulent, les gars. Il peut faire ce qu'ils veulent. Moi, j'en suis sûr qu'elle ne sera pas jouable. c'est pas possible. Parce que dans les leaks, il y a toujours des trucs hyper foireux. Et ça, ça en fait partie, c'est sûr. Sid pas jouable. Cid pas jouable. Et quoi, ils vont nous faire un seed de Kingdom Hearts? Il arrêter. Hein. Ouais, je... <laughs> Franchement, je pense que j'aimerais bien être avec toi quand tu feras les découvertes des prochaines bandes-annonces, parce que ah, bah, bah, je veux bah, voir ta réaction si bah, jamais bah, tu a... vois Shell, oh putain <laughs> Déjà que j'aime pas Shell avec sa grosse tête. <laughs> payer, Mais moi, si moi, même si ils font pas ce que je pense, je m'en bats les couilles. Ça veut dire qu'ils ont réussi à me surprendre. Je m'en bats les couilles d'avoir raison, d'avoir tort. Moi, je veux être surpris. Si après, moi aussi, je deviens l'oracle, c'est autre chose. Je vais me la péter un peu, c'est normal. Mais sinon, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je veux être surpris. S'ils arrivent à me surprendre, c'est le principal. Mais l'histoire, elle est tellement bien ficelée. Elle est tellement bien faite. Ils ont tellement respecté le canon et, et le canon de la compilation qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Plein de fois, j'ai débunké pour te dire qu'il n'y aura pas de timeline. Que Zach, c'est logique. Tout ce qu'on a vu de Zach, c'est dans le passé. « Ouais, mais comment tu fais euh, avec la Buster Sword quand il est devant l'église ?» Il a déposé Cloud quelque part, tout simplement. Et en plus, on le voit bien dans Crazy Score. Quand il sort de, de, du tube, il dit « Cloud, je suis obligé d'aller à Midgar, je dois aller voir quelqu'un. » On sent cet empressement, on sent qu'il est pressé d'aller voir Iris. Et qu'est-ce qu'on voit dans Crazy Score Il porte Zach, il porte Cloud, il voit Midgar et on le voit direct aller à l'église. Il a déposé Cloud quelque part parce que Cloud est pété, il ne peut pas le trimballer tout le temps comme ça. Tu il vois, il l'a déposé. Hein. Voilà, déposé quelque part. Il est rentré okay. dans l'église. Il a vu qu'Iris n'est pas là. Il va ressortir de l'église. Il va voir des soldats de la Shinra. Ils vont le reconnaître direct. Il a un habit du soldat. Il a la Buster Sword. Parce que dans le remake, au début du jeu, quand on voit Cloud, il ne dit pas Cloud. Il dit eh, C'est Il ne dit pas Cloud. Il dit CTP, C'est-à-dire qu'il a reconnu l'épée de, 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 de Zach il va voir ça, il va les défoncer. C'est Zach, c'est normal, il va les défoncer. Qu'est-ce qu'il va faire Il va retourner chez, chez Cloud. Il va lui dire, Cloud, euh, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester avec toi. C'est trop dangereux. Je vais te donner mon épée, mon héritage. Et lui, il va changer d'habit et il va aller au Wutai. Tout simplement. Voilà comment tu fais pour ne pas mettre de timeline. Après, si tu mets une autre timeline, comment tu vas remettre Zach dans la timeline de Final Fantasy remake Tu vois Mais bon... Ça déglingue. Moi, j'adore. Je peux parler de ça toute la nuit, les gars. Je peux parler de ça toute la nuit. Mais il y a tellement de possibilités. Voilà, c'est pour vous dire que Nojima, il, te peut... il peut te sortir n'importe quel scénario. Il va même peut-être sortir encore un truc encore plus facile que ça. Plus simple. C'est nous qu'on va tellement loin. jean voilà. zal qui shoot dans un ballon de baseball, qui voit sur la plage et ça explose et il meurt, c'est ça <laughs> J'ai lu l'interview. Il... il était dégoûté de faire ce livre. Hein. Il était dégoûté. Hein. Ça se sent de toute façon quand tu lis le livre. C'est flagrant. C'est flagrant. C'est pourri. C'est pas logique. Il n'y a aucune cohérence. À un moment, je lis le livre. Okay, Yuna, tu passes, tu tournes la page. Tu te retrouves mille ans en arrière. Et tu apprends ça qu'à la fin. Tu comprends ça qu'à la fin. Mais c'est tellement mal fait. C'est tellement mal Je fais quoi J'ai dû le relire une deuxième fois pour comprendre. Que ça se passait mille ans à la f... mille ans parce qu'à aucun moment, ça dit « Ah, c'est mille ans avant, c'est pendant la guerre de, de Zanarkhan et Bevel. » J'ai dit « Mais putain, ça se voit que Nojima, il en avait rien à branler de ce putain de livre. »« Alors, il est bon Nojima pour les scénarios ?» Nojima, c'est Nojima. oh Les gars, vous êtes fous, quoi, toi. Vous êtes fous. Bien sûr qu'il est bon, Nojima. Blitzboom. <laughs> Pas mal. <laughs> Pas mal, Blitzboom. C'est <laughs> -ce un livre de merde, hein je vous le dis tout de suite. C'est un livre de merde. Hein Bon, les gars, dites-moi, parce que là, on arrive bientôt à 3 heures de live. Est-ce que vous avez des questions pour Chronos N'importe quoi, même sur euh, Kingdom Hearts, mais pas trop, parce que sinon, on va le lancer. Même moi, j'ai envie, hein. moi, j'ai envie, je ne veux pas vous mentir. Sinon, on refera un live Kingdom Hearts, parce que moi-même, j'ai des questions. Si vous avez des questions à Chronos, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Tu t'en es bien remis d'ailleurs, du live d'hier hein ah, je l'ai écouté dans le tram, j'ai adoré. C'était magnifique. C'est magnifique. Alors, et, et au moment où j'ai commencé mon cerveau, il commence à chauffer, j'arrive au terminus, j'avais 20 minutes. Au terminus, j'étais ah <laughs> Magnifique. Il y a tellement de possibilités. C'est génial. C'est génialissime. Alors. Ma théorie, la plus fois sur la FF7. Bah, C'était le truc d'Airis que j'ai dit, qu'elle a fait une vision, mais ce n'est même pas la mienne de théorie. Moi, j'en ai peu. En vrai, en ai elle connue cette cette théorie comme quoi c'est une vision qui... en fait Final Fantasy VII c'est une vision en fait c'est si elle fait pas quelque chose c'est Final Fantasy VII qui va se passer en fait il y a beaucoup de théories euh, là, là dessus alors ton FF préféré bah en fait là, là, sinon la théorie la plus folle que j'ai donnée mais bon là c'est même pas de la théorie c'est plus de la spéculation j'ai j'ai zéro euh... Zéro argumentation, mais c'est celle de Minerve hein, qui serait une ancienne et qui aurait une des anciennes qui aurait combattu Genova. Euh... Mais, mais ce serait bien parce qu'on nous donne un acteur pour la guerre. On nous donne un acteur pour la guerre qu'on peut suivre et tu l'as déjà rencontré dans Crisis Score. C'est tout à fait plausible. Hein. C'est tout à fait plausible. Euh, Alors, bon bon affaire, bon affaire toi préféré, as préféré euh, le 8. T'es un bon toi, t'es un bon, mais je le savais déjà. Alors, quand nous quoi le trailer de Cash. KH4, oubliez-le. Oubliez-le pour le moment. C'est quand le trailer de KH4 Ça pourrait être en avril. C'est tôt, non C'est tôt pour un. Bah en théorie, enfin, non. Ouais, il, pourrait, il pourrait refaire un événement pour le nouvel anniversaire encore au 104. Je sais pas, vu que c'était bien passé. Euh, en vrai. Euh, ah, je pense que quand tu son h 4 il, il faudrait l'oublier un peu encore un petit ouais, moment. Non, il, il a été avait clair, dit, instant, En avril, il avait dit euh, euh, Vous n'aurez pas news avant un petit moment. Donc, euh... Voilà, laissez-le laissez le bosser. Alors, peut-être. Je pense peu qu'au qu plus tôt, euh, ce serait pour le 3. Mais... Encore, il hein, faut voir. Ils vont annoncer d'autres au en mars, entre-temps. Hein ouais. Ah, bah ben oui, c'est ça. Clairement, ça c'est sûr. Ils Alors, vont pas se contenter seulement de Missing Link euh, en attendant KH4. KH4, de toute façon, il sort, moi je ne le vois pas sortir. Euh, 2025, pas... Euh, 2025, 2026. Ça, ah, bah, ça, avant 2025, vous oubliez les gars, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est clair et net, vous oubliez. Et... 2026 à la rigueur. Euh, pardon, 2025, ouais. Mais pas avant, ça c'est sûr. Alors, World of Final peu... ouais, il pourrait être très bien, ben bah ouais c'est des fa... c'est des c'est des jeux qui continuent qui ils en fassent un deuxième moi je mais... dis bon, moi j'ai moi j'ai adoré ce putain de jeu moi s'ils si peuvent le faire pas de problème c'était une claque au début je les... ah ouais. c'est un les... peu les... lent je au les... début les... Je l'ai snobé, je me suis dit putain, les VFF en Chibi sont dégueulasses, hein, c est, c est, ça a l'air chiant. Et en vrai, maintenant, je me dis putain, j'ai fait de la version Maxima et oh là là. Je ah bah, bah, moi, plus moi plus. je l'ai joué avec la version Maxima, heureusement, parce que j'ai kiffé. Alors, tu as lu les livres de Jay de Kingdom Hearts, édition Sword Si oui, qu'en penses-tu C'est un putain de fan, lui, hein. ouf ça euh, Honnêtement, j'ai acheté que le premier. Et Moi, j'ai que le premier. Je suis pas très lecture de, de livres de base. Je parle de livres où il n'y a que des mots. Les, les seuls romans que j'ai dû lire ces 15 dernières années, c'était les romans de Kinomars en japonais et les romans de. Euh, enfin, le Light Nouvelle, euh, bon, ça n'a rien à voir de, par rapport à Square Enix, le Light novel de Siraf of the End moment ah ouais. dans le manga d'ailleurs. Mm -hmm. Mais sinon, euh, je ne suis pas roman. La preuve, euh, voilà, mm -hmm. il en faut beaucoup pour me faire lire un roman. Quoi. Et le, gars, Même le roman FF15, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu. <laughs> voilà, jamais... Pour te dire, comme ça, ça répond à ta question. Alors, tiens, il y a un truc que je n'ai pas compris dans la cinématique avec Marlène. À un moment, il y a Iris qui va chercher Marlène au 7ème ciel. Et quand Iris s'approche, Marlène, c'est un c'est une ancienne. Ne chipote pas. Marlène, c'est une ancienne. Comme... commence pas à chipoter avec ça, j'en suis sûr et certain. Marlène c'est une ancienne j'ai fait une théorie tape sur la chaîne euh, Marlène ancienne théorie tu verras j'ai tout expliqué je t'ai mis du Advent Children je t'ai mis du FF7 tu vas kiffer alors que penses-tu de Cash Missing Link je crois, je crois que le, il attend plus que Cash F... euh, Cap <laughs> oh j'ai envie de dire euh, autant l'un <laughs> que l'autre en fait hein. mais moi ce qui est, Missing Link c'est l'histoire des familles non mais je, mais je pense que c'est Missing Link qui va vraiment poser les nouvelles bases de la série les... quoi. Moi, je suis impatient de voir ce système de famille, ça. Ah, parce que ouais, bah, bon, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, parce que c'est après des petites infos que tu as données dans les interviews, le single qui va se passer. Ils ont, ils avaient dit quatre uh, générations. Quatre générations. Après le vécu de l'éphémère. ça veut tout et rien dire ça, mais quatre ouais, voilà. générations, ça fait environ 100 ans. Mmh. Et on nous dit que, on, 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 que éphémère, du coup, on va avoir toute cette, on va avoir. Dans le, scalata, le, non, dans le Scala at Caelum, style victorien, que l'on voit dans style, Missing Link, on va lieu. avoir l'histoire de la descendance d'éphémère qui s'est divisée en plusieurs branches, la branche principale, la branche secondaire. Euh, il, va, il va forcément y avoir des conflits de lignées pour dire c est, c est, Moi, je suis important. C est, c est. En mode, euh, toi, tu as un quart de sang bleu. T'es un sang bleu. <laughs> et même l'abandonnance nous dit Ça va être une histoire et aussi entre les héritiers. Magnifique. les héritiers d'éphémère et les non-héritiers, ceux qui n'ont pas de sang d'éphémère. Ouais. Ouais. Franchement, tout ça, je... ça m'intéresse vachement. Voilà. Alors, Dirge of Cerberus mérite un remaster bah, Il sera. Hein. Il est dans Evercrisis, hein, Dirge of Cerberus. Mais ce, ce sera comme euh, Crisis Core. Hein. Ce sera en... en ils midi, ont ou... dit que ce n'était pas... pas prévu un remaster d'Argent de... Cerberus. Un remaster, hein. ce n'est pas, pas prévu. Parce qu'il va être dans Evercrisis. Uh -huh, court, il avait dit à morts, je crois. Ah ouais, c'est ce qu'il avait dit. non, non as, ça, à ce niveau-là, je suis à cheval là-dessus. Bon, les gars, ça fait trois heures pile de live. J'ai passé un moment magnifique. J'espère, Chronos, que bah, tu t'es pas embêté, que trois heures, c'est quand même trois heures. C'était chaud. Non, ça va. <laughs> ah, ça va verser le. <laughs> ah, en tout cas, c'était cool. En tout cas, euh, un grand merci à vous. On a dépassé les 45. Ça fait super plaisir, les gens. On est resté régulier au niveau des vues. C'était trop fort les questions que vous posez. Il y avait de l'interaction dans le chat. En tout cas, quand on parle de théorie, il y a toujours du monde et ça, ça fait plaisir. En tout cas, Chronos, moi, je te réinvite avec plaisir, mais la prochaine fois, ce sera plus de Ah, moi, c'est moi qui te remercie, mon frère. C'est moi qui te remercie, tout le monde, sur le chat. Ici, on est bien. Du KH, du FF, et on est bien. En tout cas, voilà. En tout cas, tu sais, tu es le bienvenu quand tu veux. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, les gens, mille merci à vous. Oh putain, Tinnis, c'est maintenant que tu viens. <laughs> je vais mettre, de toute façon, je vais mettre la rediff sur YouTube parce qu'on a parlé théorie et tout. Ça, ça, ça. On va mettre ça sur YouTube. C'était génial. Merci, Chronos. Et attends, ah, pas de problème, on dit. Mille merci à vous. Merci, Lilou. Sourire, un grand, grand merci à vous. Passez une bonne nuit. On a passé trois heures de live ensemble. Je n'ai pas vu le temps passer. Pour vous dire, je suis debout depuis le début et j'ai pas mal au pied. J'étais tellement concentré là-dessus que c'était kiffant. D'accord Comme d'habitude, ben, je vais vous laisser avec la fin. Hein. C'est parti pour une petite. Non, ah, non, parce que si je le laisse, on ne pourra pas parler de nous. Malheureusement, je ne suis pas sur OBS. On aura ça la prochaine fois. Comme d'habitude c'était calme, et je vous dis à une prochaine fois pour un autre live sur Final Fantasy et Kingdom Hearts ciao ciao tout le monde